Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir Bubble Ben, comment vas-tu? Tu m'entends? Salut. Tout va bien? Oui. Oui, nickel. Ok, parfait, vous l'entendez bien, tout va bien? Je vais baisser encore un peu la musique parce que ça a l'air très fort. Voilà, je vais mettre une petite musique très légère. Hop là, je mets le chat. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que tu peux parler un petit peu, mon petit Bubble Ben? Presse A pour métal. Ouh, t'as ta main un petit peu fort. Que je suis là, vive les chevaches. Ok, parfait, magnifique. Trop de chevaches. Ouais, c'est bien, c'est bien. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu nous... Alors ce soir, donc, interview de Monsieur Bubble Ben. Je vous avais dit il y a quelques temps... Ah, il y a un petit... Il y a un petit décalage, j'ai l'impression. Allô, allô, 1-2-1-2. Ah, j'ai l'impression que tu m'entends en décalé. Ah, tu m'entends peut-être via le Twitch. Est-ce que c'est pas pour ça? Est-ce que tu m'as pas vu? Je t'entends, j'ai quelques ping. Ouais, j'ai un petit peu ping. Ah, c'est peut-être parce que t'as mis le son de Twitch. Alors, non, j'ai coupé le son, mais par contre, je sais pourquoi. Je vais couper le Twitch tout de suite. Et normalement, là, il y aura plus de ping. Ok. Je vais limiter ma bande passante. c'est un bouseux. Il vit à la campagne. Il a pas la fibre. Eh non. C'est terrible. Mais regarde, j'ai la technologie, je vais mettre Twitch sur mon téléphone. Oh, incroyable, incroyable. Bon, en attendant qu'il règle son petit truc, je vous ai mis son Instagram en épinglé là, tout en haut du chat. Donc si vous voulez aller voir, évidemment, il m'a filé quelques photos que je n'ai pas été voir. J'ai gardé la fraîcheur pour l'instant. Mais au moins, vous aurez un aperçu de son travail. Donc, Monsieur Bubble Ben est un peintre de commission. Tu fais de la peinture, c'est ton métier, en partie. Oui, chef. Puisque tu es aussi, quelque part, travailleur chez le Père Noël, puisque tu travailles chez Games Workshop aussi en tant qu'employé dans un magasin, si je comprends bien. Ouais. Et là, c'est uniquement là, les 4 semaines. C'est juste pour remplacer. Juste pour dépanner. Je fais ça une fois par an. Voilà, je fais ça une fois par an juste pour voir des gens sortir de la cave et dire « Regardez, je vends des jouets !» Il y a des gens dehors, il se passe des choses. Non mais pendant 4 semaines, ouais, tu y vas et tu dis « Je suis le lutin du Père Noël, des jouets, des figurines et des White Dwarfs, c'est trop bien !» Ben, ça doit être bien pendant la période de Noël aussi, ça doit être très sympa, je pense. Ouais, c'est moins fun. C'est moins fun parce que tu l'as « Bip, 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 bonjour, bip, bip !» Ouais, donc tu es une machine, tu es un robot, très bien, très bien. Et du coup, alors en plus de ça, parce que c'est pas tout, cet homme a plein de talents, tu es arbitre, alors pour la FEC, c'est ça? Ouais. On en parlera aussi un petit peu. C'est même plus que ça, parce que je suis arbitre de la FEC, je suis même arbitre du WTC. Du WTC, WTC, c'est ça? Ultimate Championship. Ah, ça faisait un peu nom de chez Burger King aussi, tu vois, ça aurait pu être le nom d'un burger, c'était sympa. Je suis chef KFC, bonjour. Exactement. Exactement, donc du coup... la soirée, ça va être de te poser des questions en tant que peintre pro principalement, mais aussi évidemment sur ton truc d'arbitre, parce que moi je t'ai dit, je joue depuis un an à peu près, donc on connaît pas trop tous ces trucs là. Et puis voilà, donc ta petite vie, ta façon de peindre et tout et tout. Donc, avec plaisir. Déjà la première question, nous on s'est croisés pas mal de fois, mais finalement on n'a jamais pris le temps de discuter longuement, on n'a même pas jamais bu une bière ensemble d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse un de ces quatre. C'est honteux, c'est dramatique. Honteux, complètement honteux. C'est terrible. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment t'as commencé à devenir peintre pro? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait en peintre pro? Je travaillais merveilleusement à Carrefour. Ah, c'est un excellent moment de ma vie. Monde merveilleux. C'était nul. Je suis pote avec Fabrice Tran, donc que les vieux connaissent... parce que c'était un peintre pro, enfin il est toujours peintre pro, mais il en fait un poil moins là. De la grande époque où il faisait encore les Golden Démons. Et en fait, il m'a fait commencer parce qu'il avait tellement de commandes qu'il fallait monter les figurines et au moins genre sous-coucher ou faire les couches de base. Et en fait, j'ai fait ça pendant 6 mois ou 1 an. Et au bout d'un à un moment donné, il a eu moins de commandes ou des trucs un peu plus précis à faire. J'en ai vendu 2 ou 3. Et à la 3e, j'ai fait « Allez hop, on déclare, allez, c'est vendu, c'est parti ». Ok, donc tu avais déjà des clients avant de te lancer? Ouais. Ok. Et du coup, t'as jamais arrêté? T'as jamais eu de pause, difficulté particulière? Ouais. En termes de cadence? Ouais. En fait, j'ai fait 2012-2016. En 2016, c'est un poil arrêté parce que je connaissais surtout les gens qui jouaient à
Warhammer 40K et Age of Sigmar. Ok. Et le jeu est devenu plus casu pour Age of Sigmar, donc il n'y a pas des gens qui demandaient de la peinture. Et Warhammer 40 000, les gens que je connaissais ont arrêté complètement. Et donc en fait, je suis allé faire autre chose pendant 3 ans. D'accord. On a monté une boîte, vendre des trucs sur les marchés, machin bidule. Qui n'a pas marché, puis qui sait bien. On a eu un coup d'attaque russe du site internet qui a explosé, et paf, le Covid. On a fait, allez, c'est le moment. Ouais. Arrête. Terminé. Et du coup, en même temps que ça, il y a des mecs qui m'ont appelé en me disant, hey, tu voudrais pas me peindre des figurines, s'il te plaît. C'est reparti. D'accord, ça s'en va et ça revient. C'est ça. Alors toi, du coup, j'en profite pour rebondir. C'est j'ai pas beaucoup parlé de ton activité jusqu'à maintenant, donc à chaque fois je représenterai un peu. Toi, tu fais principalement aujourd'hui de la peinture de commission, mais d'armée. Ouais. C'est ça ton truc principal. De toute façon, si vous allez sur l'insta de Babel Ben, vous verrez que c'est principalement ça. Donc j'imagine effectivement, j'aurais jamais pensé que ça avait un impact aussi énorme. Mais forcément, si tu peins de l'armée, c'est un impact dans le jeu, c'est important. Et d'ailleurs, tu m'as dit que t'aimerais bien d'ailleurs t'orienter un petit peu plus sur de la commission, mais de figurines un peu plus individuelles, quoi. Ouais. Parce que la peinture d'armée, c'est pas mal parce que ça te paye les factures, hein, parce que vu que c'est t'as énormément de masse à faire et que tu peux tomber. Sauf que j'ai filé un cours la dernière fois, donc j'ai pu peindre une figurine pendant une journée. Ouais. Et juste avant, j'avais pris un cours avec Nico. Ok. J'ai oublié son nom. Nico Désé. Little Demon. Little Demon Studio, ouais. Voilà, et deux fois d'affilée, tu dis, oh, je peux peindre une figurine, je peux mettre 2 jours pour peindre la même figurine. Ouais, ça, c'est trop bien. Incroyable. Ouais. Parce que là, tu vois, par exemple, genre, entre hier et ce matin, j'ai peint 4 Predators avec toutes les armées montées et tout peint. Et t'es obligé de faire un truc pas bien, parce qu'il faut que ce soit peint. Quoi. Bah, ce que j'imagine qui doit être difficile, c'est que du coup, c'est vrai que la plupart du temps, peut-être on s'imagine, quand on va se lancer en peintre, c'est qu'on va pouvoir prendre son temps sur les figurines. En l'occurrence, le marché quand même le plus énervé, c'est le marché de la peinture d'armée, puisque c'est là où il y a le plus de volume, donc là, c'est là où t'es le plus à l'aise, j'imagine. Et du coup, ça doit être dur d'en sortir, parce que même ta com, finalement, à montrer, t'as que des armées pour l'instant quasiment, non? Ouais, c'est ça. Et puis là, ça fait 1 an et demi... sur l'Instagram, il n'y a quasiment rien. Pardon. Parce que je peins du tabletop. Ça n'a aucun intérêt d'aller montrer des trucs où tu as brossé à sec une armée parce que les mecs, ils te l'ont demandé. Enfin, il y a un mec qui m'a demandé l'armée le mardi pour jouer le samedi. Ah ouais, non, mais là, c'est hardcore, là. Je l'ai fait. C'était le dernier French War Game Day. Je sais pas si vous allez sur Instagram, il y a une armée Votan peint en blanc et bleu. Je l'ai peint en 3 jours. D'accord, ok. C'est enfer. Le pire, c'était calculer. Je dis, alors il y a l'ancrage. Donc il faut absolument que je fasse le maximum pour faire l'ancrage à 2h du matin. Parce que comme ça, je peux aller me coucher. C'est sec à 8h. Donc je mets le réveil et comme ça, je peux recommencer. Le soir, je fais les soclages. Parce que pareil, il faut 8h de séchage. Donc je me couche à 2h. Le matin, je fais les courses. Allez, à 10h, je reprends. Pff, quel enfer. C'est pas tellement l'image qu'on se fait de loin le monde de rêve de peintre pro, on va dire. C'est un peu différent, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est particulier, c'est que comme moi, je suis rentré dans le peintre pro par la petite porte, c'est-à-dire que j'ai pas gagné un concours et on m'a fait peindre des trucs. Je suis rentré par là parce que je peignais plus vite que tout le monde et que pour le temps que je mettais, la qualité était ok. Et donc, les mecs m'ont commandé des trucs. C'est après coup, j'ai dit, regardez, je peux gagner des concours. Laissez-moi du temps pour peindre des figurines. On m'a dit, ouais, mais fais-moi du tabletop. T'as dit, c'est marrant le fait d'entrer par la petite porte parce que t'as pas gagné de concours et que du coup on demande pas de belles filles. Est-ce que tu connais des peintres qui ont eu cette approche? Parce que j'avoue que j'en connais pas, moi. Tout le monde s'est fait petit à petit dans mon entourage. Déjà, alors moi qui suis un vieux, au tout début du Golden Demon, quand tu voulais travailler, fallait gagner un Golden Demon. D'accord, ok. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu gagnais un Golden Demon, on voulait bien te commander des figurines. Oh là là, mais c'est un peintre de Golden Demon. Par contre, je payais 50 euros, il faut qu'il me fasse une armée. Je suis sûr qu'elle va être vachement bien. Les mecs ne voulaient pas payer, mais ils voulaient que tu aies gagné un Golden Demon. Ouais, c'était le truc d'ailleurs. Ici, je dis, mais t'es peintre, t'as gagné un Golden Demon? Non, j'ai fait finaliste. Barrez-vous. Laissez-moi tranquille. Vas-y, je te laisse finir, pardon, excuse-moi. Du coup, tu peignais Enfin, tu faisais peindre des armées, souvent parce que toi, tu jouais avec des figurines peintes, qu'un mec te disait, tiens, tu veux pas me peindre un truc et c'est comme ça que tu peignais des figurines. C'est d'ailleurs encore comme ça que je peins des figurines, parce que je joue avec mes figurines peintes
que les gens, comme ça fait 10 ans que je fais ça, savent que je peins des figurines et voient mes figurines quand je joue. Donc en plus, ils savent que je joue à 40K, donc je vais savoir de quoi je parle. Les mecs me voient, donc c'est pas un mec qui habite à l'autre bout de la France que tu connais pas, qui va peut-être jamais t'envoyer les figurines. Mmh. Donc bon, ça aide. Tu sais où il habite, tu peux aller lui casser les jambes s'il paye pas, quoi. Exactement, mais j'ai un chat de combat. Là, t'as Big Imperator qui demande ouais. Faut-il nécessairement avoir cette coupe de cheveux et cette paire de lunettes pour être peintre pro? Ouais, c'est une condition sine qua non. Vous remarquerez que tous les peintres de qualité ont cette coupe de cheveux et cette paire de lunettes. C'est important. On l'a commandé chez Games Workshop, c'est le kit de démarrage du peintre pro. Faut pas donner tous les secrets. Il y a des choses, et on a dit qu'on n'en parlait pas de ces choses-là, c'est important. Pardon. Non, je rendrai jamais l'argent, les gars, c'est mort, il faut vous faire une raison. Jamais ça arrivera. D'ailleurs, toi, est-ce que tu rends l'argent? Ça t'est déjà arrivé de rendre l'argent? Alors, sur une commande de peinture, non. Ok. Ça m'est arrivé qu'un mec me dise tu vas me rembourser parce que c'est pas ce que je voulais. Ouais. Et où je lui ai dit, bah alors attends, si tu calcules bien, tu m'as demandé du tabletop, tu m'as négocié tous les prix 25 fois, je te fais du tabletop et tu dis, ah mais c'est pas comme ton armée où t'as passé 8 heures par figurine? Bah non. Ah mais je vais te rembourser? Non. Je peux te faire un deal? Ouais, je lui fais un deal gentiment, je lui dis, bah écoute, je reprends les trucs où t'étais pas d'accord sur la couleur, je l'ai refait, puis là je peux t'améliorer un peu la qualité. Mais il faut comprendre que tu m'as demandé 200 figurines et que t'as pas payé cher, quoi. Ouais, ça doit être difficile d'avoir des clients comme ça, mais j'imagine toi du coup ça doit être plus chiant parce que les clients doivent tourner souvent, les mecs doivent pas te commander des armées en permanence. Détrompe-toi. Ah ouais. Parce que je joue souvent avec des gens qui font du tournoi à haut niveau, ce qui veut dire que tous les 3 mois le méta change et tous les 3 mois il faut changer d'armée. Donc en fait je bosse avec 4-5 clients qui me commandent 4 armées par an. Ok, bon c'est plutôt une bonne chose parce que du coup tu les connais et t'as moins de problèmes quoi. Ouais, tu peux avoir des problèmes, ça m'est arrivé sur un avec qui je bosse en permanence et sur un truc auquel on s'est pas compris. Ou par exemple, il m'envoie une photo de figurine où le style était très grimdark, brossé à sec, un peu crade. Et je lui fais du grimdark avec plein de grouilles, de trucs. Et il me dit, ah mais c'est pas propre, c'est pas ce que je voulais. En fait, il voulait la couleur comme ça, mais tout propre. Et j'ai fait, donne des figurines, on va te les refaire. Ouais, ça doit être difficile. Toi comment t'abordes ça? J'imagine que, alors moi à titre perso tu vois j'avais, maintenant je m'en sers plus trop, mais j'avais un questionnaire justement pré-rédigé pour les clients pour essayer d'éviter ce genre de problème. Comment tu t'y prends toi? Tu le fais par téléphone, en direct avec la personne? Alors ça peut m'arriver le téléphone. Le truc c'est que comme j'ai des journées remplies et que je reste encore quelqu'un qui va m'appeler pour pouvoir me harceler, avoir mon numéro de téléphone. Je l'ai fait au tout début. Et c'est les mecs qui t'appellent le dimanche à 23h, savoir où sont leurs figurines. Ok. J'aime pas trop. Donc je reste souvent mail, message, souvent parce que comme ça, tu peux... Enfin, les gens que je connais proches m'envoient du WhatsApp et du Facebook parce que t'as la conversation classique et paf, tiens, il y a ma commande au milieu. Et souvent, ouais, je fais tout par Messenger, c'est pas mal, parce que tu peux chercher, tu as les preuves dedans, tu sais que tu marques tout en disant tel jour j'ai fini une figurine, tiens, là je t'ai envoyé la photo, tiens, il y a ça. Comme ça, tu peux remonter dans la conversation. Mm-hmm. Comme ça, tu peux dire, hey, la dernière fois, je t'avais fait ça, est-ce que ça te va? Là, cette couleur-là, je ne l'ai plus, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse différemment? Voilà. Le mail, c'est pas mal parce que tu peux avoir plein d'informations et souvent, je vais juste poser des questions uniquement pour voir si la personne sait ce qu'elle veut. Ok. Parce que de base, si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, ce qui m'est arrivé, bon, je n'expliquerai pas l'armée, mais parce que la personne va se rendre compte que peut-être je parle de lui, je ne sais pas. Mais en fait, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Il voulait un effet, mais pas trop, mais payé pas cher, mais quand même. Et en fait, plus je lui posais des questions, et plus il disait, ah oui, ça, ah non, ça, ah ouais, ça ira pas, alors ça peut-être. Et en fait, il changeait de position tout le temps. Où il me parlait d'une autre armée qu'il voulait peindre. Et donc, d'accord. Très, très vite, j'ai dit, ah, tu sais pas ce que tu veux. Si, dès que je vais commencer, tu vas me faire changer d'avis 3 fois. Et en plus, il voulait un effet particulier de peinture métallique. Et j'ai dit, si la peinture métallique, je fais ton effet, c'est de la peinture à bagnole. C'est-à-dire que je fais la couleur, tu peux plus retoucher après. Si je déborde, c'est mort. Enfin, tu veux faire du rouge candy chrome, machin. Le chrome, c'est horrible. C'est-à-dire, tu passes le chrome, faut pas toucher la figurine. Faut plus jamais toucher la figurine. Pas la vernis, pas rien.
et je peux pas repeindre dessus. Ah ouais, mais c'est vachement joli. Alors non. C'est pas joli. Ça, c'est dur. C'est la pédagogie, c'est dur. Et t'en as plein qui disent ouais, je voudrais des figurines vachement contrastées, genre bleu clair et vert clair. Contraste. Bleu clair, vert clair. Qu'est-ce que tu entends par contraste? Tu as des gens aussi qui ont regardé des tutos peinture et qui disent alors je voudrais un truc avec des glacis de shade. De quoi tu parles? Ouais, il mélange tout, effectivement. Merci beaucoup, Malika, pour le raid. Excuse-moi, je te coupe vite fait. Merci infiniment et bienvenue, les Raiders. The Raiders. Ah, les Raiders. J'ai un accent incroyable. Raiders. Ouais, du coup, en gros, c'est un truc qui se répand vachement. Enfin, moi, je l'ai appris avec l'expérience et ce côté pédagogie dirigiste avec le client. En gros, la vision, le niveau ou la précision dans les choix est très disparate selon les gens. Et en plus, comme tu disais à juste titre, ça permet aussi de remarquer en fait le type de client que tu as en face. Et des fois, de ne pas tomber sur des problèmes. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, là, les clients que j'ai, au bout d'un moment, ils connaissent ton travail. Il y en a plein qui te disent « Alors, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais je voudrais un test. » Je refuse les tests. Déjà parce que la plupart du temps, ça veut dire que tu passes 3 semaines d'aller-retour pour peindre une figurine que tu vas facturer, mais tu vas la facturer à rien parce que le mec, il ne veut, je sais pas, une figurine à 20 balles pour pouvoir faire du piéton. Mmh. Classique, sans ristourne, sans prix, parce qu'il y a plein de choses, machin. Tu passes une heure pour faire un piéton, nickel. Sauf que le mec, il va te payer 20 balles, sauf que tu en as passé pour 3 semaines, puis après, il va te faire des changements, puis machin. Et à la fin, il dit non, merci, c'est bon. C'est mon travail est là. J'ai, X armées, j'ai jamais compté d'ailleurs. X armées que j'ai déjà peintes avec X clients qui sont très contents, qui me recommandent des trucs. Soit tu me commandes une armée, soit t'es pas sûr et ne commande pas d'armée. Mais même pas à moi. C'est mets-toi sûr avec toi-même, trouve quelqu'un qui est en bas de chez toi, comme ça, que tu connais mieux. C'est pas grave si tu passes pas chez moi. Il y a des peintres très sexy, Girio par exemple, qui peuvent peindre des trucs. Bon, c'est une ma armée, caractéristique grande. Principale. Sexy. Girio, Girio sexy. Signe, chevache. Exactement. C'est ça. Et. Mais ouais, tu poses des questions pour dire si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave. Ça m'est arrivé qu'il y ait des mecs qui te disent comment tu peindrais ça, de quelle couleur. À une époque, je répondais pas parce que j'avais pas le temps. Ouais. Et là, avec la fait que j'ai tellement l'habitude de répondre à des gens, c'est pas grave. Tu comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas 2000 balles ou 3000 balles à mettre dans une armée. Moi, par exemple, j'aurais pas les moyens de m'embaucher, tu vois. Ce qui paraît à peu près logique. Bah, c'est moi ça. Non plus, j'aurais pas les moyens de m'embaucher. Hein. Hey, je vais me filer 400 balles pour peindre un piéton. Non. Putain, merde, j'ai même pas les moyens de t'embaucher, toi. Merde. Mais ouais. Et donc, tu comprends qu'il y en a qui le feront jamais. Donc, t'as des mecs qui disent « Ah, je voudrais prendre des cours de peinture. » Ouais. Et puis, il y en a qui disent « Ouais, mais je veux peindre... » Donc, je veux prendre des cours de peinture d'armée, mais je veux que tu montes l'aéro et le comment, et les effets, et les machins, et les bidules, et comment tu fais ton armée. Tu dis stop, prendre 3 semaines. Donc souvent, tu réduis un petit peu les trucs, mais je préfère limite les gens qui ne savent pas peindre du tout et qui te disent je veux une armée bleue. Le client pour lequel je bosse en permanence, c'est il me dit cela, tu es fait vert. Et puis le socle, pas comme la dernière fois, parce que j'en ai plein, donc rouge. Ok, donc t'es plutôt genre carte blanche presque, toi tu préfères. Ouais. Après, là, j'ai fait du chaos pour un pote à moi qui fait tout son chaos en blanc. Ça a été un peu compliqué au début, parce que bah, justement pour le Grimdark. Et en fait, il m'a envoyé énormément de photos, de trucs, de machin, mais j'avais déjà bossé pour lui. Et on se voit en physique. Mais il comprend qu'il y a du temps, de l'argent. Il revient pas sur le deal qui a été fait. Parce que je sais que ça t'est arrivé et je trouve ça... énorme. Enfin bon, passons. Pour un prix, c'est un prix. Moi, ça m'est arrivé de dire une figurine, je sais pas, c'est 150 balles. La figurine arrive, je me rends compte qu'en fait, je vais mettre beaucoup plus de temps. Ben, je surfacture pas. J'ai dit que c'était 150 balles, c'est 150 balles. La fois d'après, je le saurai. Genre, sachez que si je dois monter des sorts de bataille, ce sera plus cher. Ouais. C'est ultra méga long. Une sorte de bataille, c'est quelque chose. Bah, d'ailleurs, il y a une question, j'en profite, de Deschaine. Hein. Il demande, est-ce que trop de commandes, ça te dégoûte pas de la peinture sur le long terme, vu que t'enchaînes les bonhommes à une vitesse infernale? Ouais, si. C'est justement le truc que je suis en train de me rendre compte, c'est que les commandes à la chaîne, c'est moins sexy. Alors j'imagine que la question d'après, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se motiver?
J'ai des techniques, les enfants. La drogue. Tout n'est près du feu. Alors, je sais pas, la drogue, c'est les biscuits. Donc, beaucoup de biscuits. Ok. Quelle marque de biscuits, c'est important, soyons précis. Oui, ça, j'en ai un paquet. Alors, je crois que ma drogue, là en ce moment, ma drogue préférée, ça doit être le Finger. Ah, c'est pas mal. Le Finger en chocolat, ça, c'est une tuerie. Les pépitos sablés, ça, c'est le mal aussi. Oh non, ça, c'est dégueu, ça. Et les tartelettes à l'abricot. C'est le okay. Premier. J'adore ça. Ok, pas mal. Après, écoute... là, c'est l'Aïd en plus, ça vient de finir. Mon gâteau préféré, c'est les macroudes. Ça, par contre, ça, c'est sacré, ça. Ah, des gâteaux carrément, tu sais, ouais, chez le boulanger et tout, on se fait plaisir, hein. Attends, mais j'ai 44 ans, je suis gras. C'est ce que je veux. T'es peut-être le seul peintre pro qui est pas tout fin, tu sais. Moi, je fais exprès d'être tout fin. Non. C'est pour susciter la peine, comme ça, ils me donnent de l'argent, tu vois, ils se disent que j'ai besoin de manger. Faut pas casser le truc. Non, mais ça, c'est parce que là, la nouvelle génération, là, Nico et toi, là, vous êtes arrivés à tout cuss. Ouais, regardez, on fait 2 mètres, mais on fait 50 kilos. Nous, les anciens, les vieux, on faisait ça au gras. Alors, Babel Ben, ça contient 2 peintres pro, en fait, à l'intérieur. Ouais, c'est ça, sa force. C'est pour ça qu'il est Babel rapide. Babel et Ben, il y en a 2. C'est pas mal. Pas mal. Donc, ouais. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, toi, donc, l'objectif, c'est de passer sur de la figurine individuelle. Du coup, je vais me permettre aussi de switcher de scène, comme ça on va voir un peu plus tes talents de peintre. Donc tu m'as envoyé une petite sélection d'une dizaine de photos sympas que je découvre complètement pour le coup. Très bien, tu vas me dire, oh, t'as envoyé, c'est de la merde, t'aurais pu envoyer autre chose. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, déjà c'est bon, très très on beau. On va couper ce live parce que je vois pas pourquoi je l'ai invité. Peintre pro, j'ai pas dit qu'il était doué, j'ai juste dit qu'il était pro. J'ai dit qu'il se faisait payer. Alors bah déjà ça commence avec des Ika et pendant que je vous laisse regarder un petit peu, la question que je vais te poser, est-ce que tu as une philosophie de peinture particulière? Est-ce que quand tu regardes par rapport à d'autres peintres, tu sens que tu as quelque chose d'un peu différent ou une façon d'aborder la figurine qui te paraît un peu spécifique déjà pour commencer? Je dirais pas que c'est spécifique, mais au bout d'un moment de l'année, j'arrive à savoir d'où vient le style que j'ai pris et le style que j'ai gardé. Alors, j'explique parce que c'est un poil long. C'est pendant que vous allez apprendre à peindre, donc là vous suivez Giriot, vous prenez les conseils de Giriot, puis après vous allez en voir un autre, vous prenez les conseils d'un autre, et vous allez agréger la totalité de ces conseils-là. Et moi je suis le superbe enfant des techniques Rackham, parce que j'ai commencé réellement à peindre quand Rackham est sorti, et un peu Games Workshop, et un peu le côté aérographe. S-Brouf qui a eu au début de l'aérographe. Et donc. T'es un malade, ça, toi, tu dénonces. Hein. Ah oui, non mais. L'S-Brouf de l'aérographe, c'était pas ça. C'est pas que c'était mauvais. C'est juste qu'on en mettait absolument partout et on faisait des effets. Je pense à. Et j'ai complètement oublié son nom. Cyril Abatti, qui a mis au goût du jour l'aérographe, puisque lui, il venait de l'univers de la maquette. Et l'S-Brouf de l'aérographe, c'est. Lui, il faisait des trucs ultra propres et les gens essayaient de faire du. À peu près Cyril Abatti. Alors que lui, il mettait du temps à faire de ses figurines. C'était super bien. C'était le premier à avoir pris des méga gros plans de figurines. Et en fait, tu avais un peu de réalisme dedans. Et petit à petit, j'ai fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur et que moi, je viens de l'univers des JRPG en 2D avec des couleurs chamarrées, de Rackham, de Games de la grande époque. Et maintenant, je peins beaucoup plus coloré. Et je pense que c'est pas plus mal. Et en plus, maintenant, l'aéro, j'ai la nouvelle technique italienne où, en fait, tu fais un dégradé noir, blanc, et tu dis, hey, regardez, un petit coup d'aéro en gris pour pouvoir faire ma transition au milieu. Tada. Ok, bah, du coup, c'est marrant parce que tu mélanges. Alors, le game, c'est quand même plus la vie, lignage, etc. Ouais. Mais tu mélanges quand même de l'aéro dessus. Du coup, en fait, t'as un peu les deux, on va dire, les deux cordes à ton arc. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que si tu veux aller très très vite, il y a t'as le slap shop de brosser à sec en un blanc sur une figurine noire et mettre du lavis dessus. Tu as des trucs approximatifs où tu fais tes bases à l'aéro avec quelques ancrages et un ombrage et du lining, qui est un pseudo truc rapide. Tu as le truc
où les mecs ils ont pas le temps et qui me demandent du battle ready. Donc en fait je fais les bases et l'ancrage en disant eh voilà j'ai fini. Ok. Et en fait t'es obligé d'avoir ça parce que tu pars vite. Mais par défaut, la technique que je vous ai piquée à Nico et toi maintenant, qui est vachement mieux je trouve, parce que c'est du foncé vers le clair et limiter vachement tes zones de lumière pour que ça pète. Ouais. Donc je bave devant tes figurines en permanence et en disant putain mais c'est trop bien. Et en fait c'est trop bien parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait parce que j'ai fait un super concours de peinture en speed painting. Alors si vous voulez vous décourager les gars, j'avais Nico à gauche, Gério à droite. j'étais là et surtout les mecs ils m'ont donné des peintures fluo et eux ils avaient leur peinture là. Tu peins le truc, tu dis c'est pas bien, c'est pas bien. Les mecs qui sortent une figurine en 30 minutes, quoi. Non, mais vas-y, je vais faire ça. Et tu réapprends. Et donc là, en ce moment, j'ai un peu ça, c'est-à-dire je peins en foncé et en clair un peu plus vite. Tu remets tes techniques par-dessus. Mais pour faire de la figurine de concours, ouais, c'est zéro lining, sous couche noire, peut-être un petit shield de blanc. Je vais monter ma couleur. Ou alors, si c'est pour faire des trucs ultra éclatants, je vais faire mes couches de base à l'aérographe. Je vais ombrer à la main. Et éclaircir à la main, je ferai que les transitions à l'aérographe. Je supporte pas cet effet aéro moche là. Ouais. Tiens, pchit, je fais un effet de lumière, je trouve ça dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse. J'ai l'habitude et je trouve que je ne sais pas faire de l'aéro, j'appuie sur le bouton. Et j'en ai parlé avec Evie par exemple qui fait ça. Il me dit, c'est pas que je sais pas. C'est qu'en fait, t'as cet effet là et recherché. Parce que Evie peint pas mal. Et cette espèce d'effet aérographe, c'est son truc. Mm. Parce que moi, je le vois. D'après, un mec qui voit des traits de peinture, ça va le choquer, tu vois. C'est peut-être aussi parce que lui, c'est destination de la vidéo. Du coup, ça peut modifier aussi la façon de vouloir peindre, quoi. Il est pas dupe à son niveau de peinture. C'est-à-dire, il dit des fois, j'ai pas le temps. Et si je prenais du temps, il sait peindre. Il peint pas trop mal quand il met du temps. Hein. Un commentaire sur le slap shot. Bah, j'adore cette technique de. C'est une technique de film espagnol, ça. Tu vois, ça consiste à. Enfin, je peux pas dire là à l'antenne, mais ouais, c'est sympa. Hein. Si essayez ça avec votre copine, vous verrez, ça remet du piment dans le couple, c'est génial. Voilà. Si vous dites slap shot, c'est sûr que cette chaîne va fermer. Slap shop. Shop comme un. En fait, le slap shop, ça vient de la. De la mécanique auto, de la carrosserie auto, ça permet slap, c'est qu'en fait tu mets une fessée à la carrosserie, on est d'accord. Exactement. Et en fait, le slap shop c'était un travail rapide parce qu'on n'avait pas le temps pour que ça tienne. Et en fait, le slap shop c'est ça, c'est un brossage à sec et un lavis, ça fait un effet de base et hop, on passe à autre chose. Ok, tu t'en sers aussi des fois Je crois que je m'en suis pas servi depuis un certain. Je crois que je m'en suis servi pour l'armée en 3 jours là. Ah ben l'armée en 3 jours en blanc. C'est un mec qui me dit je veux une armée en 3 jours en blanc. Tu fais. Ok. Faut que ça ait l'air d'être peint. Bah ça a été sous couche noire, sous couche grise, sous couche blanche, encré noir, brossé à sec en blanc. Et après 3 coups de comment ça s'appelle de contraste et terminé. Pas le temps. Du coup, vu que tu me parles de sortir des armées en 3 jours et tout, combien de temps tu bosses par jour, toi, à peu près? Ça dépend de... je crois que le minimum, ça doit être dans les 5 heures. C'est ce que je fais quand tu as les journées où tu dis « je vais faire les courses, je vais faire 3 trucs, machin mm-hmm. ». Ou alors, j'ai une après-midi complète à corriger des listes ou à répondre sur les questions du Discord fake. Ça m'est arrivé de bosser 14 ou 15 heures par jour. Ah ouais, là, c'est n'importe quoi, là. Ben, quand tu faut bosser 3 jours, je fais 8h-23h tous les jours et je me suis arrêté 2 fois 30 minutes. Ah ouais, ouais, d'accord. C'était la veille du French Wargame des 2. J'étais lessivé, moi. Bah j'imagine. Mais tu fais pas ça régulièrement, j'espère. Non. Ok, ça reste exceptionnel. Voilà, après, t'es toujours dans le speed là. Tu vois, janvier, février, parce qu'il y a eu la data slate, donc il y a eu un changement de points, un changement de méta. Tout le monde a attendu, donc j'ai rien fait. J'étais là, oh, je peins une petite figurine pour moi, peut-être, je vais finir 2 trucs sur une autre commande, machin. Puis au bout d'un moment, tu dis, je viens de payer l'URSSAF, j'aimerais payer mes factures et manger, s'il vous plaît. tu commences à baliser, tu fais 2-3 trucs histoire d'eux, et là, cette commande qui tombe dessus, ben, en fait, t'es dans le crush. Je pense que ça ressemble à ce que font les mecs qui sont en 3D dans du jeu vidéo tout le temps, quoi. Ok, en mode crush, ouais. Crush tout le temps. Ok, bon, ça doit être compliqué là.
Ça va être compliqué. Bon, si vous avez des figurines individuelles à commander, à vous voulez faire peindre, n'hésitez pas, il en a besoin, ça lui évitera de tomber dans le crush, justement. Non, c'est donnez-moi de l'argent, et comme ça, pendant 2 semaines, je fais rien, et je vais voir Gerio, et on se boit une bière, et je prends une figurine. Non, mais ça, c'est plus pour moi, l'argent. Toi, je te file juste le travail. Moi, c'est... Je préfère garder pour moi, j'aime bien l'argent. On voit le professionnel. Ah bah oui, hein, ça fait des années que je pratique, maintenant. Je suis en train de regarder là ton plateau orc de présentation, déjà le super beau avec le plateau et tout. Je me rappelle moi que t'avais fait d'ailleurs un orc en mode requin là, sur son squig requin près de la plage, il était trop bien celui-là. Ouais. C'était pour le 2 je crois, le French War Game Day 2 non? Ouais, premier. En fait c'est l'armée, l'armée que t'as là en plateau, c'est celle qui est passée sur Warhammer Community. Ok. En fait, alors, je vais vous raconter une histoire parce qu'elle était quand même assez extraordinaire, le mec... à cause de qui je joue à Warhammer 40 000, et aussi celui à cause de qui je joue Orc et cette armée-là. On regardait bêtement un jour Iron Sky et le monde de demain 2, celui où les nazis attaquent depuis la lune montés sur des requins. Il a très dit bien. Oh, ce serait quand même ridicule de monter un orc sur un requin. Puis j'ai fait bah, tu me payes la figurine, je la prends. 2 jours après, paf, j'avais un perso orc sur la table. Entre temps, j'avais acheté 2 boîtes. Genre, je savais déjà que j'allais les faire. Et en fait, j'ai monté une figurine. Et dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai monté 15 000 points d'orques. Oh là 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 là, ouais, c'est énervé là. J'ai pas vraiment acheté des orques. J'ai acheté des jouets en plastique. J'ai récupéré des trucs dans les poubelles. J'ai acheté de la carte plastique parce que j'avais pu acheter un rack entier de Evergreen à un tiers du prix. Et donc en fait, j'ai monté des trucs en 3... J'ai tout fait à la main, quoi, à l'ancienne. Est-ce qu'on pourrait dire les wargamers et les poubelles, une grande histoire d'amour? Ah mais tu sais que c'est la phrase pour repérer un wargamer. Tu lui montres un truc et il te répond, je vais le garder. Jamais, ça peut toujours servir. On est d'accord. Il y avait Pierre des dingues de jeu, je sais pas si tu le connais. En fait il avait fait une table Eden pour une faction extraterrestre. Du coup il avait trouvé une... c'était pour une cloche de micro-ondes. En fait t'avais un truc en polystyrène, en forme du coup creuse comme ça, qui accueillait la cloche du micro-ondes. Et quand il l'a vu il s'est dit... mais en fait, on peut faire une putain de soucoupe volante. Du coup, il a pris et il a fait toute une table avec une soucoupe qui rentre trop bien de ouf. Mais tu te dis, chaque fois, tu passes devant les poubelles. Mais c'est incroyable. Faut pas acheter ça, monsieur. Du coup, ça ne s'arrête jamais. Bon, en tout cas, elle est magnifique. Hein. Le plateau de présentation et tout, là, ça rend très très bien. C'est un service que tu proposes aussi, de faire un plateau et tout? Ouais. J'ai même... Alors, si vous allez sur le site, je sais pas, le dernier... Donc, j'ai fait des plateaux pour moi... attendez, ça, je suis obligé de couper. J'ai fait 2-3 éléments de décor. Le dernier gros truc que j'ai fait la table de présentation pour Kaeris. Le jeu, c'est un jeu montpellierin où j'ai fait une table à l'ancienne, à la Rackham, tout sculpté en plâtre. T'as un bâtiment, des rues. Ah oui, je m'en souviens très bien puisque tu me l'avais envoyé. La toffe, ouais. Ah oui, j'étais très fier de moi quand même. J'ai travaillé un mois dessus, j'étais tout fier. J'étais là, oh, c'est trop bien, ça fait ce que je veux. Oui, il en faut pas beaucoup. Bah, en même temps, elle était très très belle. Bah, je l'ai vue en vrai aussi, puisque je les ai croisés plusieurs fois au KitKat Games. Yes. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Ouais. Ah ouais, puis là, je crois que. Tiens, je vais leur faire de la pub. Je crois que dans 6 jours, ils sortent leur jeu futuriste. Oh, je savais même pas, dis donc. Moi non plus, j'ai vu 2 figurines, je fais, oh, elles sont trop cool. Voilà. Donc les mecs, je les connais un peu, hein, parce que j'ai, en fait, je crois que c'était le plein de pros que je connaissais, donc ils m'ont fait bosser. Il y a des gens à côté de Montpellier qui font bosser, qui font du super taf. Les figurines sont très bien peintes. Et là, les 2 figurines sont bien. Donc je sais absolument pas si le jeu est bien, mais les figurines sont jolies. Voilà. T'as petit bâtard qui demande, c'est quoi le bateau? Il y a une espèce de barque sur la photo des orques là. La petite barque. Alors très facile, c'est la barque qu'il y a avec le décor. Du village du lac du Seigneur des Anneaux. Ok. Comme tous les morceaux en bois qu'il y a, le ponton, c'est toute l'espèce de village flottant là, dans le Hobbit. Oui, dans le Hobbit. Et après, peut-être qu'il posait la question parce qu'il y a une espèce de grand bateau en haut à gauche aussi, quelque part. Tu vois une grosse figurine, alors c'est peut-être alors, ça. Ouais, le grand bateau, c'est une frégate. J'ai oublié le nom. Des nains de Age of Sigmar. Ah oui, les Caradrons. Les Caradrons. Donc c'est une frégate Caradron. Je crois que j'ai rajouté un tiers de taille en carte plastique pour pouvoir faire une espèce de pont surélevé comme
des bateaux du XVIIe siècle. Ok. Voilà. Et comme d'habitude, je fais des trucs beaucoup trop gros. Et je crois que de tous mes chariots de guerre, j'en ai 7. Il y en a que 2 qui sont jouables, les autres ils sont énormes. je te montrerai, mais le premier que j'ai fait. Ok. Alors, attention. Attends, je te mets en grand. Voilà. On te voit même pas, ça dépasse du cadre. Je crois que je l'ai là, je crois que le truc il fait 80 cm de large. Et en fait, bêtement, je lis les règles. Je dis, vous pouvez rentrer 20 orques dedans. Il faut que ça rentre vraiment. J'ai pris 20 socles et j'ai dessiné la forme du bateau autour. Et paf, ben voilà. Et j'ai dit, Nastrogo. En même temps, t'imagines si les rhinos, ils pouvaient accueillir les 10 Space Marines à l'intérieur, ils seraient énormes. Ouais. Ouais, mais c'est en fait, tu as 10, t'as 10 ballons de baudruche et un petit compresseur. En fait, tu les gonfles juste avant la sortie. On va faire ça. C'est une bonne idée. Ça paraît, ça rend le truc plus crédible tout de suite, je trouve. Je fais vachement bien le compresseur. Ouais. Ah putain, toi aussi tu fais les bruitages. Ça doit être aussi un truc de peintre pro, je pense. On est très fort en bruitage. Ouais. Pour te donner une idée, si je monte un avion, à un moment donné, je vais faire. Ah bah bien sûr. Je veux dire, j'ai une Valkyrie. Je la joue jamais. C'est juste pour faire le bruit avec ma bouche. Hein. Ah bah t'as des trucs. Moi j'ai acheté. Je joue Deathwatch. J'ai acheté les avions Deathwatch, j'ai un pote qui m'en a offert un autre, j'en ai 2, c'est pas génial, ils sont trop beaux, j'en ai acheté un Forge World qui n'existe plus, il est trop beau, et tu le vois jamais, et tu les mets là, et tu dis, ouais mais si je faisais une attaque comme ça là, puis presque tu fais le bruit de la chevauchée des Valkyries, en disant, ouais mais comme ça je descendrai tout. Ouais, tu t'imagines des trucs, puis après sur table c'est tout pourri, ça c'est triste. Ouais, les volants c'est pas génial. J'ai essayé pourtant. C'est pas... Ah bah Bijan il te demande quand tu joues Space Wolf, est-ce que tu fais Grou-Grou ? Non, mais j'ai des jeux. C'est plutôt le. Au pied, monte la patte, à la niche, fais le beau, sucre. Ouais, ça, ouais, ça je fais ça. Rouf il demande vous faites quoi comme bruit quand vous montez du Slaanesh ? Bah à 44, de toute façon ça existe pas Slaanesh. Question suivante. Alors moi je te fais le. Ah pas mal, pas mal. Ouais, je peux pas faire les bruits parce que sinon après on va se faire kicker de Twitch. Et là je suis en train de regarder Mortarion, très très belle figurine. Bon ça c'est de la figue individuelle, mais bon c'est une grosse figurine, on va pas se mentir. C'est de la figue individuelle de jeu, c'est juste que celle-là c'était particulier parce que la figurine est extraordinaire. Et je crois que c'est une des rares figurines que j'ai peintes et quand je l'ai finie j'en ai refait une autre. Okay. Et je rêve d'en faire une vraie. C'est-à-dire, j'arrête pas de voir les peintres français peindre du Nurgle. Tu vois, j'en ai un poil à peindre et tout en rapide. Et à chaque fois, tu te dis, elles sont trop belles les figurines. J'ai envie de prendre mon temps, par pitié, s'il vous plaît. Bah, Nurgle, ouais, c'est la, je trouve, la plus belle gamme de 40K pour le coup. On avait fait un vote tout à fait objectif et c'était arrivé en premier. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était bien Nurgle les plus beaux d'ailleurs. Il n'y avait pas eu de contestation. Toi, c'est quoi l'armée que tu préfères à 40K justement, en termes de modélisme, j'entends? Ce sera peut-être l'orque parce que déjà j'ai un amour particulier pour les orques, mais même pour avoir monté les derniers véhicules. Pour vous donner une idée, il y a un véhicule que j'ai pas encore monté et j'étais en train de regarder un mec le monter la dernière fois et c'est une de mes figurines préférées avec les poulets Admech. J'adore ces figurines. Enfin, et dans le véhicule, le mec il est au milieu en train de balancer un cocktail Molotov à l'extérieur. Il y a un Gretchen monté sur le devant comme dans Mad Max. Oui, je vois. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'à l'intérieur, quand t'enlèves la coque, il y a un tas de canettes mortes à la place du siège passager. Il a démonté. D'accord. Donc en fait, t'as un paquet de clopes dedans, t'as un tas de canettes et t'as ces poubelles. Et alors, le mieux, c'est que il y en a un autre. Il y a les bombes de sous-couche Games. Putain, c'est ils ont fait des mini-bombes de sous-couche. Sur le Mech Guns, tu as l'outil pour... t'as les barboires qui est monté sur le truc. Elle est extraordinaire, cette gamme. Les orques, ils sont trop bien. Je sais plus c'est quoi le nom de la figue. Attends, je vais regarder si je la trouve. Dans les orques, en plus, ils ont pas mal de refs. Ça va être dur à trouver. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle... Parce que le Rucatruck Squeak Buggy, c'est celui qui envoie des squeaks, donc c'est pas ça. Ah, c'est le Boomdaka. Boomdaka Snazwagon. Ok, je vous mets le lien dans le chat. Le Boomdaka Snazwagon. Avec le nom, j'arrive pas à le dire, tu vois, donc c'est compliqué. C'est le problème des orques. Hein.
Ils sont voilà. un peu spéciaux. Et en fait, tu le vois absolument pas dans la figurine. De l'extérieur, elle a l'air sympa. Mais l'intérieur, cette espèce de détail qui est que pour toi en plus. Parce que quand tu le fermes, vraiment, mais l'espace pour voir l'intérieur est tout petit. Et en fait, tu sais que tu peux peindre ton tas de poubelles à l'intérieur où le mec, il a enlevé le siège pour pouvoir jeter ses canettes directement. C'est extraordinaire. Ah, mais avec Benzad, moi, j'aime beaucoup les orques en termes de figurines. C'est juste que, je sais pas si c'est pareil pour toi, il y a des armées que t'aimes bien visuellement, mais tu la joueras pas, quoi. Genre, t'aimes bien, mais c'est pas, tu ne vois pas jouer ce truc-là. Ouais, il y a des trucs comme ça. Par exemple, le taux, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, là. J'ai adoré peindre ça. La couleur est vachement... En plus, j'ai fait un truc un peu... En fait, je l'ai fait en test pour voir si je pouvais peindre une armée orange. Ouais. C'est pas compliqué à faire l'orange, c'est juste que c'est ultra chiant tellement ça couvre pas et tellement faut travailler en nuances de sang, machin. Donc j'ai fait une armée orange, blanche et noire. Horrible à faire, c'est ultra long, j'étais super fier. Je l'ai joué deux fois, j'ai horreur de ce gameplay. Oh, c'est chiant comme la pluie. Non, alors quoi, ouais, je l'ai joué. Ok. Ok, tu fais d'ailleurs petite parenthèse, on fait une petite pause sur la peinture. Donc tu es joueur aussi de 40K. Yes. Mais on avait dit que tu étais arbitre. Est-ce que tu trouves quand même le temps de jouer? Parce que mine de rien, ça prend du temps. Et si oui, est-ce que tu es plutôt joueur compète, joueur scénar, fun? À 40K, je ne joue exclusivement qu'en ultra compétitif. Ok. Et ce qui fait que dès que je joue à un autre jeu de figurines, je joue exclusivement qu'en ultra, j'en ai rien à foutre. D'accord, très bien. C'est genre à OS, tu me dis, on peut jouer 4 dragons, vas-y, je veux jouer ça, on s'en fout du reste. Ok, ok, ok. J'imagine 40K, tu joues depuis super longtemps, c'est pour ça que tu joues en mode compète. Ouais, je joue, j'ai commencé en 96 ou 97. Ouais, d'accord. J'ai arrêté longtemps, mais quand j'ai repris, c'est... tous les jeux auxquels j'ai joué en compète. Alors ça t'a fait rire tout à l'heure parce que je t'avais dit que je jouais à L5R. Mais ouais. Genre, je joue à Magic, je joue en compète. Franchement le chat, L5R. C'est le signe de la vieillesse quand même, bordel. C'est vraiment genre... moi j'ai connu la télé en noir et blanc, moi, monsieur. tu plaisantes, mais la première console que j'ai eue, j'avais que la télé noir et blanc pour jouer dessus. J'avais une Atari 2600 et je jouais dessus en noir et blanc. Avec le napperon, tu sais, quand t'avais fini de jouer le vieux napperon, là. Je sais pas comment j'avais récupéré ça, elle était extraordinaire. Tu sais, c'était des trucs années 60 qui étaient en monobloc, là. Ah oui. Avec un pied qui allait avec. Elle était extra, en noir et blanc. Et là, en plus, tu sais, c'était les télés de très bonne qualité, mais juste en noir et blanc. Ouais. Donc, l'image, elle était vachement bien, mais tout noir et blanc, c'était trop, trop bien. Ouais, ouais. Edith Piaf est morte. Comment ça? Question. Alors, il y a toujours un peu cette peur du truc compétitif dans les jeux, surtout dans le wargame, je trouve. Autant dans les jeux vidéo, ça va. Qu'est-ce qui fait que t'aimes bien le jeu compétitif? Est-ce que y a un truc en particulier, une sensation ou une raison qui fait que t'aimes jouer en compétitif? Alors maintenant c'est particulier parce que quand je me suis remis en V8, j'ai retrouvé les gens avec qui j'ai commencé à jouer. Que d'ailleurs je vais aller jouer contre eux fin avril. Les machos si vous me regardez. Salut maman. C'est les mecs avec qui j'ai commencé à jouer. Quand j'ai rejoué, je les ai revus. Donc en fait, tu vois des gens qui sont passés par les mêmes trucs que toi, qui ont fait les mêmes tournois, qui ont vécu les mêmes tournois dégueulasses, la même bouffe pourrie ou le même super bon tournoi avec la super bonne bouffe et tout. Deux minutes, je coupe le chauffage, je suis en train de mourir de chaud. Et la plupart du temps, le compète, c'est le défi, mais c'est le défi à moi-même. C'est aller battre des gens, c'est sympa parce que tu as envie de gagner, mais souvent tu as envie de dire c'est percer le secret du montage de l'armée un peu spéciale. Parce que moi je veux pas juste gagner avec le truc qui gagne en permanence, je veux gagner avec l'armée un peu bizarre que tout le monde pense que c'est nul. T'es un peu créatif quoi sur le jeu. Ouais, à L5R je jouais un truc que personne ne jouait jamais, j'essayais de gagner aux anneaux, enfin... Bah déjà tu jouais à L5R, déjà c'est original en soi, tu vois. Ouais, c'est... mais on était nombreux quand même. Mais voilà, tu vois, tu vas avoir les quatre trucs les plus gros, puis il y a un truc un peu underdog, genre « Ah, mais peut-être que si on trouve le machin, en fait, c'est ça, je veux gagner avec ça. » Ok. Donc c'est peut-être aussi parce que tu joues depuis un moment, genre quand tu démarres le jeu compétitif, t'étais pareil ou tu jouais plus du méta? Non, je crois que j'ai toujours joué... À 13 ans, ouais, tu joues le truc le plus fort. Voilà, et en fait, à un moment donné,
soit tu deviens très très, tu deviens meilleur que les autres. Okay. Et je pense que ça vient du fait que j'étais pas meilleur que les autres en jouant méta. Par contre, tu te rends compte que t'es suffisamment bon et j'aime pas. Déjà, j'aime pas faire comme tout le monde. J'étais peintre en figurine. Pas faire comme tout le monde. Bah, commence par changer de coupe de cheveux et de lunettes, déjà. Ouais. Non, c'est pas possible. Trop beau gosse. Ouais. C'est le sexe à pile, j'avoue. On aime avoir le style, c'est comme ça. On présente bro. ouais, non, non. Ouais, c'est plus le défi personnel. C'est comme j'aime bien jouer, faire des tactical RPG tout seul. C'est le truc à moi, de moi. J'aime bien peindre une armée avec un style un peu particulier. Ou pour les figurines, j'aime bien quand je peins une figurine, même en concours, soit faire une figurine que tout le monde a un peu laissé de côté, soit faire une figurine qui vient de sortir. Okay. Genre, si c'est la figurine que tout le monde a peint 200 fois, non. C'est d'ailleurs pour ça que les figurines Bleach Child, je suis moins attiré par ça, parce que tu les vois, les trucs qui sont ultra méga bien peints, ouais, et d'accord. Quand ils sortent à 80 mecs qui les ont peints, tu fais « bah non, merci quoi ». Pas d'idée, voilà. Le calendrier pin-up, c'est sur moi OnlyFans, Rouf, t'inquiète, c'est déjà fait. Ouais. D'ailleurs, pour ça qu'on enfin, j'ai rendez-vous à 8h, il fallait qu'on fasse la séance photo de 8 à 9. T'inquiète, on la fera en deuxième partie de soirée, on fera comme ça. Ouais. Du coup, vu que tu joues beaucoup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette V10, globalement? Alors, pour moi, c'est la meilleure édition de Warhammer 40 000 qu'il y ait eu depuis le début. Ah, c'est bien ça. Parce que, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des joueurs vétérans qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Mmh. Mais pour moi, c'est une édition qui a été écrite par des arbitres. Et donc, elle est ultra claire. Mais vraiment, enfin, les questions de règles qu'on avait avant avec c'est quoi l'intention, c'est quoi le truc, tu en as toujours un petit peu, mais la plupart du temps, tu dis c'est quoi la règle de machin, de bidule. Tu recherches la règle sur l'application et il y a exactement écrit comment la jouer. Mais à 95%, tout est dans les règles de base. Ou les datasheets. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, on joue tous avec les mêmes... tout le monde joue avec les mêmes règles. Quand tu vas... j'ai arbitré des gens Grèce, Australie, États-Unis. Tous avec les mêmes règles. C'est compréhensif. T'as des trucs un peu bizarroïdes. Ça se joue vite. Il y a plus... les listes sont vachement simples à faire. Parce que par rapport à la V9, c'était un enfer sur Terre. Là, c'est vachement... Donc, je préfère la V10. Et pour ceux qui sont pas d'accord sur ah ouais mais les charges c'était mieux avant, non, c'était pas mieux avant. Avant on faisait n'importe quoi et ça passait. Maintenant faut réfléchir avant de faire une charge. Je sais, je vais pas me faire des amis, mais bon. Alors, c'est un homme qui dit les choses. Le drama est en route. Oh, je suis arbitre de la FEC. Hein. On en prend plein les dents en permanence. Ah ouais, c'est compliqué. Bah, t'es arbitre, ce qui veut dire que soit dans 90% des cas, tu viens régler des litiges et les mecs sont contents que tu sois là. Okay. Sauf que sur internet, tu viens régler le j'ai raison et je viens te demander de dire que j'ai raison. Tu dis, ah, je vois. Et là, les mecs sont pas d'accord. Et le grand jeu, c'est de dire ah ouais, mais l'autre arbitre, il a dit que ça. Alors qui c'est qui a raison? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va s'appeler, on va régler le problème. On se connaît, les gars. C'est pas la peine de nous monter les uns contre les autres. Ou alors le mieux, c'est. On fait une fac avec le WTC, on en parle, pourquoi, comment, on se rappelle la semaine d'après, donc qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut le faire comme ça? Et t'as le mec qui dit « Ah, mais je suis sûr que l'autre arbitre, il va dire l'inverse. » Il y en a un qui m'a dit « Ouais, les arbitres du WTC, ils savent mieux que toi. » Bah, demande au WTC. Il pose sa question et je le réponds avec le tag « arbitre WTC ». J'ai beaucoup ri. C'est pas bien de faire ça, mais j'ai beaucoup ri. Ouais, justement, c'est quoi tes pires moments en tant qu'arbitre? Genre, le pire truc qui a pu t'arriver. Est-ce que quelqu'un t'a déjà cassé la gueule? Alors non, je l'ai vu qu'une fois. Il y a 20 ans, des mecs se sont mis sur la tronche. Okay. Et c'était ridicule. On jouait à Warhammer Battle. Le seul tournoi de ma vie où entre midi et deux, on allait prendre des douches à cause de l'odeur. Général des joueurs. Ça vend du rêve, ça. Je déconne pas, c'était un enfer. On était en plein mois d'août à Aubagne. Horrible. Et dans une travée, il y avait deux mecs. Ils jouaient pas l'un contre l'autre. Ils étaient mais à quatre tables l'un de l'autre. Il y en a un qui commence à faire le barbeau. Oui, ma règle, elle est meilleure. Et puis c'est comme ça. Et puis de toute façon, dans l'historique, l'héraldique, machin. On s'en fout. Et l'autre qui dit pas du tout. La règle, c'est ça. Et puis de toute façon, tout le monde sait que ça, c'est mieux. Et en fait, il commence à s'envoyer des pics
Et je suis pas en plein milieu de la ronde 3, ils se sont mis sur la tronche. Mais alors qu'ils ont jamais joué l'un contre l'autre. Énorme. N'importe quoi, n'importe quoi. Et ça, c'était il y a 20 ans. Ok. Alors, je vais vous raconter mon histoire préférée, plutôt. Vas-y. C'est passé au French War Game Day 1, où j'ai eu un truc absolument extraordinaire. Un mec qui vient me voir, et un excellent peintre en plus, en disant, ouais, est-ce que tu pourrais venir à ma table, on a des problèmes, je pense qu'il va falloir mettre un carton, tout. Je fais, ah bon, pardon, je suis vraiment désolé. Là, puis en plus, on est au French War Game Day, c'est pas vraiment le style. Il dit, ouais, ouais, c'est mon coéquipier. Comment ça, c'est ton coéquipier? Tu veux que je mette un carton à ton coéquipier? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, en fait, le mec venait, il voulait absolument voir Evie, il voulait absolument montrer son Dark Mechanicus qu'il avait mis un an et demi à peindre. C'est Studio Guerry, si vous voulez aller voir, il peint super bien, ses armées sont extraordinaires, c'est que fluff et tout. T'écris ça comment? Une crème. G-U-E-R-Y. G-U-E-R-Y. Ok, merci. Voilà. Il peint des trucs vachement bien, le type est gentil comme tout. Et le mec était insupportable. J'arrive à la table, il joue avec deux mecs de l'équipe de France qui sont ultra gentils, qui en plus essayaient de lui dire ça sert à rien, machin. Je vois le mec, je dis bon, on va faire un truc. Donc j'ai pris le mec de Studio Guerry, j'étais très très fier de moi parce que VIP, tout ça. Je lui ai dit bah tiens, regarde, alors ça c'est Evie, ça c'est Mister M. L'autre il est devenu blanc, rouge, bleu. Genre il était super content, j'avais refait son après-midi et Evie qui lui dit allez viens, tu vas aller jouer avec Mister M avec le nouveau Codex KO qui est pas encore sorti. L'autre donc trop bien. Et le mec de Studio Guerry, je lui dis bah écoute, ton pote là il fait la queue pour avoir un truc dédicacé, continue la game. Oui mais je sais pas où il en était, je sais pas comment. Et t'as le mec en face qui jouait en équipe de France qui dit bah alors là t'es au tour 3, t'as ça et t'as ça et t'as celle qui a pas et machin, et t'as dit que tu faisais là et t'as dit que tu faisais là, et si tu veux tu peux même faire ça parce que tu l'as oublié. Puis je dis bah tu vois, on va pouvoir la faire. Et donc il finit la game comme ça. À la fin de la game je dis tu sais quoi, en fait la quatrième tu la feras pas, tu peux rester là si tu veux mais tu vas pas jouer. Mais qu'il a regardé ses pompes et il s'est barré. Et j'étais très très fier, surtout qu'en fait j'ai refait la journée du mec d'à côté qui a passé la meilleure après-midi de sa vie parce qu'il a joué avec Mister M et Evie, un truc, il a montré son armée, il était trop content, juste parce qu'il y a un mec qui a essayé de lui pourrir son week-end. C'est trop mignon, mais c'est bizarre que le mec il s'est retrouvé avec un type comme ça. En fait, il devait venir avec son frère qui a été malade. Il ne pouvait y aller qu'à deux, parce qu'il n'y avait que le 2v2 à l'époque, il n'y avait pas de 1v1. Et en fait, si personne ne venait avec lui, pardon, il était obligé d'annuler. Et il avait peint son armée, il voulait la montrer. Il voulait... Okay. Et en fait, son asso a dit, bah, y a Bidule qui veut y aller. Sauf qu'en fait, c'est un cadre empoisonné, parce que le Bidule en question, personne ne voulait le voir. Il avait c'est le survivant. Et en fait, le mec, il a tout... L'autre, il venait en ultra compétitif, mais méchant. C'est-à-dire qu'il n'est pas meilleur que les autres, mais comme il pense qu'il est meilleur que les autres, il en devient désagréable. Aïe, aïe, aïe. Sauf que l'autre, il venait en disant, moi, je joue 100% fluff, les règles, je m'en fous, gagner, je m'en fous. Il y a 1000 wargamers et je vais montrer mes figurines. Le reste, c'est pas grave, quoi. Ok, oh, c'est trop mignon comme histoire, je vais être content. C'est mon histoire préférée, ou quand je l'ai amené voir Julien qui lui a dit « Ah mais c'est génial, attends on va faire un selfie, oh, attends je t'amène voir un Mister M. » Moi je commence à pleurer, je me retourne, je regarde Mathieu qui pleurait déjà. Ah c'est mignon, c'est bien ça. C'était la meilleure, voilà, et donc voilà pourquoi t'es arbitre. Parce que en fait il y a des gens qui ont vécu des tournois dégueulasses, t'as des gens qui ont que ça. Je connais des gens qui ont eu des moments pas agréables en jeu, machin, et où maintenant les figurines c'est tout ce qui leur reste. Toute leur vie s'est cassée la gueule, et juste pour ça, je te garantis que tu vas vivre ton après-midi à toi, tranquille. Alors, quand je joue avec mon équipe, il y a un des mecs qui me dit je pars en tournoi, j'ai 3 enfants, une entreprise, je suis un enfant. Ouais. Donc tu vas me dire où est-ce que je vais manger, tu vas me dire ce que je vais manger, et tu vas prendre mes affaires, et moi je m'occupe de rien du tout parce que je veux être un enfant pendant 2 jours. Ouais, ça se comprend tout à fait. Okay. Ouais. Comme ça, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, est-ce que si jamais ça arrive à des gens, parce que c'est vrai que ça peut faire peur en tournoi, tomber sur un type horrible, que ce soit en face ou avec toi, est-ce que t'as des conseils à donner, genre, disons que le mec, pas forcément il triche, mais tu vois, genre, vraiment, le type est désagréable en face de toi. Alors, si vous jouez en tournoi, ça dépend ce que vous cherchez du tournoi. Si vous venez en tournoi parce que c'est le format qu'il y a et vous êtes avec vos potes, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore en tournoi solo, en équipe parce que tu viens pas pour la même chose. S'il y a quelqu'un qui est ultra vénère et qui essaye d'avoir raison tout le temps, en 20 minutes je lui dis
c'est important dans ta vie de gagner. Bah tiens, t'as gagné. Et je vais boire un café. J'ai plein de gens à aller voir. Je peux aller arbitrer. Je peux aller voir l'arbitre. Je peux aller voir les orgas. Je peux aller voir mes potes. Je peux ranger mes figurines. Je peux aller à un stand à côté acheter quelque chose. Je vais passer une bonne journée. Par contre, si je reste à la table, je vais passer une mauvaise journée. Donc je me casse. Par contre, si vous y êtes et que... Parce que j'ai décrété que gagner contre quelqu'un qui était stupide, c'est pas gagner. C'est perdre son temps. Je dis toujours que si vous essayez de gagner contre ce mec-là, c'est comme essayer de jouer aux échecs contre un pigeon qui, en fait, va manger les pièces et chier sur le plateau. On est d'accord. Vous jouez pas au même jeu, en fait. Et du coup, tu peux appeler concrètement un arbitre juste parce que le mec se comporte mal. Tu peux le faire. Oui. Oui. Alors, okay. Après, tu peux être très très con. Exemple, je vous dis, si je suis un arbitre, le premier truc que je fais s'il y a un mec qui est pas d'accord avec moi, c'est surtout pas lui dire que je suis arbitre. Okay. Parce que c'est, tu peux pas avoir raison. Tu es un joueur et il faut que ce soit quelqu'un d'autre du tournoi qui prenne les décisions, qui peut ne pas être d'accord avec toi. C'est comme au rugby, tu lui dis je suis pas d'accord, on réglera ça à la fin du tournoi. Ou alors je lui dis, regarde page 17, la règle elle est là, ou tu peux appeler un ref si t'es pas sûr, mais si t'es sûr de toi que tu veux le jouer comme ça, ok, c'est toi l'arbitre, c'est toi qui as raison. Mais la plupart du temps, j'appelle un arbitre et je vais poser des questions au mec. Dire, t'as le droit de faire ça? T'as le droit de faire ça? Pas des questions pour l'emmerder, des vraies vraies questions. Hein. Mmh. Et si le mec devient désagréable en disant, non mais toi, mais machin, mais ah mais toi, soit tu t'es dans ta game, parce que t'as envie de gagner. Mais sur le comportement, ça m'est arrivé d'appeler un arbitre en disant bah, y a eu ça, ça, ça et ça. Okay. En même temps, on aide à écrire les protocoles. Je te garantis qu'il y a un protocole de désagréable en partie. C'est un carton direct. Ok, ouais, c'est bien de le dire, je pense que ça peut rassurer un peu. Ouais, mais justement, ça... tu sais, y a des gens qui ont un peu peur de ça, de tomber sur des gens tu sais, qui sont là vraiment pour la gagne, qui sont désagréables. Ouais, ouais. Si t'as un mec qui est. disons, le mec est sympa, mais un peu trop obséquieux. Il fait des trucs, il dit « Non, non, mais ça va, enfin, si ça te va pas, on peut revenir et tout. » Mais tu vois qu'il essaye un poil de gruger en permanence. Tu n'es pas le méchant à appeler l'arbitre. Le mec qui se comporte mal ou qui a un comportement étrange, le méchant, c'est lui. C'est un raccourci un peu facile, mais quand vous vous faites taper dessus, c'est pas vous le méchant. Et c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Ouais, mais ah oui, évidemment, faut que les gens soient cool, faut qu'il y ait que des gens gentils. Mais c'est, t'as quelqu'un qui est un peu désagréable et que tu appelles l'arbitre toutes les 3 minutes qui dit « Ah, tu vas pas appeler l'arbitre, on va pouvoir se régler tous les deux. » Non, justement. Parce qu'on va pas le régler ensemble, on va passer une bonne game, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va régler notre litige, ce sera pas nous. Donc en fait, on va tout le temps être d'accord pour appeler l'arbitre. Moi, je te vois. Non, je suis sûr que tu me vois pas. Ok. Arbitre, je le vois pas. Tu le vois pas. Ok. Bah, je vais tirer ailleurs. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et si le mec, il se plaint la quatrième fois, tu dis, tu te rends compte qu'à chaque fois que je te dis un truc, t'es pas d'accord. J'aime beaucoup la... y a un mec qui s'appelle Stephen Box de la chaîne de Vanguard Tactics qui arrête pas de répéter que ton comportement est le truc le plus important, c'est même plus important que de gagner. Exemple, lui il a vécu des moments très difficiles dans sa vie et le jeu de figurines lui a sauvé la peau. Il dit, si je dois aller en tournoi et que je suis mal luné et que j'envoie chier quelqu'un en live et que ma réputation est terminée, on va m'empêcher de jouer aux figurines. On va m'empêcher de jouer aux figurines. Si vous prenez moi entre la peinture, le jeu, mon passe-temps et mes potes, si je joue plus à 40K, j'ai plus rien. Il te reste ta coupe de cheveux et tes lunettes quand même. C'est déjà pas mal. Tout le monde n'est pas aussi beau, tu vois. Trop beau, gosse. mais donc, le plus important, c'est ça. C'est à la fin d'une partie, quand tu sors, le mec en face doit avoir passé une bonne game. Parce que ta réputation, elle peut partir très vite. Par contre, gagner une bonne réputation, ça te permet quand même de dire... Je suis désolé, j'ai un mauvais. Je vais râler, je vais saler. Et le mec, il va oser te le dire. Ouais. T'es un peu chiant, tu es en train de passer une mauvaise game. Et ton réflexe, c'est ah, je suis vraiment désolé. Bon, ben, fini. Je râlerai après quand tu seras pas là. Il y a une bonne question de Begmanzen d'ailleurs. Il dit il y a des points peinture. Pourquoi il n'y a pas des points comportement? Parce que les points comportement, tu vas pas savoir les mettre. Tu vas pas oser les mettre. T'as des mecs qui vont te mettre un mauvais point contre un mec qui est. Pas génial, il va venir te reprocher de l'avoir mis. Et surtout, c'est pas à vous de gérer le comportement de quelqu'un, c'est à l'arbitre. Vous gérez votre game et vos figurines et le plaisir de jeu. S'il doit y avoir du déplaisir de jeu, c'est à nous de le faire. C'est à nous de garantir que quand tu viens en tournoi, ce soit génial, que tu passes un bon moment, que tu puisses montrer tes figurines et que tu viennes jouer avec des figurines en plastique.
C'est un peu comme si on avait acheté des Kinder et qu'on avait fait des règles pour jouer avec. On est ridicule, les mecs. Enfin, c'est les mecs qui mettent trop d'importance là-dessus. C'est le poker, tu gagnes de l'argent. Il y a des métiers, tu gagnes de l'argent. Le sport, t'as des trucs à gagner. Mais là, on joue avec des pitons en plastique. Eh mec, on peut gagner des boîtes à la fin. Hein. Tu peux gagner des bonhommes. c'est pas mal. Ah, oui. Hein. Ah moi j'adore. Tiens, regarde, t'en veux des bonhommes, j'en ai plein. j'ai des Tiens, tu vois. Eh bah, ça, pile de lente, elle va pas s'entretenir toute seule. Hein. Oh. Voilà. Faut faire des performances en tournoi. Ça c'est plein. Là vous voyez pas, mais là j'ai deux vitrines. C'est plein de trucs à peindre. T'en veux des pitouches partout. non mais c'est le truc le plus important, c'est de passer un bon moment. Et en fait, si tu fais tout pour que le mec soit bien, quand t'arrives, ça m'est arrivé d'avoir des types très compliqués. Bon déjà malheureusement les arbitres savent que je suis arbitre. Mais dans le protocole arbitral, on leur a dit, si un arbitre vous appelle, c'est le bon truc à faire. Et si par contre il commence à donner son avis, bah il va fermer sa gueule, parce que justement quand t'es arbitre, tu t'es et tu fais ce que l'arbitre t'a dit. Encore plus que les autres, parce qu'il faut montrer l'exemple. Mmh. Et si toi tu dis, tout est fait, j'ai posé tous les trucs, je lui ai dit tout ce que je voulais faire, je lui ai expliqué 40 fois, j'ai mis des petits trucs colorés pour bien qu'il puisse séparer les escouades, j'ai bien annoncé tout ce que je voulais faire. Là tu vois, j'ai dit ça et ça et ça et ça, et lui il a fait ça, ça et ça et ça. Et tu te retournes et le mec se plaint. Il voit que toi, tu as passé toute la game à essayer de faire des efforts pour que la partie se passe du mieux possible. Ou alors, tu dis en disant, je sais pas du tout, c'est mon premier, j'essaye, machin. Et l'autre qui dit, non, mais les règles, ça se connaît, il faut jouer comme ça. Tu lui dis, tu as peut-être raison, mais par contre, tu vas te calmer, moins grande, parce que si le mec, c'est son premier tournoi, il faut qu'il ait envie de revenir. Ben, bien sûr. Il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est que tu as un mec qui a envie de revenir. Par contre, si tu vas empêcher quelqu'un qui a un bon fond ou qui est venu justement parce que sa vie était dégueulasse et que son seul rayon de soleil de la semaine, c'est jouer aux figurines, et que tu vas l'empêcher de faire ça, je vais être sans pitié. Ça va chier. Ah, mais c'est pas possible. En c'est fait, le mec si vous voulez, au French Floor Game Day, vous avez peut-être pas vu, mais en fait, il y avait une salle, c'est marqué sans issue. Et en gros, il y a des gens qui ont disparu. En fait, ouais. On a commencé à 1500, on a fini à 1362. Et je les ai mangés. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai une question, moi, c'est par rapport au jeu d'intention, justement. En gros, pour résumer, pour ceux qui ne jouent pas à 40K, on m'a expliqué que quand tu débutes ton tour, tu es censé expliquer le plan de jeu que tu as pendant ton tour, pour que déjà l'adversaire puisse comprendre ce que tu vas faire, éventuellement jouer ses stratagèmes et machin, mais aussi pour qu'il puisse éventuellement te prévenir que tu ne vas pas pouvoir faire ce plan de jeu parce qu'il a quelque chose en réponse, pour éviter ce qu'on appelle le gacha, c'est-à-dire « Ah, tu pensais faire ça, bah tiens, tu le savais pas, mais j'utilise ce stratagème et t'es niqué. » Voilà. La difficulté, moi, que j'ai aujourd'hui, je joue pas depuis longtemps, c'est qu'en fait, je me rends compte que le jeu d'intention n'est pas si respecté que ça, j'ai l'impression. Et que, en fait, finalement, bah, moi, j'essaye le plus possible de le faire et j'ai l'impression de me faire pénaliser. Parce que du coup, moi, j'explique, tu vois, moi, je fais le truc. Et même des bons joueurs, c'est-à-dire, j'ai joué contre des gens qui ont l'air quand même assez aguerris au jeu, puisqu'on a croisé des bons joueurs, là, au French Foreign Game Day. Et c'est pas toujours le cas. Comment ça se fait? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que... Non, je pense qu'ils profitent du fait qu'on peut pas être partout. Et sur du 2v2, ils en profitent un petit peu. Ok. Je pense, pour ce que j'ai vu pour l'instant, les nouveaux joueurs jouent avec du jeu d'intention, parce qu'ils demandent aux arbitres comment on fait, on leur apprend à jouer comme ça. Les joueurs en Ligue 3 font ça, parce qu'on leur tape très fort sur les doigts, mais en leur disant, c'est pas comme ça qu'on joue, donc au lieu de vous mettre un carton bêtement et de me barrer, je vais continuer à insister pour que vous jouiez proprement, parce que je vais envie de venir vous voir pour savoir comment ça va et pas vous mettre des cartons. Mmh. Donc tu tapes un peu plus fort, sauf que tu tapes comme quelqu'un de bienveillant en disant, non. Tu te prends une tape sur les doigts, c'est comme ça qu'on fait. Tiens, regarde, je te remonte, c'est comme ça. Et là, la prochaine fois, tu fais ça. Et si tu reviens, tu dis non. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pas mal. Tu as certains joueurs au milieu qui sont en tournoi, mais pas vraiment dans la ligue, qui en fait sont persuadés d'être bons, mais pas vraiment. Et en fait, ils sont bons parce qu'ils profitent un peu de ce trou de règles. Ça dépend de ton environnement. Tu prends en Ligue 1, par exemple, les mecs se connaissent tous par cœur. Tu peux pas essayer de jouer au malin. Ah, les mecs, ils ont fait 200 games, ils la connaissent par cœur, ton armée. Donc en fait, annonce ce que tu fais. Par contre, c'est pas ton plan de jeu. Tu dis pas, j'ai un plan de me mettre là pour te tendre un piège, pour que tu viennes, pour te tuer, parce qu'après on vit. Non, non. Tu dis, celle-là, là, ça va advance, donc j'ai envie d'aller là-bas. Et mon intention, c'est d'aller le plus loin possible sur cet objectif-là. Ok. Bah, disons on que tu peux. 10 minutes plus tard. Si je le résume, je sais pas si tu me corriges, mais en gros, ouais. T'annonces ce que tu vas faire pendant le tour, tu n'annonces pas les anticipations des tours suivants, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais même, en fait, tu dis cette unité, elle bouge, cette unité, elle bouge, machin. Et celle-là, je vais tout mettre pour pouvoir tirer là-dessus et des strata et des trucs et des machins. Mmh. Ou alors, là, cette unité-là, elle va essayer de bouger, mais en fait, je vais essayer de me mettre et je veux essayer de me mettre pour pouvoir faire et ça et ça. Et si ça marche pas, j'essaierai de faire que ça. Exemple, je vais être sur un objectif, mais avoir une ligne de vue pour te tirer dessus. Et tu sais, tu dis, j'ai pas regardé exactement, et je sais qu'au quart de poil de millimètre, peut-être ça passe pas. Donc tu dis, j'ai envie de prendre l'objectif, et si je peux, j'ai envie de te tirer dessus, donc je vais essayer de maximiser. Ok. Ça arrive, enfin moi ça m'arrive, même en tournoi et même en équipe, un mec il dit, ah j'ai envie de maxer, tu dis, bah si, tu bouges ces deux-là, puis c'est là, tiens, attends, je te file un coup de main, tu te mets là, et les quatre, elles tirent. Je suis pas en train de perdre la partie, de l'aider à gagner. Le mec m'a dit ce qu'il voulait faire. Si le mec il me dit, je me déplace à gauche, je lui dis pas, ah, en fait, tu te serais mis un peu à droite, tu avais la ligne de vue, tu pouvais prendre l'objectif et tu pouvais les charger de l'autre côté. Non, non. Le mec te dit, j'ai envie de te tirer dessus. Mais je vais t'aider à ce que tu me tires dessus. Oui, d'accord. Puisque c'est ce que tu voulais faire. Mmh. Il faut que tu puisses avoir des choix éclairés. Tu dis, ah là, j'ai vraiment envie de te tirer dessus. Tu dis, fais gaffe. Ça, t'as pas vraiment force. Moi, j'ai moins 1. Tu vas jamais blesser parce que tu vas blesser que sur des 6. Ouais. Ah merde. Je dis, voilà. Par contre, tu lui rappelles le stratagème, tu dis, je ne peux pas le faire sur les véhicules. Ah ok, bah, je peux tirer sur ton véhicule. Oui, dans ce cas-là, je n'aurais pas le stratagème. Ça, c'est plutôt une approche simple. Et c'est, tu lui expliques pas la game. Si tu vois un mec qui t'a dit, je mets tout à fond sur ton Ktan, ça divise les dommages. Et tu lui as bien dit, j'ai 4 plus 1 vue, 5 plus une open, je divise le dommage par 2, machin. Tout. Tu sais qu'il n'y arrivera jamais et que ça marche pas. Tu lui dis pas. Tu dis, j'ai envie de tirer sur ton Ktan. Il faut juste l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. Il a fait un mauvais choix, mais il faut qu'il puisse le faire. Quelqu'un qui dit, j'ai envie de te charger, et qu'au dernier moment, tu dis, ah, en fait, tu savais pas, mais au moment où tu déclares en charge, je peux te déplacer. Comme ça, ta charge est ratée, t'es au milieu de la table, j'ai gagné la partie. Mm. Ça, c'est un truc de connard. Pour vous donner une idée, si vous faites ça en tournoi, c'est un carton jaune. Net. Il n'y a pas de discussion, rien du tout. Tu dis, attitude non fair play, gotcha, carton jaune. Donc, en plus, tu peux l'obliger à dire, je t'interdis d'utiliser le stratagème. Parce que tu aurais dû prévenir ton adversaire que tu voulais le faire. Okay. Et parce que tu as essayé de le faire, je te mets un carton. D'accord, ok. Bah, je me demandais justement si tu pouvais... Parce que moi, je me dis à l'inverse, tu es débutant en joueur, tu connais pas très bien tes règles encore. Tu vas en tournoi, normal, tu vas apprendre à jouer et tout. Et bah, le type, ah, tu oublies que... ah mince, j'avais ce stratagème là, ou cette capa que j'ai oublié. Bon, nous, en général, quand ça devient entre potes, on admet d'un commun accord que bah, du coup, j'utilise pas la compétence parce que justement, je l'ai oublié et voilà. Je sais pas si tu as d'autres solutions, toi. Pour vous donner un exemple, tu vas quelque part, tu oublies que... bah, un truc que je joue... qu'une unité peut avoir full reroll des touches au corps à corps. C'est une capa du perso qui va avec, voilà. Tu l'as oublié. Soit, c'est ton tour, tu jettes toutes les attaques et tu dis, ah oh merde, j'ai oublié. Ton adversaire dit rien. Tu as deux choix. Soit tu le fais comme ça, parce qu'on joue avec la cloque. Soit tu dis, j'ai envie d'avoir la full reroll parce que je veux vraiment te faire des dégâts, donc je vais recommencer avec la full reroll et je vais dépenser du temps pour le faire. Si ton adversaire refuse, il peut le faire, tu reviens en arrière. Tu appelles un arbitre. Et l'arbitre va décider de ce qui se fait. En théorie, si tu n'as pris aucune décision entre ces deux éléments, tu as le droit de revenir. Okay. Évidemment, tu as le contexte. C'est-à-dire que si tu as fait 3 touches et que oh ben le mec vient de se rappeler que... Et tu poses des questions et tu te rends compte que le mec essaye de prendre avantage de j'ai oublié une règle. Parce qu'en fait, il a fait un jet de dératé. Il faut poser des questions. Ça peut arriver qu'il y a des mecs qui soient retors. Mais souvent, le mec, il dit, j'avais full reroll, j'ai oublié de la faire. C'est mon seul cas de pouvoir taper. Est-ce que je peux le faire? L'arbitre peut dire, t'as oublié ta règle, je te mets un avertissement et je te permets de le faire. L'avertissement, c'est tout petit. Hein. C'est juste qu'il dit, il faut se rappeler de ses règles, il faut éviter de revenir en arrière. Ou alors, il peut dire, vas-y, il n'y a pas de problème. Ton adversaire, il peut dire, vas-y, on s'en fout, c'est pas grave. T'as fait 15 touches, ouais, tu vas en faire 4 de plus. Lui, il sait quand tu sais jouer. Tu sais que si le mec, il t'attaque avec une unité full reroll, il est censé te tuer. Okay. T'as pas envie de gagner parce que le mec il a oublié la moitié de ses règles, t'as envie de gagner parce qu'il veut dire je suis meilleur que toi. Ouais, bien sûr. Que t'aies oublié tes règles, c'est pas grave. J'ai même envie de te dire je vais te filer un coup de main, je vais quand même te mettre 20-0. Je vais te donner la fessée, mais avec une certaine douceur, tu vois, quelque part. C'est surtout parce que le mec à la fin il dit j'ai perdu, le mec m'a filé un coup de main et il m'a donné envie de devenir meilleur après.
Ah bah pour le coup, moi je leur avais dit, tu sais, la première game que j'ai fait là avec au French War Game Day là, avec Louis, on s'est fait rouler dessus, mais les deux étaient super sympas. Bah justement, il y en avait un qui jouait en ligue et qui était arbitre, il me semble, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, je me souviens plus du tout des noms des gars, mais c'était très cool parce que bah déjà, dès que t'avais une question de règle, bah forcément le mec il est arbitre donc il savait t'expliquer. Et en plus de ça, ben, tu sais, t'es un peu rassuré parce que forcément, les arbitres, ils ont une certaine vision de comment doit se passer un tournoi et tout. Donc, c'était très agréable et ils t'apprennent plein de choses. Donc, c'est les meilleures parties, je trouve. Ouais, et puis les mecs savent que, déjà, ce sera... Alors, on n'a pas tous la même vision, mais pour tous les gens du corps arbitral que je connais, c'est à peu près ça. On fait extrêmement attention de jouer extrêmement bien. Tu as le droit de te tromper dans tes règles. Ça m'est arrivé de me tromper dans une règle, de dire, bah, écoutez, tous mes véhicules orcs, je pensais qu'ils avaient des armes jumelées, donc ils faisaient double tir en V9. Et en fait, non, j'en avais que 5. Je drop le tournoi et j'arrête. Et l'arbitre, il me dit, non, il me pose des questions. Il dit, est-ce que t'as fait des dégâts? Je dis, j'ai jamais touché. Il dit, bon, ça ne change rien, machin. Est-ce que, qu'est-ce que je veux prendre? Je m'attendais à prendre un carton, un avertissement, machin. Tu dis, bah écoute, c'est un gros avertissement, donc si tu refais une erreur, machin, l'arbitre fait ce qu'il veut. Mmh. Mais par principe, tu as le droit de te tromper, parce qu'on est humain, mais tu acceptes de juste la décision arbitrale. Mmh. Par exemple, refuser une décision arbitrale, c'est un carton rouge. Et comment tu peux refuser? Genre, tu dis non, je continue à jouer. J'ai vu des trucs en disant on t'a dit déjà la partie d'avant que tu pouvais pas le faire, donc tu vas arrêter de le faire. Mais non, mais enfin, je fais ce que je veux. Puis de toute façon, vous y connaissez rien, machin. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Au revoir. Ouais, bah là, c'est des fous, là. Non, mais je suis désolé. Non, mais c'est terminé. Je rigolais. Il y en a plein. Mais en a plein, c'est énorme. Une commission disciplinaire, parce que vu que t'as vraiment été un connard, c'est pas juste ce tournoi-là que tu vas empêcher de jouer des gens. C'est qu'on peut t'empêcher de jouer pendant 6 mois ou un an, si vraiment tu veux pousser. Mais justement, c'est bien que t'ailles là-dessus. Je vais faire, machin, je fais. Non, c'est assumer vos conneries. Tu as le droit de te tromper et il n'y aura pas mort d'homme si tu dis ben, au pire, je te donne la game. Tu dis, je me pose pas de questions. Le mec, il dit, ah, mais tu as allé gagner. Non, je te la donne. Tu 20-0, cadeau. On va mettre les points et par principe, c'est ça. Sauf que c'est pas moi qui vais décider combien je vais te mettre. Je vais appeler l'arbitre. Je dis, j'ai mal joué la règle sur toute la partie. J'ai joué 10 tiens au lieu de 5. Ouais. J'ai jamais fait de dégâts. Ça n'a absolument pas changé la game. Mais j'ai quand même dessiné, j'ai quand même donné ça. Un avertissement, tu le refais plus, machin, c'est quoi les résultats de la game? Si tu modifies la game, on peut même aller modifier les points. Genre, tu gagnes 15-5 et on dit, bah en fait, on va inverser le score. Parce que t'as vraiment fait n'importe quoi et tu vas tuer le tournoi du mec si tu lui voles la partie, en fait. Ouais. Ouais, puis bon, en plus, y en a qui sont sensibles, hein, mine de rien, ce genre de truc. Y a des gens qui le prennent à la cool. Nous j'avoue, la dernière partie, tu vois, on n'a pas passé un bon moment, c'était pas super. Mais on s'en foutait un peu parce que tu vois, on avait déjà 3 bonnes parties, c'était la fin de tournoi. Mais je sais qu'il y a des gens, quand ils se font un petit peu floués ou arnaqués, ils peuvent le prendre vraiment mal, quoi, entre guillemets, se sentir. T'as pas le. En plus, alors si tu fais que les 2v2 au French War Game Day, le French War Game Day, c'est un tournoi détendu. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, on a eu 2 cas de gens qui ont été extrêmement désagréables. Ou en tournoi normal, on les aurait sortis du tournoi. Sauf que là, le principe, c'est de dire, non, vous n'avez pas compris, l'ambiance, elle est différente. Donc là, au lieu de dire sanction, on est allé les voir. On leur a dit, on est bien d'accord que ce que vous êtes en train de faire, on ne veut plus jamais en entendre parler. Si on entend parler de vous, vous allez prendre 2 fois plus cher que les autres. Parce que ce n'est pas le thème du tournoi. Je ne vais pas vous mettre un carton à une convention de jeu. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien à gagner, les gars. Les seuls trucs qu'il y a à gagner, c'est quand tu te fais défoncer parce qu'on fait des mini-jeux pour te dire tiens, t'as gagné une boîte. Quand t'es premier, c'est juste. Putain, j'aurais dû perdre toutes mes parties, bordel. Bravo, t'as gagné. Rien à gagner. T'as pas de points, t'as pas de notoriété, il y a zéro. Rien du tout. Donc on leur a dit on est bien d'accord, c'est terminé. Ah, mais machin, il n'y a pas de discussion à avoir. Vous allez désormais être les joueurs les plus sympathiques qu'on ait jamais vus. Et dans une heure, je reviens vous voir et je vais poser des questions à vos adversaires. Tu les entends plus, les mecs. Parce que t'es là en disant, on a bien compris que t'étais un connard, et la prochaine fois que je vais te voir en tournoi, si t'as la même attitude, là, je vais te sanctionner. Mais là, je veux pas te sanctionner. Je veux... Les gens qui ont été avant, tu leur as dit, on a sanctionné les mecs, on leur a dit qu'il fallait qu'ils arrêtent. Ils sont contents.
la plupart du temps, les mecs, dans un 2v2, ils s'en foutent, ils s'en foutent que le mec était désagréable, ils voulaient juste passer à autre chose, quoi. Ouais. Par contre, si tu rentres vraiment en disant t'es désagréable, moi je suis pas d'accord, tu appelles un arbitre. Tu peux appeler un arbitre pour rien. Ça m'est arrivé d'aller à la table en me disant table WTC, les deux joueurs ne se parlaient plus. Du tout. Il y en a un qui était. Mais pas du tout. Il y en a un qui était. J'ai des boudins. Ah non, mais il y en a un qui était très extraverti et qui expliquait le fleuve de ses figurines avec un accent à couper au couteau. Et l'autre était très très introverti, il voulait juste jouer sa game et en fait il trouvait que c'était trop long. Et sauf qu'en fait, à chaque fois que l'autre essayait de lui expliquer le fleuve, l'autre en avait absolument rien à foutre. Donc ça. Et je suis allé sur la table, j'ai rien dit et les mecs me parlaient à moi. Tu faisais l'intermédiaire quoi. Rien. C'est... Alors là, j'ai envie d'aller faire ça et d'aller tirer et d'aller faire ça. Je me tourne vers l'autre mec, il dit j'ai pas de stratagème s'il veut faire ça. Et en fait, il me parle. Et la partie s'est super bien déroulée parce que j'étais là. Ouais. Et par contre, le mec était introverti. Je lui dis par contre, il va falloir que tu pètes un coup parce que quand ton adversaire te pose une question, si tu réponds pas la prochaine fois, je te mets un tampon. Ouais, ouais, logique. J'ai compris que t'es pas la. Enfin, être la police et aller mettre des cartons, c'est le dernier truc que t'as envie de faire. J'ai envie de venir pour vous aider à trouver une solution pour finir la game dans des bonnes conditions. Si la bonne condition, c'est je viens passer 30 minutes avec vous et vous me parlez, ok. J'ai appelé les autres arbitres en disant la situation fait que je peux pas bouger de la table et c'est très détendu tant que je reste là. J'ai essayé de partir pendant 5 minutes, je suis revenu, les mecs, c'était la catastrophe. J'ai dit ok, je reste là. Donc, tu leur mets à la fin de la partie, tu dis vous allez tous les deux prendre un avertissement parce qu'il est hors de question de bloquer un arbitre en permanence. Et je comprends que la situation était particulière, donc c'est juste un avertissement pour dire c'est dommage. Mais quand t'as les coachs qui disent les mecs coachs se parlaient, les mecs ne parlaient pas à leur coach, tu fais putain mais ça va loin quand même. Ouais c'est trop. Mais tu comprends que ils sont sur deux plans différents, ils ont envie de jouer deux jeux un poil différents. Et il y en a un qui était en train de perdre et mais qui était en train de gagner parce qu'il avait un peu de chance. Et qui était vraiment dans le fluff, et l'autre était persuadé qu'il allait gagner, mais il avait pas de chance. Et en fait, plus ils essayaient de s'expliquer des trucs, et plus les mecs se séparaient. Ouais, c'est des trucs humains, ouais. Voilà. Et c'est là. Il y a quand même. Là, on parle quand même beaucoup de trucs négatifs depuis tout à l'heure. Et justement, il y a Beck Benzen qui dit j'ai jamais fait de tournoi, mais ça fait un peu peur de tomber sur des gens pas sympathiques. Je pense pas que ce soit représentatif, en fait, ça doit être quoi? Même pas 1% des joueurs, un truc comme ça, non? Je sais pas si vous avez des stats ou. Pour te donner une idée, au WTC, on a mis, je crois, un carton jaune et 4 avertissements au total. Ouais. Il y avait 280 joueurs au solo, on était 14 arbitres, donc on était très nombreux, okay. Et il y avait 36 équipes de 8. Tu mets des avertissements de temps, tu mets des avertissements, il y a un carton, et en plus le carton, c'est même pas parce que le mec était désagréable, on lui a dit au fait t'as joué une règle pendant 3 parties, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. Et on est obligé de te mettre un carton. Le mec il s'excuse, il dit bah je drop le tournoi. Je suis désolé, en plus je vous ai fait perdre votre temps, machin. Oh donc en plus super sympa quoi. Mais c'est un joueur international et il sait que s'il commence à discuter une décision arbitrale, on le vire. Bah justement, moi, j'ai envie de te dire, c'est presque la logique inverse, c'est-à-dire que moi je préfère aujourd'hui aller dans un tournoi qui est suivi par des arbitres, parce que je me dis, mais potentiellement il y a moins de gens pète couilles, parce qu'en gros, vous avez quand même une liste de joueurs qui sont bannis, j'imagine, comme dans toutes les structures. Alors étonnamment, on n'en a pas tant que ça. Ouais, mais je veux dire, au pire, ne serait-ce que le fait que la sanction existe, ça réduit vachement, lorsque en vous fait, êtes là, le potentiel de problème, quoi. Ouais, alors déjà t'as ça, c'est-à-dire que tu prends par exemple le playoff ou la Ligue 1, on est 7 arbitres, okay. Personne n'essaye de jouer malin. Ouais. On a quasiment un arbitre par table sur la table finale. Les mecs n'ont pas besoin de nous, on est là parce que s'il y a un litige, ça monte très vite, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, tu ne te branles pas les couilles, mais tu te détends, puis tu expliques des trucs, tu dis, là tu vois peut-être que je l'aurais fait comme ça, on parle de protocole d'arbitrage, machin. Et à un moment donné, il y a un problème, t'as 3 arbitres collés à une table, on ne peut plus bouger. Ah, d'un coup, ça manque d'arbitres. Parce que ça monte très vite. Ouais. La plupart du temps, on est là pour répondre aux questions de règles des mecs, leur rappeler qu'il faut lire leur datasheet parce qu'on n'est pas là pour lire vos règles à votre place. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que si je peux répondre à la question de quelqu'un en moins de 30 secondes en lisant la datasheet, c'est 2 euros. Ah, c'est alors, bien, je vais faire arbitre, j'aime l'argent. Hein, non, mais moi, je ne les prends pas, tu les dis, tu les files à l'association qui est en train de le faire, mais tu payes. Parce que là, tu m'as fait perdre mon temps et le problème qui est à côté, j'ai pas pu le gérer parce que tu sais pas lire ta datasheet. Ouais. Donc tu vas payer. Donc il y a des mecs, ça les fait marrer, donc ils achetaient des cartes de boissons, ils me les donnaient. Il faut vous faire des t-shirts, tu sais, je ne m'appelle pas Siri. Ouais, c'est ça.
Et parce qu'il dit, c'est quoi la règle de ça? Bah, je sais pas. Ah non, mais c'est quoi la règle de ça? En vrai, je sais pas, parce que je les apprends pas par cœur. Justement, parce que si tu les apprends par cœur, tu vas te planter. Mmh. Je dis, je sais pas, il y a écrit quoi sur ta sheet? Ah, je sais pas, je l'ai pas lu. Bah, moi non plus, je sais pas. Le mec s'arrête en disant, il t'a data sheet. Et ce qui est drôle, c'est l'autre joueur qui se rend compte, tu dis, qui se marre, et tu lui dis, non mais lis ta data sheet, vraiment, je réponds pas à ta question, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que d'abord tu lis ta data sheet en entier, si tu comprends pas, tu m'appelles, s'il y a une règle que tu trouves pas, tu m'appelles, si tu penses que c'est pas clair, tu m'appelles. Mais si ton premier réflexe c'est réponds-moi connard parce que j'ai pas envie de chercher, la réponse est non. Ça me rappelle, il y a une autre vie où j'avais fait du Linux et il y avait un truc sur les forums, c'était read the fucking manual. Tu sais, c'était les mecs. RTFM. Qui... c'est exactement ça en fait. RTFM. Ça où. Read the fucking manual. Ouais, et puis t'avais, tu sais, le lien internet où le mec il te posait une question et en fait quand il cliquait, ça écrivait sa question sur Google, tu sais, pour lui montrer genre, vas-y mec, qu'est-ce que tu me casses les couilles. Bah, Immortus, le mec qui est dev chez nous, là, il y a plein de fois où je lui demande des trucs parce qu'il fait de l'informatique. Je lui dis, comment tu fais le truc sur la page Google? Il dit, Google. Et d'un coup, c'est pas désagréable, hein, tu dis, putain, mais je suis con, mais bien sûr que oui. En fait, il m'a dit, tu vas avoir l'écran, tu vas avoir l'endroit où cliquer, et des fois, tu as un pas à pas. C'est-à-dire que comme il sait que j'ai deux écrans, tu mets l'écran, tu cliques, il te fait étape 2, tu cliques, étape 3, tu cliques. En fait, il dit, tape-le sur Google, ça va plus vite. Il avait raison. On va revenir un peu sur la pendouille, mine de rien. Tu me disais, donc là c'était plutôt en off tout à l'heure, que tu voulais reprendre, donc tu parles beaucoup d'armées, tu veux reprendre la figue individuelle et tu voudrais éventuellement refaire un petit peu de figue de concours, pourquoi pas, histoire de mettre ça en avant. Qu'est-ce que ça implique de fignoler une figue ou d'aller plus loin que d'habitude? Est-ce qu'il y a des choses que, j'imagine, tu dois sacrifier des choses quand tu fais de la peinture d'armée? Qu'est-ce que si tu dois peindre une figurine de concours demain, tu rajoutes dessus pour qu'elle soit meilleure? Alors, il y en a deux. Là, déjà en peinture d'armée, tu as soit le ultra rapide et tu sais que tu feras pas mieux avec ce que tu as, et après tu as le tabletop plus, c'est-à-dire que tu vas commencer une figurine proprement, tu vas peindre toutes les plaques, et disons que tu vas faire un lining. Déjà, le premier truc que tu vas faire, c'est je peux peindre les pièces en séparé. Je peux penser à une figurine, c'est-à-dire que il y a plein de fois où j'achète des figurines. Alors là, par exemple, la totalité du City of Sigmar qui me fait rêver. Les figurines, elles racontent toute une histoire. Les trucs, ils ont des tronches pas possibles. Ah, elles sont super belles, ouais, j'avoue. T'as pas envie de mettre un coup de contraste pour brosser à sec le bois, quoi. T'as envie de te dire, attends, mais le truc, on dirait une porte, mais ça veut dire que sûrement que pour aller chier, le mec, il met son bouclier devant lui, tu vois. Donc en fait, il a peut-être vraiment des petits mots où il écrit des trucs à l'arrière de son bouclier, où il est allé mettre le nombre de gobelins qu'il a tués. Où sur les socles, il y avait un pan de mur, bah en fait, tu fais une trace jaune parce que le mec, c'est là où c'est un garde. Donc en fait, il bouge pas. Donc c'est là où il pisse en fait tous les jours. Ah, j'aime bien cet esprit. C'est un peu cru, mais tu te dis déjà pourquoi il est là, pourquoi c'est cette couleur. Des fois, tu te rends pas compte, mais quand t'as un ogre ou un orc, il y a pas de tissu vraiment bien cousu. Ils peuvent pas. Le tout début, il t'expliquait que les géants avaient des trucs bien cousus à peu près, et en fait, ils avaient des morceaux. T'avais des grosses lanières de cuir et c'était des morceaux de fringues qu'ils mettaient parce qu'en fait ils avaient des trop gros doigts, ils pouvaient pas coudre. Et donc la façon qu'ils ont de s'habiller dépend aussi de là où ils habitent, ce qu'il y a autour d'eux. Donc c'est là où tu peux te dire, ouais, mais si je le fais noir, pourquoi? Si je le fais rouge, pourquoi? Et rien que ça, déjà, passer 20 minutes, enfin 20 minutes, je plaisante, enfin un mois, à réfléchir à une figurine, c'est trop bien. Ah, donc toi t'as vraiment l'objectif de raconter des histoires, quoi, c'est ça, si je résume. Ouais, mais quand on n'est pas trop bon peintre, il faut bien qu'on trouve un autre truc pour pouvoir faire ce qu'on peut. C'est marrant que tu dises que t'es pas un bon peintre. Pourquoi tu te dis ça? Parce que mine de rien, là, on voit quand même des belles pièces, des belles choses. Parce que... Alors, la première fois que j'ai gagné une médaille en étant fier de moi, c'était j'ai pris une médaille d'or à Streza. Et en fait, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tous les effets, c'était ça. J'avais rien raté, c'était nickel. Et... je suis allé à Streza et à part 4 peintres, je regardais les figurines et je dis, je sais comment il a fait. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Maintenant, il y a 2-3 extraterrestres, je sais pas comment ils font. Il y en a, je sais comment ils font et c'est super bien. Tu
tu prends la dernière pièce, le truc à gagner à Slayer Sword au GD là, avec le vampire. Mm-hmm. Je sais comment il fait. Je vois comment il a peint la figurine. Je vois les raccourcis qu'il a utilisés. Ça ne m'impressionne pas. Par contre, l'histoire, ça, c'est le truc en plus. Quand tu es super bon pour faire tes dégradés, mais que la pièce, elle est plate, pouf. Il y en a, c'est des dieux en tout. Et en fait, je trouve que je ne suis pas très très bon parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas léché bien une figurine. Pas juste le pinceau. Il faut lécher la figurine. Ouais. Et en fait, je ne me mets pas le temps de le peindre. Et quand je me donnerai ce temps-là, si je me dis la qualité est suffisante pour pas être ridicule en là, et là j'ai gagné des tournois, enfin j'ai présenté des figurines en master. Là j'ai l'impression que je vais être ridicule si j'arrive avec une figurine en master. Et c'est parce que j'ai plus le niveau, mais parce que les dernières pièces que j'ai faites, je crois que j'ai pas passé plus de. Enfin, j'ai pris un buste avec en cours avec Nico. On a passé 2 jours et 2 fois 8 heures pour faire une figurine de concours. C'est que dalle. Ouais. Carrément. C'est le minimum avant de commencer à bosser pour pouvoir faire des effets et te dire c'est là où il va y avoir un truc quoi. Bah c'est plus de ce que j'entends, c'est pas que t'es pas bon, c'est qu'en fait comme t'as pas fait de figue de concours depuis longtemps, t'en sais rien. C'est ça presque le sujet en fait. Ouais. Après tu te rends compte quand tu vas faire des figurines, ou je regarde les tiennes, là par exemple j'ai regardé les dernières figurines de Infernal Brush, c'est un ancien mec qui travaillait chez Games, qui a une technique très très Games, et qui rien un truc, il peint les dents. Et je me dis, mais attends, c'est super bizarre. Au lieu de faire un dégradé du foncé vers le clair, la base des dents est blanche, ça tire vers le noir, et il mettait un point blanc à la base de la dent. Ok. J'étais là. Bah, en fait, t'as l'impression que la dent, elle est salie, mais elle est translucide. Et en fait, il gérait ça comme une gemme. Tu fais, putain, mais c'est génial. Et donc, juste à la peinture, tu te rends compte que tu peux faire un truc vachement bien. Et j'aurais jamais pensé. Et à ce moment-là, tu dis, je suis pas bon. J'aurais dû y penser. La règle de base d'un peintre, t'es censé observer le monde qui t'entoure et essayer de le reproduire, faire un truc intéressant. Ça se voit, j'aurais dû le voir qu'il y avait des trucs, tu peins des dents géantes d'un squig, bah ça m'était jamais venu à l'idée de dire putain, on peut faire ça comme ça, c'est trop bien. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être ça la limite. J'en avais parlé avec un pote qui, à un moment, j'étais chez lui et c'était marrant parce qu'il était vraiment devant sa vitrine avec toutes ses armées et tout. Et il me disait que, grosso modo, tu vois, il parlait de mon niveau de peinture. Et moi, je lui disais, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit aujourd'hui que je fais qui est inaccessible à qui que ce soit. Il m'a répondu, bah tu vois, moi, ça fait 20 ans que je peins et je suis loin d'avoir ton niveau. Et moi, je lui rétorque, bah justement, derrière toi, il y a tes figurines d'armée. Ça fait 20 ans que tu peins des armées. C'est pas du tout la même chose. En fait, tu fais pas du tout la même activité que moi. Et je pense, en gros, pour moi, c'est pas que... c'est pas un problème genre t'aurais dû te poser la question, c'est peut-être juste parce que ton quotidien, toi, là où t'es super doué, c'est que tu te poses sans arrêt des questions, des problèmes techniques en fait, comment obtenir ce rendu là de la manière la plus efficace possible, ouais. Peut-être avec le moins d'énergie possible, ce qui est une autre compétence en fait, quelque part. C'est surtout jusqu'à où tu as envie d'aller. La différence entre quelqu'un qui fait du concours et quelqu'un qui n'en fait pas, c'est quelqu'un qui fait du concours veut se donner les moyens de participer à un concours. J'ai vu des gens avoir des figurines moches, dégueulasses, techniques pourries, mais ils se sont fait chier. Mmh. Donc, ils ont leur place en concours. C'est normal que tu gagnes pas parce que ta technique est pas bonne, ton approche est pas bonne, le choix des couleurs est peut-être pas bon. Mais t'as montré une figurine. Il y en a plein de mecs qui disent « Ah, mais je ferai jamais de concours. » Je dis « Alors là, tu vois, je vais passer 1 heure. Ah non, c'est trop long. » Le mindset pour venir sur une figurine, c'est ça qui fait que ton niveau peut pas augmenter. Là, moi, pour l'instant, tu vois, je voudrais repeindre une figurine plate. Enfin, je vais dire à la Rackham, mais les photos Rackham, c'était très bien peint. Et tu avais l'étape d'après pour la rendre vraiment méga bien. Et en fait, moi, je voudrais juste peindre au top de mon niveau. C'est-à-dire avoir un dégradé bien clean, avoir les lumières bien posées là où il faut. Rien que ça, déjà, je peux pas le faire. Parce que j'ai pas le temps, parce que machin. Après, je me le donne pas, mais bon, c'est vrai que quand t'as peint 50 heures dans la semaine à brosser à sec, le week-end, t'as pas envie de peindre une figurine. Et pourtant, là, tu vois, la boutique, tu files des cours en disant, tiens, comment on fait un dégradé, tu mets 1 heure à faire un dégradé, c'est génial. Tu te dis, c'est cool quand même de faire un dégradé, c'est cool de passer 1 heure pour faire un petit bout. Bah justement, le truc qui vient, moi, tu vois, on m'avait posé la question, parce que la journée, je peins, et je repeins le... Moi, j'ai pas de souci pour repeindre pour moi le soir.
D'ailleurs, que ce soit des figurines de jeu ou des figurines de concours, même si j'avoue, je fais plus de concours depuis quelques temps maintenant. Parce que moi, ce qui arrive dans l'état d'esprit, c'est que quand je peins de la figue pour moi, il n'y a plus de notion de temps. Ouais. Je suis juste dans le moment. Et justement, en fait, à chaque fois que je commence à peindre pour moi des armées, que je me speed ou quoi, c'est là où je fais tout de suite, j'arrête et je fais une pause parce que je suis pas dans le bon état d'esprit. Parce que je me dis, en fait, quand tu es vraiment dans l'instant, tu vois, dans le côté, il n'y a pas de notion de temps, il y a juste notion de plaisir. Là, en fait, ça te rend de l'énergie, contrairement à quand tu fais ton brossage ou tu bosses la journée. Là, ça t'en prend beaucoup, j'imagine. Est-ce que tu arrives à aller dans cet état d'esprit-là ou c'est peut-être justement ça qui te pose problème? Je ne sais pas. Si je peins des figurines pour moi, c'est parce que je vais jouer avec. C'est-à-dire que... Mais c'est souvent... Quand t'es à ton compte, t'es un peu... Enfin, on roule pas sur l'or. Hein. T'es un peu en train de courir après les contrats pour être sûr de pouvoir remplir. Là, tu vois, parce que je fais deux tafs en même temps avec Games et parce que je suis trésorier de la Fédé. Donc en juin, il va falloir que je fasse les comptes de la Fédé. Donc je prends quasiment des vacances pour faire les comptes. Je suis fou comme ça. C'est le moment où, en fait, tu te dis, j'aimerais bien m'arrêter pour peindre une figurine. Le premier réflexe que je vais avoir, c'est j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. J'ai envie vraiment de faire un truc... De couper, ouais. Ouais. Ouais, et puis en plus, je joue en facile. Parce que ça me stresse, ça m'agace. Jouer à Walking Simulator ou à Wii Golf, tu sais. C'est, quand t'as un setting... avant, les jeux, quand tu les faisais en facile, t'avais la moitié du jeu ou tu ratais des trucs. Maintenant, tu peux les faire en facile et faire un jeu. L'histoire m'intéresse. Et battre des mondes m'intéresse. Par contre, je peux pas jouer 12 heures d'affilée. Mais pendant 2 heures, j'ai pas envie de refaire un boss 12 fois parce qu'il faut apprendre le pattern pour pouvoir battre le boss. J'ai compris, le boss, c'est sympa, j'ai envie de le battre. Si c'est vraiment trop facile, tu t'ennuies. Un peu, c'est pas mal. La difficulté, ouais. La peinture, ça veut dire que mon atelier est propre, que j'ai tout fait, et que parce que je peux pas m'arrêter, il faudrait que j'ai le temps, tout le temps du monde pour pouvoir peindre des figurines. Manque de bol, dès que je commence une figurine pour moi, je sais que dans 2 jours, il faut que je fasse la prochaine commande. Ouais. Donc, j'ai que 2 jours pour peindre. Donc, tu peux pas être tranquille. C'est pour ça que... Il te faudrait 2 ateliers, en fait. L'année prochaine, j'ai prévu de chronométrer le temps que je passe à peindre dans la journée pour me forcer à moins regarder mon téléphone quand tu peins des trucs qui font chier, tu vois. Parce que ça, c'est le TikTok et Instagram, c'est le truc pour te tuer les journées, hein. Tu scrolles comme un connard, tu dis putain, ça fait 30 minutes alors qu'en fait c'est juste parce que t'as pas envie de faire la 12e couche de base sur la 60e figurine. Ouais. Voilà. Et donc je me chronométrerai et dire à 6 heures tu t'arrêtes de travailler. Donc de 6 à 7 j'ai la pause ou de 6 à 8 j'ai la pause. Et à 8 heures je peux faire autre chose. Bon, là en même temps j'ai la fédé, le jeu, parce que on est censé rendre nos listes, on est quoi, mercredi, ouais. Vendredi, on a un joueur qui est pas là, faut que je joue à sa place. C'était pas prévu. Donc, en plus, faut que je m'entraîne. Non, bon. Mais, ouais, il faudra que je m'arrête à 6 heures en disant, bah, maintenant, tous les soirs, de 18h à 22h, si je peins, c'est uniquement pour moi et pas du tout pour les commandes. Donc, si je veux peindre pour moi, il faudra que je me force à peindre dans la journée. Mais là, souvent, ouais, je commence à 8h, puis en fait, jusqu'à 9h30, je fais des trucs sur mon ordi, puis tu commandes 2 pots de peinture, puis tu réponds à 4 mails, puis il est 11h30, puis tu mets une couche, puis tu t'en vas. En fait, t'as pas travaillé. Travailler ouais. 30 minutes, quoi. Après, en soi, est-ce que c'est un problème? Parce que comme tu me dis que tu fais la fête, tu joues et tout, c'est peut-être aussi parce que tu as trouvé ton équilibre comme ça. Enfin, tu préfères ça que de peindre de la figue de concours, au final. Ah, mais si là, demain, tu me dis la fête, les activités de la fête triplent et on est payé pour faire ça, je préférerais être payé pour faire les trucs de la fête que de payer pour peindre des figurines en armée. Parce ouais. que t'as plus de kiff. Là, je peins des figurines en armée, c'est un travail alimentaire. Ouais. J'aime ça. Quand je m'arrête et que j'explique à quelqu'un comment peindre une figurine, quand quelqu'un est content de recevoir son armée, t'as ce côté-là, c'est sympa. Mais si... J'aimerais bien repeindre des figurines de concours, ouais. Mais c'est... Même pas pour les présenter, mais juste pour te dire, je peins une figurine et je m'arrêterai quand j'ai envie. Ouais. C'est bien aussi de le dire, parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu comme les métiers de Twitcher ou YouTuber, ça suscite beaucoup de fantasmes, et ouais. De temps en temps remettre un peu les choses en perspective, c'est pas mal aussi. Du coup, j'imagine que t'as une discipline de ouf, parce que s'il y a des moments comme ça où t'as du mal à t'y mettre, faut être assez carré en fait dans sa tête, hein,
Bah quand tu fais, déjà quand tu fais tes comptes et que tu te dis si je travaille pas je je mange voilà, de la terre. Voilà, la discipline elle vient assez vite. Après j'ai pas d'enfant donc j'ai pas d'obligation, mais bon t'as une maison payée, les travaux, regarde ces superbes infiltrations d'eau pourries là. Ouais. En train de s'en occuper. C'est moment émotion, 22h30, j'ai eu fait une dépression nerveuse grave à un moment donné. Ok. Je sais quand est-ce que je repars dans le « là, t'es en train de perdre du temps parce qu'il y a un truc qui va pas ». Donc, c'est « tu sais le moment où t'es en train de… » Alors, c'est pas une catastrophe de tomber, mais tu sais le moment où tu te mets dans un coin facile où tu ne fais rien. Parce que c'est plus simple. Après, c'est pas parce que t'as pas envie de travailler ou parce que t'es caché ou parce que c'est un automatisme de dépression. Donc, c'est là où tu t'arrêtes et où moi, ce qui m'a sorti de la dépression, c'est faire des choses. Ok. T'as besoin d'être occupé, quoi. Fabriquer des trucs, peindre des figurines. En fait, c'est le moment où tu dis, je pense à plein de choses, mais je fabrique des choses. Et pour personne. C'est pas un truc où tu vas montrer, c'est pas un truc où t'as besoin de faire dans la représentation, d'avoir la vie des gens. Je fais, non, non. C'est. Monter une table ou faire une boîte de jeux, voilà. Voilà. Ça arrête de me déprimer. Faire des racks et des trucs et des machins rangés, je déprime plus. Mmh. Et donc, tu refais ça, tu dis stop, allez, il n'y a plus rien. Prends un balai, nettoie. Nettoie, range l'atelier. Même quitte à, tu fais une liste d'armée. C'est plus rien faire et scroller TikTok, c'est tu fais quelque chose. Ouais. Et donc, en fait, ça, de temps en temps, c'est ça qui me remet le pied à l'étrier. Après, ça peut durer 30 minutes et arrêter, et je comprends les moments où j'en ai marre. Ça peut m'arriver de dire, je peins 3 heures, à donf, ça m'emmerde, je vais faire à bouffer, je fais autre chose. Et je recommence. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser. Moi, j'ai eu un souci aussi, c'était pas de la dépression, c'était... En gros, c'était du surmenage, ce qui fait que j'ai des soucis de santé ORL. Tu sais, c'est tout le système ORL qui déconne. Et en gros, c'est à cause de la pression. Et donc, en fait, je me suis mis à la méditation. Et dans la méditation, il t'explique grosso modo qu'il y a deux mondes. Tu vois, tu as le monde du ressenti et tu as le monde de la pensée. Tu peux pas penser si tu ressentis, si tu ressens les choses, et l'inverse aussi est vrai. Donc en gros, quand tu commences à être stressé ou quoi, t'as besoin de sentir les choses. Donc soit tu t'occupes avec des choses manuelles, ou soit tout simplement, tu vois, le fait de faire du sport, tu te concentres sur ton corps et donc tu réfléchis pas. Et du coup, ça me fait vachement penser à ça, ce que tu me dis sur le fait de s'occuper pour, entre guillemets, sortir de la dépression, ouais. Le fait de faire en des fait, choses. C'est là où tu vois que j'ai horreur de faire la vaisselle. Il y a des fois, au lieu de peindre des figurines, ça m'arrive de monter, de faire une lessive et d'aller faire la vaisselle. Ouais. C'est te dire, ça ne me fait pas envie, mais parce que c'est, tu sais que tu n'as pas envie, tu sais que c'est un truc chiant, mais en plus, tu sais que tu es en train de faire un projet pour lequel tu donnes toute ton énergie pour faire un truc qui n'est même pas un dixième de la qualité que tu pourrais faire. Ouais. Ça ne te fait pas plaisir. J'en ai discuté avec Evie, justement, qui me dit, ton métier en tant que peintre en figurine, c'est faire jamais ton maximum. Tu peux donner à fond dans le travail et essayer de faire le mieux possible dans un temps imparti, mais par principe, si vous commandez une figurine, vous n'aurez jamais le meilleur de ce qu'on peut faire. Ouais, bien sûr. Tu peux pas. Tu parles avec Danilo Cartacci qui peint une figurine par an. Il y a des fois, il dit non. Bon, après, ils sont deux. Il y en a un qui sculpte et l'autre qui peint, donc ils font une pièce qui est payée par le Museum of Miniature. Donc ils gagnent de l'argent, mais ils ont d'autres tafs à côté. Ils peignent une figurine par an. Ils ne font qu'une seule figurine. C'est automatiquement le meilleur de ce qu'ils font. C'est l'inverse. C'est pour ça que je dis toujours que je suis un artisan et pas un artiste, parce que tu es obligé de travailler à la commande. Un vrai artiste, il s'arrête que quand il est satisfait de lui. Tu peux ne jamais être satisfait, mais le but n'est pas de produire quelque chose. Le but est d'aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire. C'est même pas de t'exprimer. Pour moi, l'art, c'est un acte physique. C'est-à-dire que physiquement, tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux, exactement comme quand tu vas faire une performance de sport. Tu ne peux pas faire autre chose que le meilleur que tu peux donner. Quand tu es un artisan, non. Tu travailles tous les jours, c'est ça le meilleur de ce que tu peux donner, mais dans un temps imparti, par rapport à un cahier des charges qui n'est pas ce que tu voudrais faire. Si demain, on me dit, tiens, tu as une armée à peindre de City of Sigmar, je la voudrais brosser à sec,
Déjà de base, ça va m'énerver. Ça, t'es déçu. Tu peux pas être à côté. C'est dommage. Si tu me dis, tu as des anciennes figurines toutes peintes dans la même position et que tu me dis, je voudrais du Metallic Metal dessus, ça va me faire marrer. Au troisième, Metallic Metal sur la même hache, dans le même sens. Tu... Après, t'as différents niveaux. Moi, j'avoue que ça a été des discussions avec d'autres peintres aussi sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, c'est pour ça que je me considère pas comme un artiste et plus comme un artisan. Parce que même quand je bosse avec une boîte, en fait, moi, je leur demande le temps de travail à accorder, la deadline, et puis éventuellement le budget qu'ils ont. Et en fait, moi, mon travail, c'est avec ces informations-là, produire le meilleur possible en fonction de leurs contraintes. Donc en fait, il y a une question de contraintes. Et ouais, j'avoue que là où moi je m'amuse le plus, c'est plus il y a de contraintes, plus je trouve ça rigolo. Si tu me dis, au contraire, t'as tout ton temps, t'as carte blanche, vas-y, fais le meilleur. J'avoue que moi, je vais m'ennuyer. Je trouve ça pas super fun. Parce que je dois trouver des petites astuces et des solutions. Je trouve fun. Moi, j'ai un... Alors, tu as... Il y a deux trucs là-dedans. C'est un, le... Et pareil, quand tu fais de l'arbitrage et à la Fédé, le truc le plus rigolo, c'est régler des problèmes. C'est pas pour rien que les... quand t'es un ingénieur, c'est fun parce que ton métier, c'est de trouver des solutions à des problèmes. C'est bien de trouver une solution à un problème. Ça peut ne pas être la meilleure solution. Quand tu peins des figurines pour quelqu'un avec un temps imparti et donc trouver la meilleure technique dans le temps imparti, c'est sympa de résoudre des problèmes. Quand t'as un mec qui dit « je veux toute mon armée par la contraste », tu fais « ouais, j'ai pas de problème à faire ». C'est de l'IA, enfin c'est vraiment du « va laver des patates » et quand t'as fini, tu les remets dans de l'eau sale, puis après tu les relaves parce que j'ai rien d'autre à te faire faire. En fait. Ouais, je vois. Ça, c'est ultra chiant. Mais régler des problèmes, ça, c'est pas mal. Moi, par contre, si tu peux faire ce que tu veux, j'ai l'autre côté, c'est mon côté de « j'ai déjà travaillé avec des entreprises » de « tu fais ce que tu veux, surtout prends ton temps ». Ça veut dire que t'as pas d'argent, mais que t'aimerais bien la meilleure qualité possible. Donc non, je vais te payer combien ? 100 balles ? 20 euros de l'heure, je vais travailler 5 heures. Allez, 6 peut-être, parce que je suis sympa. Et encore, la totalité des photos et des allers-retours de mail, je vais pas te les compter. Parce qu'il y a un mec, un jour, je lui ai dit, vous voulez vraiment que je vous facture tout ? Je dis, là, vous m'avez envoyé un message à 9h du matin, ça fait 1h30 qu'on parle, je vais vous facturer 1h30. Cet après-midi, il y aura les machins. Là, c'était le lundi, le... Voilà. Après, tu dis, bon, il n'y a plus rien. Je reçois la figurine le mercredi, je la peins, tu la grattes, tu la montes le mercredi, tu commences à réfléchir, tu fais un peu de recherche dessus, machin. Je vous fais payer la journée du mercredi. Je l'ai peinte jeudi, vendredi. Je lui envoie les photos. Le mec est sympa. Il dit, on en parlera lundi parce que c'est le week-end, machin. Et du lundi au mercredi, est-ce que tu pourrais reprendre un truc ? Est-ce que machin ? Est-ce que bidule ? Et les photos, les trucs ? Je dis, mais en vrai, là, j'aurais dû te faire payer lundi, mardi, mercredi. Et jeudi matin, la figurine est partie par la poste. Pendant 3 jours, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé que pour toi. Je sais que tu as retouché des trucs qui te plaisent pas, mais en théorie, tu devrais payer. Il y a une semaine de travail pour faire une figurine. Si tu veux te payer correctement quand tu es à ton compte, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 3000 balles par mois. Ça fait 750 balles. Et si tu dis ça à un développeur web, il te dit, bah ouais, je vois pas où est le problème. Ou à un mec qui travaille dans le graphisme pour alors pas dessinateur parce qu'on les prend tout ils se font toujours mal payer mais je connais des mecs qui font du ils font des cadres pour pouvoir faire des posts Instagram, c'est-à-dire qu'ils font la forme du cadre blanc ou la forme du pour une entreprise, toutes les communications doivent avoir le même format. Je cherche mes mots mais c'est un bon je le trouverai après. Et il me dit, ouais, on est payé 750 balles la semaine. Ou 900 balles la semaine. J'ai un pote qui était graphiste pour pouvoir faire des chartes de boîtes pour de l'agroalimentaire. C'est 450 balles par jour. Ouais, c'est sûr. Mais après, faut prendre en compte le marché dans lequel tu mets les pieds, quoi. Exactement. On va pas se mentir. Il y a des boulots où ça paye très bien parce qu'il y a de l'argent. Là, dans la figue, on sait qu'il n'y a pas énormément d'argent. Déjà, tu t'adresses à des particuliers ou à des petites boîtes. Donc, c'est compliqué. Le particulier, c'est différent parce que le particulier, il veut qu'il te commande un produit, tu passes le temps que tu veux. Donc en fait, plus tu vas passer de temps, mieux que c'est. Tu as une différence de, quand tu es à ton compte, tu as ta réputation, la qualité de travail et le fait que si tu passes, ça m'est arrivé de mettre un petit peu plus de temps en disant à quelqu'un, je suis désolé, je t'ai fait du tabletop plus parce qu'en fait, j'avais envie de bosser dessus et c'est le même prix. Ah, mais c'est sympa. Je dis, mais attention, ce ne sera pas tout le temps comme ça. C'est juste que là, les figurines m'ont fait envie et le truc machin et je trouvais que c'était plus joli comme ça. Comme ça, je peux me faire de la pub, machin. Donc, on comprend bien que tu n'auras pas à ce niveau-là la prochaine fois.
Je l'ai pas fait une fois, et là j'ai un mec qui, à chaque fois que je joue du tabletop, il veut du méga niveau. Je lui ai dit non. Mais c'est. J'ai perdu le fil de ma pensée. J'ai oublié. T'étais en train d'expliquer plus ou moins que bah, il fallait faire attention, j'imagine, puisque là tu parlais de faire des figurines un peu plus énervées pour ta pub. J'imagine. Ah oui, que... bon. Ouais, mais c'est ça. Tu peux décider de te dire tu passes plus de temps pour toi, pour ta pub et pour ta santé mentale, de dire non, celle-là je vais la pousser un peu plus. Ouais, mais du coup tu perds de l'argent, c'est ça le problème. Voilà. Par contre, tu travailles pour une entreprise, il faut que l'entreprise comprenne que pendant les 40 retouches qu'elle te demande, les 200 photos, le moment où le mec sait pas s'il doit te répondre, tu ne peux pas travailler. Ouais, bien sûr. Et un professionnel, tu dois comprendre, tu dis, si tu me prends une semaine de mon temps, c'est une semaine pendant laquelle je ne peux pas travailler. Dans le jeu vidéo, ils le savent à peu près. en dev, ils le savent, tu dis, on te paye une semaine. Et moi, ça m'est arrivé de travailler à peu près comme ça pour une entreprise où j'étais payé pour plein de choses. J'ai bossé à Ringing Heroes, c'était de contrôle qualité sur les figurines, de l'emballage, du refaire des masters, retoucher des trucs. Enfin, il y avait plein de choses à faire. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est on paye du lundi au vendredi. Lundi midi, on va manger au resto. Lundi, tiens, voilà les locaux, les trucs. Je t'ai payé. Hein. Sauf que c'est des devs. Donc en fait, ils comprennent que tu es payé la semaine. Ouais, donc, bah après. Ils savent que ton travail, tu vas le faire parce qu'ils te demandent de dire on va te payer comme ça, on va te payer comme ça, il y a des trucs à faire et tu as de la qualité à faire. Tu travailles mieux quand tu travailles dans des conditions correctes. C'est sûr. Après, c'est aussi la loi de l'offre et la demande. Je pense que quand tu commences déjà au début en tant que peintre, mais même en général, moi je trouve que les gens, ils ont une très très faible opinion de leur capacité. C'est un peu un truc que je remarque. À chaque fois que quelqu'un démarre une boîte, il va se sous-payer, même quand il regarde les tarifs moyens de son boulot, on va dire, de sa branche d'activité, il va toujours mettre un peu en dessous, il va être gêné quand il va demander de l'argent. Donc il y a quand même toujours ce petit côté peur. Alors ce que je peux comprendre, c'est normal si par exemple t'as pas beaucoup de clients, parce qu'au début de toute façon il faut bien en avoir. Donc il faut trouver un argument, le premier argument c'est l'argent, tout le monde le sait. Donc si tu fais moins cher, c'est sûr que tu vas avoir plus de clients. Néanmoins, même après, des fois, quand les gens sont surchargés de clients, ils ont, par exemple, je sais pas moi, des commandes pour un an, ils vont même pas prendre le risque de commencer à augmenter leurs tarifs, tu vois. Et je sais pas à quoi c'est dû. Et en fait, pour moi, c'est ce genre de choses qui fait qu'au bout d'un moment, tu travailles dans de bonnes conditions. C'est que toi-même, tu dois travailler à augmenter tes conditions. Ben, c'est ça. T'as un mec qui est développeur, qui fait des TikTok et qui explique, il dit... Ah, j'ai trop de commandes, je sais pas quoi faire. Et il se joue en double et le double lui dit, mais t'as quoi augmenter tes prix? Tu fais, mais oui, mais j'aurai moins de clients. Fais, oui, mais tu seras payé exactement pareil. Et t'auras plus de temps pour faire tes clients. En fait, tu prendras plus de plaisir à faire ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Puis même, tu te dis, par exemple, t'as moins de clients. Tu dis, ma prochaine commande de peinture, c'est 1 million d'euros, t'auras pas de clients. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Appelez-moi. Il y a un échange, il demande mentalité anglo-saxonne ou française. Je sais même pas bien à quoi ça correspond, pour être honnête. La qualité d'entreprise et tous les métiers ont... moi, j'ai repensé tout à l'heure, parce que dans la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, j'ai vu les méthodes pour te rabaisser en permanence, pour te faire comprendre que tu ne sers à rien et que tu es remplaçable. C'est parce qu'en fait, c'est pour bien être sûr que tu vas faire... Tu vas toujours donner mieux que ce qu'il y a pour prouver qu'en fait, tu vaux un peu... Et en plus, tu vas essayer de prouver que tu mérites une augmentation. Et on va toujours te dire, ah, ça aurait pu être mieux quand même. Parce que tu continues à donner à donf. Et quand tu as quelqu'un qui arrête de travailler en disant, bah, t'as arrêté de te faire chier. Oh là là, elle est où ta motivation? Bah, au même endroit que mon augmentation. Ah, mais tu m'augmentes pas, je travaille pas. Tu me demandes de faire un travail, je fais le strict minimum. Tu payerais désormais pour exactement ce que tu demandes. Strict minimum. Si tu veux quelqu'un qui se donne à donf, paye-le. Et ça n'existe pas. Ah ouais, je suis à ne pas payer les gens. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que je bosse avec des gens qui gagnent 15 000 ou 20 000 balles par mois. Et eux, par contre, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as de la motivation et que le mec il dit « Ah, tu t'es donné à fond », ça mérite une augmentation. Mais ils sont dans un univers où la production ou la qualité de leur travail dépend de l'envie de travailler de leurs employés.
et c'est à haut niveau, de l'esbrouf ou pas, ça peut être ça, mais il y a de l'argent. Et donc, en fait, quand tu as dépassé les 5000 balles qui sont le minimum pour pouvoir payer tes factures et tes trucs, le supplément, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je pars de ça. C'est-à-dire, si tu gagnes 5000 euros par mois, j'ai pas un train de vie qui peut passer plus que 5000. Et déjà, 5000, ça veut dire que j'ai mis de l'argent de côté, que tu pars en vacances deux fois par an, que tu payes ta maison, que ça veut dire que les trucs qui sont tout pourris, genre ça là, je vais le refaire. Il y a un vrai sujet avec le plafond là. Ouais. En fait, j'ai des, ma terrasse a pété, j'ai des infiltrations d'eau, sauf que j'ai des infiltrations d'eau là, et j'ai l'atelier qui a eu ça de flotte deux fois. Ah ouais, ça d'accord. Ouais. Tous les meubles que tu vois en bois là, faut que je jette tout. Ah, sympa, ça fait plaisir ça. J'adore. Bah, pour revenir sur le truc des conditions des primes, entre guillemets, que pour être filé ton client, j'avoue que moi ça a pas mal changé. Avant, j'attendais un peu de bienveillance de la part des gens. Et en fait, tu te rends compte que c'est quand même pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas en fait se dire, ah bah tiens, autant ils vont te faire chier s'il y a un truc qui correspond pas à leurs attentes ou qu'ils trouvent que c'est un peu en dessous. Bon, ça me paraît normal parce qu'a priori, il y a une promesse quand même. Par contre, ouais, si t'as fait au-dessus, c'est très rare que les gens, dans la vie quotidienne, on va dire, te balancent quelque chose en plus, te filent une prime ou un truc, c'est compliqué. J'avoue que dans la figurine, ça arrive quand même. Mais du coup, j'avoue, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, et pour moi, je me dis, en fait, c'est une question de prédation quelque part. C'est en gros, si tu bosses bien, si t'as une bonne répute, tu vas avoir plein de gens qui vont venir te voir, et mécaniquement, tu vas pouvoir booster tes conditions de travail. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose que je fais dernièrement. Et après, c'est un luxe, hein, parce que là, il y a quelques boîtes qui m'ont contacté. Souvent, ça reste lettre morte pour l'instant. Mais je me dis, bah, de toute façon, maintenant, je peux charger un peu plus la mule parce que j'ai pas besoin de ce boulot-là. S'ils acceptent, bah tant mieux, tu vois, c'est bien. Mais maintenant, en fait, j'ai pas forcément le temps non plus. Donc, s'ils refusent, bah, c'est pas plus mal non plus. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je le fais sur des commandes où y a des mecs qui m'envoient des trucs trop compliqués, j'ai pas envie. Mais ça m'est arrivé une commande où ça aurait pu être pas mal et je me dis ça me fait chier, j'ai doublé le prix. Ouais. Et alors, je l'ai fait avec un truc que je voulais pas faire. Où j'ai doublé le prix, j'ai quand même refusé de le faire parce que c'était vraiment une horreur. Mais tu te rends compte que j'étais parti pour donner, je sais pas, 1500 balles pour une commande. J'ai dit, bon, ça va être 3000 euros. Ah, c'est pas le budget que je voulais, machin, bidule, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Oui. Ok. 15 secondes, le mec, j'ai doublé le prix, le mec il a accepté. Et là, d'un coup, tu te dis, mais en fait, je travaille pour rien. C'est-à-dire que on comprend que des figurines de haute qualité, il n'y en a pas tant que ça. J'ai un client, enfin, ça m'est arrivé trois fois de faire de la très haute qualité d'armée. Ouais. Je l'ai fait une fois pour un truc qu'on a fait à quatre mains, je crois. On a gagné le prix peinture au FWD sur une armée d'orques et gobelins avec des ogres. Mmh. Le mec demandait de la méga qualité sur toutes les figurines. Mais donc son armée, c'est une tuerie. Ouais. C'est-à-dire que le pack d'ogres, j'ai mis. Mais c'est celle qu'on a vue au French War Game Day 3, là, hein, c'est ça hein. Ouais. Je crois que j'ai 6 ou 7 heures de travail par figurine. Vous étiez 3, je crois, sur le projet, hein, c'est ça. Bah, y a Raven là qui a bossé dessus, je crois. Ouais, il y a Laurent Esposito, Werewolf. Il y a moi, il y en avait un que je connais pas, mais j'avais vu le nom passer. Bah, c'est peut-être Raven Miniature Studio, c'est peut-être lui. Et je crois qu'il y en a un autre. Donc je crois que j'ai Adrien Fabre qui vient. Je crois qu'on était 4. Et donc le truc, il est super bien. Et puis en plus, on a à peu près. En plus, le mec, il a bien choisi, puisque c'est Werewolf qui nous a passé les commandes. Il a pris des gens qui avaient à peu près tous le même style, tu vois, l'espèce de combinaison Games Workshop Rackham. Donc on a tous peint la même chose. Ça fait plaisir, mais il faut comprendre que le marché, c'est pas ça. Mais le marché, on l'a pas. Moi, j'ai appris avec le Museum of Miniature que tu as un mec qui achète toutes les figurines qui gagnent la World Expo. Toutes. C'est entre 45 et 75 000 euros. Il les achète toutes. Mmh. Donc, en fait, il a de la marchandise. C'est un Italien qui a la moitié de Milan, tous les glaciers de Milan, et il a voulu faire un Museum of Miniature, il achète toutes les figurines. Donc, tu as un marché. Il est tout petit, c'est très particulier. Donc tu peux le faire quand tu es au top, dans certains cas, avec des trucs particuliers. Moi, j'ai un marché avec 4 clients qui me commandent 3 ou 4 armées par an. Mm-hmm. S'il n'y en a pas partout, enfin, un mec qui te commande une armée, c'est particulier. Ouais, bien sûr. Après, l'avantage, c'est que tu es une petite entreprise. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour que ça tourne de toute façon. Donc ça peut arriver. Pour...
pour tout, il faut jamais avoir un seul gros client. Parce que s'il te plante, t'as plus rien. Si t'en as deux ou trois, c'est bien parce que tu peux récupérer sur ceux d'à côté. Et le mieux, c'est d'avoir 4-5 gros clients pour tes 80% de chiffre d'affaires et les 20% qui restent des petits. Parce que les petits, tu peux les transformer en gros et les petits vont faire ta réputation. Les gros, souvent, c'est eux qui vont vouloir petit à petit dire « Ah, mais on se connaît plus longtemps, donc tu vas me faire un prix, donc un peu moins cher, hein, mais la dernière fois, c'était moins cher, mais machin, mais bidule. » Et au bout d'un moment, il faut remettre les trucs à zéro en disant « Attention, en fait, j'arrête pas de te faire des prix. Et là, on va arrêter, mais là, je sais, tu te rends compte que là, tu as du top niveau et tu veux payer le bas. Donc, attention. » Donc, il y en a qui comprennent. Souvent, ils comprennent. Il y en a le mec qui me dit « Ah, mais l'armée en 3 jours, il sait... Non, je me suis pas payé à l'heure. Je me suis payé comme si j'avais fait une armée en 2 semaines. Mmh. En même temps, j'ai fait 40 heures de travail en 3 jours. Il est énervé, le monsieur. C'est marrant parce que pour le coup, moi, j'ai jamais fait de ristourne et j'ai jamais voulu en faire. Et je dis toujours, pour le peu qu'on m'a demandé, moi, je suis artisan, je suis payé à l'heure, je vends pas de produits, tu vois. Donc, je peux pas renier ma marge. Moi, c'est mon coût horaire. Donc, il n'y a pas de notion de ristourne dans l'artisanat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que tu peins une figurine. Parce que moi je sais par exemple que plus tu prends de figurines, moins je vais mettre de temps pour en peindre une seule. Ah, d'accord. Si j'en peins une, c'est 2 heures, mais si j'en peins 10, ça va être 5 en fait. Donc c'est comme ça que je fais une ristourne. Après c'est pareil, j'ai des prix pour les revendeurs, ce qui veut dire que je demande, et quand tu les déclares c'est moins cher, parce que tu fais une vente de produits, pas une vente de service. Tu payes moins, tu ressaf. Et donc du coup je préfère acheter le produit, le transformer et revendre en produit. Ok. Et là, tu fais une ristourne en disant, mec, ben moi, j'ai telle boutique me fait moins 15%. Ben en fait, la marge, c'est parce que j'ai moins 15% que je peux me permettre de te faire une marge. Je me fais une marge aussi parce que quand t'as un mec qui commande des figurines et il arrête pas de m'en rajouter, puis il me demande jamais. Il dit, tu peux me faire ça? Il a pas de délai, il a rien. Mais si je l'ai fait, c'est payé. Et il y a des fois, je lui dis, ben non, je suis en train de peindre l'armée de Bidule. Qui est un pote à toi, je peux pas. Bah, il appelle Bidule et lui dit, ça te dérange si ton armée elle a 3 semaines de retard? Non. Bah ok. Et tu prends les trucs. Mais c'est du donnant-donnant et ça dépend avec quoi. Quand il y a des gens première commande ou qui veulent 3 figurines, les prix, c'est les plus hauts possibles. Ouais. Par rapport à ce que je veux faire. Il n'y a pas de ristourne, il n'y a que dalle. Ça m'est arrivé à un moment donné de dire, ah, je te fais un prix, je te fais une ristourne, je te fais un truc, je te fais un machin. Et le mec me dit, ah ben en fait avec l'argent que je t'ai envoyé au lieu de peindre, tu vas aller m'acheter des figurines. Mais je gagne pas d'argent. Ouais, mais enfin c'est pareil. Et puis après tu peins, tu fais. En fait t'es en train de transformer mon temps de travail en ton argent. Et il comprenait pas. Mais il a mis une éternité pour lui dire, non, je vais te peindre des figurines. Parce que là c'est du temps. Sauf que si les 450 balles je les prends et que je vais acheter des figurines avec ce que tu m'as demandé, je n'ai gagné rien du tout. Je comprends pas. Mais tu me donnes 450 balles pour que j'aille acheter une figurine à 50 balles et que je te la peigne, je gagne 400 balles. Et là, tu me demandes d'aller acheter 450 balles de figurines. J'ai gagné zéro. Je suis ton buzz boy. Il comprenait pas. Ça a mis une éternité. Ah, mais j'en sais rien, mais machin. Ah, mais tu me fais chier. Et il y en a des comme ça. Mais c'est, ouais, c'est pas pareil. Après, par exemple, si je dois faire une figurine de... On me dit, je veux un box art. Je sais pas, à 300 euros. Ce sera 300 euros. Ce sera pas 300 et machin, et bidule, ce sera 300 euros. Et ce sera 300 euros en disant, mon travail, vous le connaissez, donc ce sera tel jour, il y aura un... Par contre, tu check, si les mecs savent absolument pas, parce qu'ils disent, ah, mais je voudrais, mais peut-être, mais machin, tu dis, ok, je te fais 2 couches de base, on est d'accord que le pantalon, le truc, il est comme ça, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ok. Il y en a, ils veulent des trucs très particuliers. Bien, ton style, tu peux le faire, mais ils veulent une texture particulière, un truc particulier. Très bien. Tu mets 2-3 photos pour dire on est bien sur la même longueur d'onde, c'est bien ça qu'on va faire. Roule ma poule. Souvent, c'est. T'as un sketch de peinture et tu commences à peindre les zones, ils savent, hop, tu payes, il n'y a pas de problème. Mais. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande de peindre des figurines et j'ai commencé à peindre et on me dit en fait, on va te payer que la moitié parce qu'on a besoin que de l'avant pour la photo. Ok. Il faut le dire avant ça. toi, t'as peint toute la figurine. Alors, c'était le premier, mais ça, ce genre de truc-là, c'est non. Tiens, non, le deal, c'est 1000 et ça sera 1000.
C'est pour ça d'ailleurs maintenant que quand je prends une commande, je me fais payer la moitié de la commande. Tout de suite. Mm. Parce que... Alors déjà, par rapport à comment ma trésorerie fonctionne, c'est que le temps que je prenne ta commande et que je commence à payer mes factures, et pour que j'ai l'esprit tranquille, j'ai 3 mois de taf, tu me payes pas au bout de 3 mois, ça veut dire que pendant 3 mois, je paye pas mes factures. Ouais, bien sûr. Parce que donc toi, c'est des projets sur le long terme. Et Voilà. Oui, si t'as une figurine en 2 jours. Mais même, c'est bien de dire, vous allez payer et vous allez vous engager à payer un truc. C'est un contrat. Ça m'est arrivé de dire à des gens, vous allez payer la figurine en avance. Mmh. Ah, mais pourquoi, mais machin, vous avez pas confiance. Déjà, si votre premier réflexe, c'est de dire, il y a un problème, ça va pas marcher. Et je l'ai demandé parce que je pensais que le projet allait partir à l'eau. Mmh. Et donc, les mecs payent. Et tu te rends compte qu'à la fin, tu prends la figurine, tu l'envoies et qu'ils l'ont jamais ouverte. Ça m'est arrivé. Hein. C'est des entreprises de peindre des figurines en entier. J'ai peint des figurines pour une entreprise. Là, j'ai été payé. Ils n'ont pas utilisé les photos. Ils ont demandé à un autre peintre de les faire. Ouais, mais ça m'étonne pas ça. Dans les boîtes, on en parlait tout à l'heure en off. Bah, y a aussi beaucoup de petites boîtes, de petits projets avec des gens qui n'ont pas d'expérience dans la fig, et ça arrive quand même régulièrement. Pour ça que tout à l'heure, quelqu'un disait dans le chat que c'est compliqué. Faut tout expliquer au mec. Quand tu peins avec, mais franchement, moi avec l'expérience, il faut partir. Enfin, je sais pas si tu seras d'accord, mais il faut partir du principe, c'est pas méchant, mais que le mec en face, c'est un gogol. Parce que tu sais pas qui t'as affaire, et faut que tout soit clair parce qu'il y a de l'argent en jeu. Donc, faut vraiment. C'est un peu comme quand tu fais du développement, j'imagine, ou de l'ingénierie. Faut t'imaginer que t'as des gens en face qui peuvent être gogol, et du coup, il faut vraiment tout expliquer et être sûr parce que, en fait, il y a rien qui part, qui est du bon sens. Tout doit être remis en cause, quoi. Ouais. Ça t'évite des déconvenus. Tu peux. Puis c'est bien de. Tu découvres. C'est un peu quand tu flirtes avec quelqu'un, tu commences à découvrir à qui tu vas bosser et si la relation va pouvoir aller plus loin. Si quand tu commences. Tu m'excites là. C'est 23h, c'est Painter After Dark. Attends. Si tu veux, j'éteins la lumière, mais... Ah, mais c'est plus cringe quand t'éteins la lumière. Mais pour vous dire, c'est apparemment, là, le stream de Gério aimait pas ma lumière de plafond. Et on a essayé sans la lumière, on a fait « Non, pas ça !» Ça fait flipper, hein. Franchement, je vous le dis, c'est bizarre. Welcome. Salut Golden Link, merci beaucoup pour ton follow. Et bienvenue. Ouais. Mais non, ouais, c'est ça. C'est quand il vaut mieux poser des questions, aller petit à petit faire ça. Par exemple, j'arriverai toujours pas à trouver le terme que je cherche depuis tout à l'heure, d'avoir une charte graphique. Voilà. Charte graphique. Pour Kairis, j'aurais dit, c'est quoi votre charte graphique? C'est-à-dire, c'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous voulez faire? De base, j'aurais dit, il faut tout fabriquer de A à Z. Et il m'envoie des photos. Je dis, mais c'est qui? Je fais, ah, mais je les ai prises sur le net. Je dis, je t'arrête tout de suite. Tu vas fabriquer un jeu. Ton décor, c'est ta marque de fabrique. Je leur donne un exemple. Je dis, Rakam, quand il peignait les espèces de zigouigouis sur les cailloux, tu repérais tout de suite que c'était un décor Rakam. Le style architectural était un style Rakam. C'était, tu fabriquais ton univers. Il dit, donc, quel univers vous voulez fabriquer? Et donc, j'ai commencé à lui dire, donc j'ai fait des recherches, ça c'est ça, est-ce que tu es au bord de la mer? Donc, c'est plutôt tel truc, donc c'est plutôt telle forme. Ils m'ont regardé, ils font, mais pourquoi? Vous pensez pas assez gros. Il faut faire un truc en entier si tu veux développer. Donc pour eux, c'était plutôt limité parce que c'était ils voulaient un élément de décor un peu classique. Mais parce qu'on a fait ça, on leur a dit bah, est-ce que tu as un plan? Ouais, j'ai un plan de la ville. Super. Ta porte, elle est où? Ah, ben elle est là. Bah, donc, comme ta porte, elle est à côté, tu vois, là, tu as fait le quartier, tu as les égouts, puis à côté, tu as le quartier des tanneurs, et juste au-dessus, tu as la garde. Bah, donc, je t'ai fait une porte avec le logo de la garde. Et on a fait des égouts, et on a fait des trucs. Au moins que tu te dises, je joue à tel endroit. C'est sympa en plus pour le jeu de tournoi. Rien que de dire quelle bannière je mets au fond du... Au fond, sur le mur. C'est-à-dire qu'on avait fait genre la ville fortifiée et l'espèce de... Le début de la ville basse. Je t'entends, je vais chercher à boire. Je reviens. Ouais. Donc sur le début de la... Je peux dire ce que je veux, il est parti.
Donc tu fais le mur avec un peu de trucs de luxe et l'avant avec des trucs un peu plus pauvres. Et au moins, c'est un peu plus sympa. Donc tu fais une charte graphique et tu es directeur. C'est pas directeur artistique, c'est directeur artistique. Mais de toi tout seul. Normalement, directeur artistique, il prend tous les mecs et ils disent il faut tous travailler dans le même sens, faire toutes les mêmes couleurs ou que tout corresponde. Quand vous prenez chez Games, quand ils font un codex, c'est un vrai taf, quoi. Là, y a pas. Bah c'est presque le travail de directeur artistique. Il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté d'un projet comme ça il y a pas longtemps. Je pourrais pas trop donner de détails dessus, mais justement, quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Voilà, c'est Monsieur quelqu'un. Et justement, il y avait, c'est souvent le problème que tu bosses dans l'illustration, que tu bosses dans le jeu vidéo ou dans la peinture de figues, quoi que ce soit. Il y a cette idée que, en fait, les gens, ils ont l'impression d'avoir des yeux et que du coup, ça suffit. Et que du coup, en fait, il y a un gros travail de pédagogie à faire, ce que t'expliquais justement avec le décor. Et ça, c'est pas toujours évident parce que, en fait, même des fois, tu t'as utilisé le mot classique. Moi, je me rappelle, il y a des boîtes avec qui j'ai bossé, où en fait, des fois, j'utilisais des termes comme ça, genre, non, mais moi, je veux une peinture standard, ce qui veut rien dire, ou, tu vois, on discute pas avec des mots, tu vas chercher des références, des images, on se les montre, et puis on discute autour des images. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce travail de pédagogie, et je trouve qu'avec le client aussi, des fois, c'est pas mal de le faire. Ouais. C'est rare. Imagine si un jour, demain, tu as une boîte X qui vient te chercher en disant en fait, on va monter un studio, il me faut plusieurs peintres. Tu te dis c'est à moi de les recruter. Bon, c'est peut-être pas ce que j'avais envie de faire. Ou moi, je me dis bon, machin, vous voulez quoi comme style de peinture? On veut que de l'ultra réaliste. Ok, je vais aller appeler les quatre Coréens qui font des figurines, des têtes en ultra réaliste. Je sais pas trop. Je dis, il vous faut une patte graphique, il vous faut un truc. On peut tous se mettre, c'est-à-dire que tu appelles tous les gens qui sont des professionnels et tu leur dis, le plan c'est ça. Les conditions de travail ça va être ça parce qu'il y a des conditions. La mission s'étend, le truc s'étend et le but du jeu c'est qu'on va faire une patte. Donc il faut qu'on peigne tous de la même façon. Alors, il n'y aura pas de bonne technique. Si tu appelles les gens, tu leur dis, je sais comment vous allez faire. Si je viens te chercher pour t'avoir ta patte à toi, c'est plutôt toi qui vas apprendre aux autres mecs au peindre ou de dire... Il faut qu'on peigne la même gamme de peinture. La gamme encore, tu t'en fous, ça passe. Mais le même style. Si par exemple, c'est le style de tu peins foncé, clair, avec des éclaircies très, très haut, sur des zones très petites, ce que tu fais toi, tu te dis, tout le monde doit faire la même chose. Si moi, je me retrouve à faire des aplats de couleurs avec des linings à la Games, ça n'a pas de sens. Les deux figurines sur la même plateau, ça va être bizarre. Prendre en photo une figurine... Tu prends pas en photo une figurine Games comme tu prends une figurine de chez toi. Bah de toute façon quand tu veux prendre une belle photo, tu prends pas comme prend en Games. Ouais. Mais Games, le but du jeu, c'est pas forcément que la photo soit jolie, c'est que la totalité des détails soit visible. Ouais. Voilà. On peut dire on va essayer de dire ça. Moi je sais que la boîte, il me semble que la boîte qui prend des photos pour Games ne fait pas partie de Games. Ouais, ok. Ce qui rend les peintres de Games fous. Ouais, c'est clair. Mec, bah. Ils ont des super figurines et t'as... Alors le pire, c'est les vidéos avec cette espèce de lumière verte fluo qui pète derrière. Ça me rend dingue. T'es là, tu fais, j'ai compris, vous avez de la lumière directionnelle. Mais c'est moche. Ça. En plus, c'est triste parce que leurs figues qui sont hyper bien peintes, des fois, quand tu vois sur les boxeurs pris en photo, ça rend dégueu. T'as l'impression que la peinture est moche. C'est l'enfer. Ouais. Je sais pas comment ils font. Ils ont un talent pour ça. Mais des fois, t'as de la lumière comme ça, puis ils la prennent bien en face, comme ça. Tu fais. Vous savez que même les acteurs, on leur demande. Enfin, le noir et blanc qui masque les défauts ou certaines lumières pour que les bodybuilders aient l'air plus baraqués. Tout est dans la lumière. Si tu mets une lumière de merde, la figurine, c'est de la merde. Moi, j'avais horreur des mecs qui prenaient avec des appareils photo pourris par en dessous les figurines du Golden Demon qui dit ah, c'est la figurine de Bidule. C'était horrible! Là, tu fais, mets de la lumière correcte, s'il te plaît, sinon on se rendra pas compte, quoi. Ouais, c'est dommage. Il y avait une question, c'est un peu un hors-sujet, mais je reviens en arrière. Franck demandait, vu que tu peins beaucoup d'armées rapidou, est-ce que tu as des conseils pour peindre rapidement ces armées? Ouais, prendre du temps à réfléchir à son schéma de couleur avant. Quel schéma de couleur vous allez faire, il faut arriver à mêler la technique avec le schéma de couleur. Si, exemple, l'armée que j'ai fait blanc la dernière fois, en théorie, le blanc, c'est un peu plus compliqué. T'as plein de techniques pour le faire. Mais là,
Là, en 3 jours, je te garantis, il fallait qu'avec 4 brosses, avec 2 bons de sous-couche et 4 brossages à sec, ce soit terminé. Si tu veux peindre correctement telle ou telle couleur, genre tu vois, orange, blanc et noir, rapide, c'est pas possible. Il y aura une couleur qui va être dégueulasse. Soit tu sous-couches en blanc, et ça veut dire que le noir va déborder, et ton orange, il est pas nickel, ou alors faut tout scotcher, et pour quelqu'un qui l'a pas fait, je vous garantis que scotcher une figurine, bah des fois c'est plus rapide de bomber comme un connard. Quand tu dis scotcher, c'est mettre du scotch de masquage. Mettre du scotch de masquage. Mmh. C'est plus rapide de tout bomber en orange et de repasser en blanc, même plus rapide que de coller du scotch, des fois. Ça marche quand tu veux faire une figurine, mais quand tu veux faire une armée complète, c'est un enfer total. Et t'as certains styles qui iront pas avec de la peinture rapide. Il y a certains schémas qui iront pas. Donc penser son schéma de couleur bien en amont, ça aide beaucoup à peindre plus vite. T'as une question de Taitrius. Combien d'heures il a fallu pour l'armée d'or convertie là? Je suis en train d'afficher, c'est avec le plateau. J'ai mis 2 mois, je crois. À peu près combien de temps par jour? Ça c'était 8 ou 10 heures par jour non-stop parce que c'était des figurines pour moi et que ça me faisait plaisir. Et en plus, c'est le moment où j'essayais de. Quand je m'y suis remis en 2016, là. Enfin, quand j'ai arrêté entre 2016 et 2019, c'est quand je m'y suis remis à fond. Pour me dire, le seul moyen de faire de la pub, pub Facebook ça marche pas, gagner des concours ça marche pas. Par contre, je veux aller chercher des gens qui ont de l'argent pour peindre des armées, donc je vais aller faire un tournoi. Donc j'ai peint une armée, j'ai passé 2 mois dessus et je suis allé faire un tournoi. Et c'est en gros, je crois qu'il me faut 2 jours pour peindre une escouade de 10. Juste la peindre. Le 2 mois, c'est parce qu'il y a au moins 3 semaines, c'était les conversions, et après les 5 semaines, c'était de la peinture. Moi j'ai une question un peu plus, en avant, mais toujours là-dessus. Est-ce que tu réfléchis plutôt en termes de rendu ou en termes de technique pour tes armées? Je sais pas si tu vois un peu le délire, genre, est-ce que tu te dis, attends, je pense le processus pour que ça aille le plus vite possible, ou est-ce que moi je veux un rendu, un aspect particulier, et ensuite la technique vient après? Alors si c'est une figurine pour moi, c'est ce que je fais. Je veux dire, je veux que ça ressemble à ça, la technique je vais la trouver. Okay. Après, où je vais l'inventer. Par contre, si c'est pour quelqu'un d'autre, bah, l'exemple, c'est quelqu'un qui me dit, il y a un mec qui m'a fait ça, je veux exactement la même chose, voici la liste de toutes les peintures, il faut faire dans cet ordre-là. C'est pas ma technique, ça sera pas la même couleur, ça ne va pas aller. Je peux faire un truc approchant. Si on m'envoie une photo en disant, je veux à peu près la même chose, nickel. Par contre, je veux exactement la même chose, je l'ai fait une fois. C'était pas mal parce que le mec il dit je veux pas exactement à la lettre, c'est mais en fait je veux que ce soit là où c'est rouge, je veux que ce soit rouge, et là où c'est bleu, je veux que ce soit bleu, et là où c'est blanc, je veux que ce soit blanc. Cool, nickel. Okay. Et il me dit et là l'effet vert, c'est je veux pas vert, je le veux tant. Ça c'est cool, c'est pas mal. Mais là c'est un mec qui dit il veut le rendu et la technique exacte parce qu'il l'a déjà fait, mais en fait il veut que tu fasses la même chose. Non, je suis désolé. Enfin, je suis pas un magicien. Si je peins une armée, ça sera pas exactement la même couleur. Et en plus, des fois, je vais trouver ça moche. Ouais. Ou ah ouais, mais le bleu, il est. Ouais. Bah, en fait, je sais ce que t'as fait. T'as fait un coup d'aéro. T'as mis de l'huile dessus. Je comprends. C'est une peinture italienne. J'aime pas ça. Ouais. Non, non, mais la grande technique des. Pour aller vite, tu mets de l'aéro pour avoir un truc qui pète vachement, tu vernis ta figurine, tu mets de l'huile dessus, tu nettoies tout ce qu'il y a, comme ça t'as bien tous les linings nickel, tous les détails se font, et ça évite de passer un ancrage et de pourrir ta figurine, et t'as une figurine qui pète avec tous les linings nickel. Okay. De près, c'est pas génial. De loin, c'est nickel, et c'est très rapide à faire. J'aime pas trop. Tu fais des fig tests quand tu te lances sur un projet d'armée? Ou peut-être maintenant t'as l'expérience aussi qui te permet de plus le faire, mais... Est-ce que ça t'arrive encore? Non. Ça m'arrive pas. Si, la première, ça m'arrive de prendre des violets sur des couleurs que tu maîtrises peu. Genre les violets, c'était un peu la galère parce que entre le magenta et le violet, j'essayais de tout mélanger, ça allait pas. Et. Enfin bon, t'as certains trucs. C'est plutôt. Je vais passer un jaune. En fait, je vais faire mes 2 couches de base sur la première figurine et je vais regarder, je vais faire. Non, ça va pas, ça va pas. Ça peut m'arriver de commencer un truc en disant ah, j'étais trop con. En fait, il faut que je fasse toute la figurine en jaune et il y a certaines parties violettes. Exemple, tu fais du Thousand Sun
La première fois, tu te dis, ah, je vais faire un bleu à l'héros, nickel. Et après, je vais peindre toutes les parties en doré. Tu fais une figurine et tu te tires une balle. Et tu te rends compte que c'est beaucoup plus rapide de faire un super doré et de peindre les plaques. Parce que le doré attire plus l'œil que le bleu sur ces figurines-là. Mais ça, tu t'en rends compte au moment où tu peins de la masse. Pareil, quand tu fais full aéro, ça m'est arrivé sur de l'aile d'art. Les véhicules, génial. T'as des comètes, des trucs, c'est trop bien. Et t'arrives et tu peins le piéton, tu dis ouais, mais les comètes, j'ai pas de coque en fait. Donc je peux pas les peindre de la même couleur. Donc quand tu. Les mecs, ils disent ouais, je veux des toches blanches, mais des coques noires. Ouais, ça veut dire que ton petit harlequin, il sera tout blanc. Mm. Donc ça ira pas avec le reste de l'armée. Donc ça, ça peut m'arriver de tester un truc. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça m'arrive plus maintenant parce que j'y pense avant. De ressoucoucher les figurines. Je recommence. Ok, d'accord. Ouais, ça doit être dur, ça, moralement. Non, ça va, parce que, en fait, tu commences un truc et tu vois. Et surtout, j'ai des espèces de flash quand t'as un mec qui me dit je veux tac, 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 et tu dis. Tu prends les trois couleurs primaires, tu dis est-ce que je prends la première, la deuxième ou la troisième ? Exemple, enfin, tu prends tous mes orcs, il n'y a quasiment pas d'aéro dessus. C'est là où, justement, l'aéro ne sert que à ombrer des zones particulières. C'est-à-dire, tout est fait à la main. Sur les piétons, et ça a été pensé pour que la technique que j'ai sur les véhicules puisse être que les piétons aillent avec les véhicules, et pourtant les véhicules sont entièrement faits à l'aéro. C'est juste que la base est faite à l'aéro, mais les ombrages et les lumières sont les mêmes sur les figurines à pied et sur les figurines véhicules. Comme ça, même si tu peins à la main, en fait ton ombre elle va être un marron particulier et ta lumière elle va être un marron particulier et l'autre ça sera un bleu particulier. Et en fait, t'as toutes les mêmes teintes sur les figurines. T'as une question de Pastabolo. Il dit, en tant que peintre pro, à quel point tu te permets de donner ton avis sur ce que t'aimes ou pas ? C'est une commande dont tu respectes, non ? Et il m'a demandé aussi, je répondrai après. Je suis un peu direct où je vais dire à quelqu'un que je suis pas très fan, ou ce sera pas très joli, ou... Alors j'essaye de pas être paternaliste, mais de rappeler les règles de la théorie des lumières pour dire ça marche un peu mieux comme ça. Il faut pas mettre trois couleurs primaires, ni violet, vert, orange sur une figurine, c'est moche. Tu peux mettre de la nuance, tu peux faire des trucs, ça ira mieux comme ça. Et la plupart du temps, les gens vont dans mon sens parce que tu leur dis pas, tu leur expliques, tu leur dis, tu montres deux trois photos, tu dis là c'est mieux parce que c'est désaturé, là voilà ce que ça donne quand c'est saturé. Quand il y a des trucs vraiment laids, je vais dire non, ce sera pas joli. Qui dit ouais, mais je la veux comme ça, ben, je la peindrai pas. Je vais pas dire c'est moche, t'as des goûts de merde. Ça n'a pas de sens. Ça, t'as été bercé trop près du mur, mon garçon. Ouais, ouais, super. Ça aide pas ni pour les commandes ni pour le mec. Tu dis moi, je trouve pas, c'est pas mon style, c'est pas très joli. Ouais, mais moi, et si le mec essaye d'avoir raison, tu te dis tu ne veux pas avoir une commande, tu veux avoir un ami. Ou tu veux avoir quelqu'un qui fasse exactement ce que tu lui demandes. Je ne suis pas ton boy. Donc, non. Mais c'est pareil. Si vous voulez devenir peintre pro, c'est un luxe qu'on a avec Girio maintenant, qu'on est peu à avoir. De dire à quelqu'un, non merci. Je préfère ne pas gagner d'argent et avoir garder ma santé mentale et ma santé tout court à ne pas passer des mois à avoir des allers-retours de mails parce que c'est pas exactement ce que tu voulais, parce que tu comprends pas pourquoi en deux heures, t'as pas un golden name. Après, moi, si je dois répondre à la question, ça arrive rarement. En fait, je raisonne pas trop en termes de c'est moche. J'aime plutôt me dire comment je vais pouvoir m'en sortir pour que ce soit pas dégueulasse. Parce que des fois, t'as des projets où on t'envoie des artworks qui te plaisent pas, ou où il y a des trucs qui ça marche pas. Et en gros, c'est à toi de te sortir les doigts et trouver la solution. Donc j'avoue que j'aime bien, c'est intéressant. Néanmoins, il y a quand même des moments où là, en fait... Bah déjà, c'est épuisant parce qu'en gros, on te demande de faire plus que ton travail. C'était pas censé être à toi, si tu bosses avec des boîtes, de trouver ces solutions-là. Ils sont censés être trouvés en amont. Après, c'est pour des particuliers. En général, les particuliers, ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent, même s'ils ont l'impression que c'est précis. Genre, ils veulent te dire, je veux une partie jaune. Des jaunes, il y en a un milliard. Je veux des parties blanches, des nuances de gris, il y en a un milliard, etc., etc. Donc en fait... Je trouve que t'as toujours suffi... Comme les clients connaissent pas trop en général, t'as toujours des solutions qui te permettent de trouver un schéma cool. Et on te dit, bah tiens, je veux des Eldar jaunes et blancs.
En fait, tu pourrais filer ça, je pense, à 4 paint pro différents. Tu aurais 4 résultats assez différents, finalement. Donc, du coup, c'est vrai qu'en soi, t'as pas besoin de refuser tant que ça. Et au pire des cas, bah, ça m'est arrivé des fois d'arrêter de travailler avec certains clients parce que, bah, au bout d'un moment, t'en as marre de devoir toujours trouver des solutions. Ça peut arriver. Mais c'est quand même très ponctuel. Moi, souvent, ça va être le... La quantité de travail par rapport... Le jaune de Damas. Vert Kawasaki, jaune de Damas. Je le même à la maison. Bisous. Vert Kawasaki, c'est quoi ça? Ben, Evie, là, le jaune de Damas. Parce qu'en fait, la première fois qu'il a chopé un jaune, c'est jaune de Damas, ça fait rire tout le monde. Okay. Et le vert Kawasaki, c'est pareil, en fait, quand il a dit « Ah, mais il faut une armée verte. » Enfin, je sais plus comment il s'appelle, vert Kawasaki. Et du coup, le Scorpion Green, tout le monde a appelé ça du vert Kawasaki. Ok, très bien. les Kawas, elles sont vert Kermit, là. Ouais. Voilà. Donc, c'est... quand t'as écrit jaune, quand t'as quelqu'un qui en peinture mais jaune de Damas, c'est un fan de French War Games Studio. Ou un fan des Inconnus. Ah ça je l'ai pas vu. Ah bah c'est surtout ça, avant d'être French War Games Studio, c'est les Inconnus. j'ai pas compris la référence. T'as pas le sketch vendeur de chez Darty là où il veut acheter un frigo gelé en couleur brun et cru, jaune de Damas, j'ai le même à la maison. Ça vient de là, c'est pour ça. Mais oui. Ah non, j'avais pas la ref. Ah dommage. Dommage. J'avais pas la ref, c'est tellement dommage. C'est vrai qu'ici on a le rouge amourante par contre. Ça c'est pas mal. Attends, t'as jamais vu? Attends, je te le sors. Je crois que je vois, mais Amourante Red, c'est un machin de chez AK. Ouais, c'est ça. Attends, je te le montre en grand si tu veux, mais. Merde, je me suis trompé de. Attends, tu sais que j'ai absolument pas ta cam. Ah merde. Voilà, c'est pratiquement pareil, c'est la même chose. C'est quoi Amourante? Ouais, Paltars, bien sûr. Il y a ta femme derrière, non? C'est ça? Elle nous regarde? Ouais. Le monochrome de chez Whiteman, oui, tout à fait, tout à fait. Pour en venir, tout à l'heure, on rechange un peu de sujet, je vais m'adresser à Monsieur Bubble Ben. Tu parlais tout à l'heure du fait d'arrêter le boulot de peintre pro. Et tu parlais un peu d'un métier de rêve, genre en gros bosser pour la FEC. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, genre qu'est-ce que t'aimes faire dans la FEC? C'est quoi le... Même peut-être nous expliquer ce que c'est que la FEC, parce que c'est vrai que nous on joue depuis pas longtemps, donc si tu peux un peu rapidement nous dire ça. Pour vous donner une idée, la Fédération Française de Warhammer 40 000 gère donc la Ligue de Warhammer 40 000, mais en fait on est le plus gros... gestionnaire d'événements de wargame du monde. Ever. Parce que ever. Il y a des. Wow, il a des effets. Ah oui. De tous les temps. C'est le futur. Bienvenue dans. C'est une blague du joueur du grenier qui me fait mourir de rire. Bienvenue dans ma modeste échoppe du futur. Pardon. Ah oui, la FEC. J'étais en train de me dire, mais de quoi vous parlez? La peinture, non, la FEC. Oui. En masse par rapport à l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément les plus gros pour event, puisque par exemple, London GT fait des événements à 1500 personnes en une fois, et le Las Vegas Open à peu près pareil. Mais nous, on gère 1500 mecs qui font des tournois à l'année, tout le temps. Et donc, en fait, ça demande énormément de gestion. Ça demande des protocoles pour les arbitres. Ça, c'est pas mon travail. C'est les headref qui le font. Il y a 5 personnes qui bossent là-dessus tout le temps. Tu as de la gestion de tous les jours pour la ligue. Ça, je m'en occupe avec Immortus et les responsables, et ceux à qui on a donné responsables régionaux. On s'occupe de qualifier l'équipe de France pour le championnat du monde. Par équipe. On s'occupe d'organiser des tournois pour avoir une délégation française au championnat solo. On forme des arbitres, ce qui veut dire que là, on est en train d'essayer de envoyer nos formations arbitrales et comment on fait pour former un arbitre à l'extérieur. Parce que notre gestion intéresse d'autres gens en disant bah, c'est cool, vous avez fait. Et on leur a dit c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'en fait, on a essuyé des plates pendant 10 ans. Donc au lieu de vous faire chier, ben. Voilà où on en est arrivé. Donc, si vous voulez prendre l'exemple, c'est gratuit. De toute façon, prenez-les avec plaisir si ça marche. Et donc, en fait, on a énormément de choses à gérer.
Évidemment, après, dans le futur, tu veux faire plus de tournois, plus de trucs. On s'occupe de faire le French War Game Day. Et donc, en fait, ça fait énormément de choses. Mmh. On est tous bénévoles, mais tous. Il n'y a pas une personne qui gagne 1 euro avec la Fédé. Donc, si on aime l'argent, faut pas y aller, quoi. Exactement. Bon, bah, j'irai jamais. Voilà. Il y en a qui sont plus bénévoles que les autres. Tu prends Mathieu, par exemple, a décidé qu'il voulait qu'il y ait de la présence française sur les tournois internationaux au tournoi Games toute l'année. Sauf que Games ne paye pas. Ouais. Donc Mathieu paye les billets d'avion pour y aller. Ok. Alors il a des sous, très bien, mais c'est son argent. Il n'y a pas de cotisation quand tu t'inscris en tant que joueur ou quoi? Ah ouais, d'accord. Waouh. Wow. Je comprends que les gens disent que Warhammer c'est cher. Ouais. Ok, très bien. En fait, les chiffres, on peut en parler. Il y a 10 euros par personne, donc on récupère 15 000 euros. Avec ça, on paye le fonctionnement classique de la fédération. On a un peu d'argent d'avance. Et cet argent d'avance nous a permis, par exemple, de louer les décors du WTC à l'année pour qu'après, on les loue pour rien. C'est-à-dire, on fait payer 50 euros aux associations qui n'ont pas de décors pour avoir des décors pour le week-end. D'accord. C'est pas dire qu'il faut qu'on récupère de l'argent. C'est par principe de dire ce n'est pas gratuit et il y a l'aller-retour. Oui, bien sûr. Petite question comme ça. Vous prenez des dons aussi? On prend, mais ça n'arrive pas. D'accord. J'ai enregistré, il n'y a aucun don enregistré. Et si je veux faire un don, je fais comment? On a le Hello Asso où tu fais un virement directement à Fake40K. Fake40K. Si tu vas sur le Hello Asso, on a un Hello Asso de la Fédé. Tu peux aller t'inscrire en payant 10 euros et tu peux mettre le montant que tu veux. Ok. Le mieux, c'est d'envoyer un message en disant que tu veux faire du mécénat. Parce que soit ça peut être de la pub pour toi. On n'est pas reconnu une utilité publique, donc vous ne pouvez pas le défiscaliser. Ça serait très très bien, parce que là, je te garantis qu'on aurait un paquet de gens qui pourraient nous filer de l'argent. Ouais. Mais pour l'instant, les dons, on n'en a pas. C'est pareil, le sponsor, on est en train de bosser pour avoir des sponsors. Là, on a des sponsors pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France est vue chez French War Games Studio, donc la marque, un média. Mais nous, on est en train de se dire, notre média à nous, c'est faire des tournois. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer la marque à tous les tournois. Ouais. Je sais pas, on va prendre la banque Tartempion. On aurait la banque Tartempion écrit sur tous les t-shirts d'arbitre, sur tous les lots, sur tous les numéros de... Bah même là, tu viens d'interview, t'as ton sponsor, ton t-shirt, voilà. Quoi. On est d'accord. Voilà. Après ça, tu vois, par exemple, si là... t-shirt Warhammer, ça on s'en fout, mais si t'as un t-shirt avec la marque, je demande au streamer en disant ce que ça te dérange, il faut que j'ai ma marque qui apparaisse à l'écran, c'est une obligation du sponsor. Mm-hmm. Donc, il faut qu'il y ait un deal avec le streamer aussi. Il y en a qui vont dire, non mais il n'y a pas de problème, il y en a qui vont dire, je refuse parce que c'est le concurrent de celui qui me sponsorise le stream. Ok, ouais. Ok, il faut qu'on trouve une solution. Tu mets des petits scotch noirs là, comme dans le sketch là, avec les sponsors en attente. Non, c'est. Tu peux très bien dire, je fais une intervention à tel ou tel endroit, mais des fois, tu as des interventions, tu ne peux faire des interventions que si tu parles de ta marque, bah, du coup, tu ne feras pas l'intervention. Mmh. Ou alors, tu fais une intervention sans la caméra, et tu devras, comme tu es obligé d'en faire, je sais pas, une par semaine, bah, tu diras au sponsor, on en fait une après. Mmh. Donc, ça, des sponsors pour la Fédé, on n'en a pas encore. On a à peine fini le dossier là, et on est en train de faire les packages. Et on a des sponsors pour l'équipe de France. Ça, il y en a quelques-uns. Puisque l'équipe de France, ça coûte cher d'aller au WTC. Ça coûte dans les 10 000 euros à peu près. Ouais. Parce qu'il faut faire déplacer 8 personnes. Là, l'argent qu'on a eu l'année dernière avec la cagnotte, donc c'est vraiment des gens qui ont donné de l'argent. Bon, tu pouvais acheter des t-shirts, des cartes, des trucs. Ça a servi à l'équipe de France à s'entraîner en permanence. Sauf que du coup, bah, nous, on aimerait bien le faire pour Atlanta. Donc en fait, envoyer une délégation au championnat du monde en solo. Ouais. On récupère juste 3 euros par participant sur les tournois open. Donc on demande aux orgas de dire dans votre PAF, comptez que si vous avez 100 joueurs, on va vous demander 300 euros. Donc si c'est trop, ben, augmentez votre PAF en conséquence. Ça récupère une partie. L'année dernière, on a décidé de remplir la deuxième partie. Mmh. C'est-à-dire que la Fédé a dit on a des fonds, donc on va payer pour que la délégation française soit réellement envoyée. On a aussi payé pour les t-shirts de tout le monde. Puisque tu prends... là où SFF venait de se refaire, donc ils n'avaient pas de fonds, Kitty et Underworld, ils sont trop petits, on a dit, vous emmerdez pas, ça ne nous coûte pas beaucoup plus cher de faire 20 t-shirts ou 12, on paye les t-shirts de tout le monde, on a mis les logos de tout le monde. C'est cool, c'est sympa. Si l'année prochaine, il y a quelqu'un qui dit, ah ben moi je veux participer, je vais mettre 200 euros pour payer les t-shirts,
beaucoup le merci. Mais on fera à peu près tout le temps la même chose. À la... Mais c'est pareil, on demande à ce qu'il y ait des gens qui se motivent. Je prends Underworld et Kill Team, les mecs qui sont à fond pour avoir des gens qualifiés et ils nous filent un coup de main et ils participent activement à ce qu'on envoie une délégation, ça fait plaisir de dire vous avez 4 personnes, on va mettre le logo et les t-shirts, on va les payer. Ouais. Parce que vous avez bossé pour que la délégation française parte, pas juste les mecs de 40K, la délégation française. Et donc il y a tout ça à faire et on a toujours décidé d'être bénévole. À un moment donné, je pense qu'on sera trop gros, il faudra qu'on se fasse payer. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit, on se transforme en employeur. La communauté ne répond plus du tout pareil si t'es une entreprise. Ouais, ouais. T'as pas les mêmes obligations. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ? D'autres questions. Je suis toujours le site de l'asso. J'imagine, je suis sponsor. Je veux vous contacter pour mettre ma marque de saucisson sur votre t-shirt. Toujours le site que tu m'as donné tout à l'heure. C'est fake. Faut envoyer un mail. Fake40k@gmail.com. Fake40k@gmail.com. Ok. FEQ 40 en chiffres et k@gmail.com. Ok. C'est le mail du bureau. Vous le retrouvez partout sur le Discord de la Fédé. Vous dites je suis sponsor. Et là, il y a les responsables sponsors. Donc, ce sera moi et Mathieu. Pardon, Mathieu et moi. Surtout Mathieu. Qui vont vous envoyer le. Souvent, on va faire un call pour savoir ce que tu veux. Le budget. Il y en a souvent qui disent moi, j'ai 1000 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Ouais. Là, j'aimerais vraiment bien qu'on ait un gros sponsor. Parce qu'au moment où on aura un gros sponsor, c'est là où on pourra dire est-ce qu'on ne va pas augmenter un peu le travail qu'on fait ? Parce que là, pour l'instant, enfin, vous voyez, si là, j'ai deux tafs en même temps entre la peinture et le taf aller travailler à la boutique pendant un mois, bah, en fait, la FED, elle passe à la trappe et il y a des trucs obligatoires qu'on ne peut pas faire. On est toujours dit ah, mais on n'a pas le temps. Ah, mais il faudrait former les arbitres. Ah, mais on ne peut pas, mais on ne peut pas. Et j'aimerais bien avoir un sponsor pour dire. On arrête, yes, et en fait on va payer des gens pour pouvoir fournir du service à l'année. Ouais, pour dégager du temps quoi, tout simplement. Voilà, mais ouais. Comment, ou quoi, pourquoi, je ne sais pas. Par contre, avec un sponsor, c'est compréhensible. Avec uniquement la communauté, c'est peut-être possible. Mais ça veut dire que la Fédé, les mecs, au lieu de payer 10 balles, vous allez payer 50 balles pour qu'il y ait quelqu'un qui soit payé à faire exactement ce que vous avez maintenant. Ouais. Sauf qu'on est tellement gros qu'il faut être payé. Mais ça, même moi, je ne suis pas convaincu, tu vois. Je considère qu'il faut qu'on soit toujours bénévole. Merci beaucoup, Damien, pour ton 14e mois. Autre question, je suis un gars, genre, je t'entends parler, putain, c'est trop bien, parce que déjà, le fait que vous soyez bénévole, et puis le fait qu'il y ait du jeu aussi bien organisé sur 40K, j'ai envie d'apporter mon concours. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Alors, il y a plein de choses à faire. Tu as, si tu habites à côté de Paris, souvent on a les envois à faire pour les contreparties quand on fait des cagnottes. C'est bien d'aller au café pour dire si vous avez des cartons à faire, je viens. Parce que c'est très chiant à faire. Et donc, il faut 3 jours. Souvent, on met 4 mecs de l'équipe de France, 3 mecs de la Fédé. Tout le monde prend une bière. On passe la journée à discuter et on fait les cartons. Ok. Mais si on a des bras, c'est pas mal. Ça c'est quand vous êtes à Paris. Souvent ça va être soit vous pouvez devenir arbitre si vous voulez, sinon vous pouvez vous rapprocher des gens qui sont proches de vous qui font la ligue et filer un coup de main aux associations qui elles vont faire la ligue, parce que la Fédé existe, parce que les associations bossent. Nous on ne fait que diriger le travail des associations dans le même sens. Okay. Mais en fait s'il n'y avait pas d'asso local, on serait pipo. Parce qu'on dirait, ah là là, on pourrait faire des trucs s'il y avait des gens qui bossaient en local. C'est peut-être aussi pour ça que vous ne demandez pas une inscription trop élevée, parce qu'il y a l'inscription club local en plus de l'inscription. Ouais, tu peux en avoir, mais c'est tout dépend des services. C'est-à-dire qu'avoir des arbitres partout, à tous les tournois, envoyer des arbitres à l'international, avoir une délégation française à Atlanta, on ne l'avait pas avant. Ouais. C'est-à-dire maintenant, on va dire, voilà ce qu'on voudrait mettre en place. Est-ce que vous seriez prêt à payer ? Si, non. Et je peux très bien comprendre. Il y a ça. Nous, déjà, au bureau, c'est même pas j'ai proposé le truc, j'ai on a dit. Si un jour, il faut qu'on soit payé, regardez tout ce qu'il faut qu'on change et on n'est plus du tout les mêmes. Donc, il y a plein de choses qui vont être différentes.
Il y en a qui te disent, ouais, mais en fait, moi, j'ai pas envie de travailler et j'ai envie que les choses soient faites et ce serait peut-être une bonne idée. Il y en a qui vont freiner des cas de fer. Ouais. Je sais absolument pas si on va faire un vote, si on va décider que non, si on va décider que oui, si on va changer de forme. Rien. C'est juste, on est le plus gros, tous les autres se font payer. Et en plus, c'est même pas assuré. Si demain, on se fait payer, est-ce que le travail sera mieux fait ? Ouais, bien sûr. Bah c'est difficile de justifier un changement à ce niveau-là s'il n'y a pas de changement derrière, entre guillemets. C'est, voilà, c'est compliqué. En fait, c'est pas « on a envie d'être payé, on verra ce qu'on fait après ». C'est d'abord, tu fais un truc, tu proposes ce que tu fais, on voit comment on peut le faire. Ouais. Exemple, là, je sais pas, on a des techniques pour faire de la comptabilité, ça prenait trop de temps. On va dire bah, « en fait, on va déléguer un petit peu à gauche et à droite. Ça, moi, ça me prend moins de temps. Donc, du coup, je peux garder mon taf et faire les trucs comme il faut. » Et après, chacun va en faire un petit peu. Le truc, c'est tant que t'as des... Ouais, le chat, faut que tu décides à monter. C'est bon, je suis en live. Madame. Tu parles de travail, ça l'épuise, tu vois. Ah, faut là, là. C'est dur. Ouais, mais c'est plutôt... T'as un projet, voilà, le chat. Bonjour, vous êtes en live. Bonjour. Voilà, fais un petit bimbo, c'est trop mignon. Allez. C'est plutôt, c'est ça. T'as un projet, tu dis comment est-ce qu'on peut le faire. Si demain, on veut organiser 200 tournois à l'année et que tu es obligé de répondre à 40 sponsors et que dans les 40 sponsors, ils te demandent de faire 2 publications par semaine sur leur marque, ouais. Il faut être payé. Mmh. Ça devient un métier, ça veut dire que tu dois travailler 35 heures. Là, pour l'instant, on est 1500 à la Fédé, on est 15 au bureau. Tout le monde bosse pas parce que tu as des gens au bureau qui sont là pour... parce qu'ils ont une vue particulière sur un truc. On en a un qui fait que de l'orga, mais qui est très très orga, donc il sait de quoi il parle. Il y en a qui sont que Ligue 1 et joueurs compétitifs, et donc qui ont une vue sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. C'est très pratique, justement parce qu'on a tous des points de vue différents. Mais si, là il y a un taf X à faire, si demain on a 2 fois plus de taf et qu'on a des obligations par rapport à des sponsors, c'est là où il faudra qu'on se fasse payer. Je comprends. Voilà. Donc, si tu as un petit sponsor à 2000 balles, tu dis bon, mais on parle de toi 2 fois, ou à, je sais pas, à 500 balles, ou à n'importe, je sais pas, les chiffres, on les a pas, mais. Bah, tu dis j'ai 2 trucs à faire, ok, ça passe, nickel. Si demain, j'en sais rien, tu as Crédit Agricole ou Intermarché qui disent nous, au fil 150 000 balles, par contre, il nous faut tant de. Il nous faut une obligation de tant de vues. Sur les réseaux sociaux, ou tant de publications, ou une com, ou tant de produits faits, tant d'événements, tant de trucs avec des obligations, t'es obligé d'être payé. Moi, je parce pense que j'aurais envie de voir Nike équiper les juges, tu sais, comme au football américain, avec des casques et des épaules comme ça. Comme ça, quand le mec il arrive à ta table, tu vois, tu respectes le jugement de l'arbitre. Ouais, respecte. Tu sais, même quand vous faites, mettez un carton, vous balancez le petit tissu là, comme à la NFL, tu sais. Non, moi, tu sais, j'ai envie de faire out. Ouais, c'est ça. Baseball. Ah ouais, ça sera cool. Ça sera cool. Ouais, flag, exactement. Exactement. Ok, il y avait une petite question d'ailleurs de Beck Benzel. Il demandait si on vous craft des beaux décors WTC, vous prenez ? Genre, est-ce qu'on peut se dire tiens, moi j'ai envie de fabriquer des décors, ça vous aide ? C'est toujours pratique. C'est pas à nous que vous allez les envoyer, c'est à l'asso local sur lesquels vous allez les mettre. Et on n'a pas besoin de les prendre. On a besoin de savoir que vous les avez et que vous pouvez les prêter. Hmm. Parce que ça veut dire que. Bah là, par exemple, si on... là, tu vois, on les loue au WTC, on a un peu envie de se dire si on pouvait en avoir en physique, c'est pas mal. Évidemment, on ne le fait pas parce qu'on est aussi dépendant du fait que si le WTC change de layout, bah, tous les décors que tu as, tu les jettes. Ouais, on s'entend. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est au bureau, enfin, Mathieu est un des organes du WTC, aussi pour pousser, pour dire nous, les décors, on s'en sert tous les ans. Et donc, on veut que ça coûte moins cher. Donc, si on doit refaire un layout, est-ce qu'on peut les faire avec les mêmes décors que ceux qu'on avait avant ? Pour limiter, genre on dit ah mais on en a inventé un nouveau qu'il faut par 4 par table, ok cool, si on peut utiliser tout le reste et qu'il n'y a que celui-là à faire, tu peux le faire, tu le préviens à l'avance et tu dis vous allez jouer un an sans et vous avez un an pour vous équiper pour l'année prochaine par exemple. Là par exemple on sait à peu près que le prochain WTC aura les mêmes décors que cette année, ce qui veut dire que l'année prochaine on joue avec les mêmes décors que ceux qu'on a cette année. Tu vois, pour l'instant. Tu
je reviens encore tout à l'heure dessus, tu disais le fait que toi tu kifferais de ouf bosser à temps plein justement pour ça, pour la fec. Qu'est-ce que tu te verrais de faire toi dans la fec? Il y a un truc en particulier genre que tu kiffes faire ou que t'aimerais voir En fait tout ce que je fais maintenant c'est en fait j'aurais le temps de faire exactement tout ce qu'on fait maintenant mais mieux. D'accord. J'aurais le temps de faire un site internet propre, j'aurais le temps de faire de la communication, on serait sûr et certain d'avoir 4 arbitres par événement, on se déplacerait pour former des arbitres, on se déplacerait à l'international, j'aurais le temps de me déplacer pour aller rencontrer des sponsors, pour pouvoir avoir plus de sponsors. Être sûr que, justement parce que tu es payé, tu peux passer des jours à négocier les prix quand tu envoies une délégation avec Air France pour que ça coûte moins cher, trouver des hôtels, peut-être te faire sponsoriser par Accor si vous nous écoutez. on vous 60... aime. on fait 70 événements par an et on va à l'hôtel. Et donc ce serait bien qu'on se fasse sponsoriser par Airbnb ou Accor. Je m'arrête à rien, moi. Parce qu'il y a prendre. Si tu dis votre ligue, la FEC doit s'appeler Airbnb FEC. Je dis vas-y, je m'en fous. C'est pas grave, je vends mon corps, sachez-le. Combien? Mais c'est pas pour moi. C'est juste que si on peut faire la même chose que ce qu'on fait maintenant, mais et qu'on peut ne pas faire attendre les gens. Quand t'as des contreparties là, tu vois, ça a duré une éternité parce que c'est des bénévoles qui doivent le faire uniquement quand ils ont le temps et quand on reçoit la marchandise. Ce serait mieux si on pouvait dire, là vous avez fait, vous envoyez de l'argent, cet argent va pour l'équipe de France. Voilà le plan de l'équipe de France. Genre on a fait 8 entraînements qui nous ont coûté tant. On va toujours les publier, on va rester une asso, tu les publies en fin d'année. Mais par contre, tu dis, le salaire de machin a permis que ça c'est fait. Il a trouvé un sponsor pour qu'on puisse former les arbitres, parce qu'il faut les déplacer. Là, on a eu une subvention d'État pour les formations. On essaye d'en avoir une autre. En fait, on pourrait faire la même chose, mais mieux, et tout le temps, et jamais se dire, ah là là, mais il n'y a pas le temps. Après, c'est pour préciser peut-être aux gens, ce qui est un peu difficile dans votre position, c'est que vous êtes devenus des acteurs incontournables de 40K en France, pour beaucoup de joueurs, et donc vous ne pouvez pas vous permettre non plus de prendre des décisions de cet ordre-là sans justification, parce qu'on ne peut pas juste dire aux gens, au pire des cas, vous allez voir ailleurs, parce qu'en soi, vous avez une importance énorme dans le jeu compétitif, quoi. Ouais, puis en plus, j'ai pas envie d'être payé. Mon but, c'est pas d'être payé, parce que du travail, j'en ai, je me démerde. Mon but est, j'aimerais bien passer la totalité de mon temps à améliorer le travail de la FEC. Ouais. Donc, il faut être payé. Ou trouver des fonds pour pouvoir le faire. Si j'étais rentier, je le ferais. Je passerais 70 heures, enfin non, 70 heures, non, mais 50 ou 60 heures par semaine à ne m'occuper que du travail de la FED. Ouais. C'est trop bien, j'adore voir les gens le week-end, j'adore voir tous les événements qu'on peut faire avancer, j'adore voir que les pays internationaux nous remercient du travail qu'on fait pour bosser sur les facs, pour leur filer les protocoles de sanctions, de comment est-ce qu'on fait pour monter des arbitres, comment est-ce qu'on fait pour monter un événement qu'on a traduit. C'est super, t'as envie d'en faire plus, t'as envie d'en avoir. Mais là, par exemple, il n'y a pas de groupes arbitraux internationaux avec tous les mêmes besoins, les mêmes règles. Ouais. On a le WTC un peu, mais on n'est pas payé. Donc, tu te dis, Jay et le Headref, ils se tapent des lundis entiers 5-6 heures pour écrire des facs. Il fait des week-ends pour écrire des facs. Il n'est pas payé. Le mec, il faut qu'il stream deux fois plus et qu'il peigne deux fois plus de figurines dans la semaine pour pouvoir se dire, le lundi, en fait, je vais aller arbitrer. Ouais. Et ce serait sympa de se dire, en fait, ton lundi, j'aimerais bien te le payer. Oui, bien sûr. On va le résumer, le but c'est pas de s'enrichir, mais d'être autonome, quoi. On va le dire comme ça. Le but c'est pas de devenir une entreprise, c'est de rester une association et de défrayer des frais. Mais comment ou pourquoi est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Est-ce que on est sûr que si on est payé, ça a marché? Est-ce qu'on commence à payer des gens? Parce que ça nous est arrivé. Tu prends un logo, tu payes le mec. Tel t-shirt, tu payes le mec. Faire un site internet, là, on s'est dit, on va payer quelqu'un. Tu dis, j'ai payé le truc, je peux le faire. Si vous voulez payer quelqu'un, pas de problème. Mais c'est, on est encore dans le pourquoi dépenser de l'argent alors qu'on pourrait le faire nous. Donc du coup, l'argent, il pourrait aller ailleurs. Oui, bien sûr.
Et donc là, on se dit, ah ben ça veut dire qu'on pourrait dépenser, on pourrait avoir plus d'arbitres sur le prochain événement. Et là, en ce moment, le problème, c'est pas d'avoir plus d'arbitres, parce qu'on les a, les arbitres. Hein. Mmh. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Et donc, si tu payes un mec, tu dis, ben en fait, il y a 4 personnes qui, tous les week-ends, leur métier, c'est d'aller épauler les arbitres en physique. Ouais, ouais. Donc, tu as toujours un arbitre. Alors, en plus, ils mangent ces arbitres quand même, c'est pas honteux, ça. C'est terrible. Ouais, des macroudes. Plein de macroudes. Il y a Malévolgia qui demande, concernant les contreparties 2023, c'en est où à ta connaissance? J'ai oublié l'an dernier, c'est en cours de régulation avec Ibortus que j'ai contacté. Merci. On a eu 80% est parti arriver. On a, enfin, peut-être plus que ça, 90%, parce que je crois qu'on a eu, un sac qui n'est pas allé pour soit la taille, soit de l'international, qui est en cours d'être envoyé. Je crois que ce sera appelé après la Ligue 1, parce que c'est l'équipe de France qui s'occupe de ça, et pas la Fédé. Mmh. Je sais que c'est nous qui répondons à tous les messages, mais comme c'est de l'argent pour l'équipe de France, c'est l'équipe de France qui les envoie. Et l'équipe de France, évidemment, ben, ils habitent partout et pas à Paris pour avoir les colis, donc c'est particulier. On a fait commander les cartes où on s'était planté. Il y a 2 cartes qui sont ratées et on a fait passer un questionnaire à savoir qui les voulait, parce que c'est des cartes qu'on ne joue pas normalement. Donc c'est pour avoir le paquet de cartes bien propre. Donc le nombre de cartes qui disponible a été commandé et ça va être envoyé et tout va être envoyé là. Et le but du jeu, la prochaine, on est en train de faire différemment. Il y aura une cagnotte pour l'équipe de France. Par contre, il y aura moins de produits et les produits seront envoyés par le fabricant. Donc en fait, on va payer quelqu'un pour envoyer les produits. Ouais. En fait, on fera, genre, je sais pas, il y aura une cagnotte en juin, et bien la première partie de la cagnotte, elle part de suite. Parce que ça fait 2 ans d'affilée qu'on essaye de se dire qu'il faut les envoyer, et que ça fait 2 ans qu'on se rend compte que comme on n'est pas payé, bah tu peux pas. Ouais. Moi j'ai dit, tu peux, hein, mais il faut payer quelqu'un pendant une semaine pour réceptionner les colis, faire les colis, payer les envois, faire des étiquettes, c'est ultra long. Ouais, carrément. Et en fait, bah, faut payer quelqu'un. Et si tu payes quelqu'un, il y en a 3-4 qui ont dit, bah, en fait, on devrait payer quelqu'un. J'ai dit, ouais, ouais. Sauf qu'on a récupéré 20. J'ai plus ici, je crois que c'était 25 000 euros. Il y a 5 000 euros qui partent à la poubelle pour payer quelqu'un pour pouvoir le faire. Donc, du coup, bah, en fait, on aurait dû demander plus d'argent. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, si on fait moins de marge, de se faire autant chier, quoi? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, c'est donc intéressant comme point de vue, en tout cas. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. C'est pas comment on va gagner de l'argent, c'est comment on peut récupérer le plus possible et où est-ce que l'argent est le plus... Où faut le mettre, quoi. On a le plus besoin. Ouais. Là, on a besoin de faire arriver des décors au tournoi pour être sûr que les tournois se fassent. Et on a besoin de mettre des arbitres. Genre, acheter des t-shirts arbitraux, bah, avec les 10 balles de l'année, tu vois, on peut acheter des t-shirts arbitraux, donc tous les arbitres vont avoir des t-shirts. Je vois. On va passer aux dernières questions. J'en ai 2. La première, je suis nouveau joueur. Je veux rentrer dans le monde compétitif de Warhammer 40 000. Comment je fais? Mon meilleur conseil, c'est juste de faire un tournoi. Ok. Faut trouver un tournoi. Alors, si vous avez jamais joué avec personne, le mieux, c'est d'aller voir un tournoi. Vous allez à une ligue très encadré. Par contre, il faut s'habiller en pom-pom girl, c'est très important pour soutenir les joueurs. Et alors, surtout, la mèche dans ce sens-là. Ah, bah, non, je suis pas d'accord. Moi, c'est dans l'autre sens. Non, c'est pas ça. Regarde, je suis un malade, moi, je suis un anarchiste. Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Et il y a une autre question, alors c'est pour revenir un petit peu sur la peinture. Si tu avais des questions, genre quelqu'un se lance en peintre pro, ou disons que tu as une machine à retourner dans le passé, voilà. Tu rencontres le doc, tu te vois, tu te lances en peintre pro, quels sont les conseils que tu aurais aimé entendre? Elle est pas facile celle-là. Non. Parce qu'en fait, tu es là parce que tu as essuyé des plâtres et c'est parce que tu as eu des échecs que tu peux faire des trucs maintenant. Étonnamment, je dirais rien du tout parce que... Il y a une... Les échecs sont plus formateurs que les victoires. Et donc, il faut se planter pour apprendre. Si vous ne vous plantez pas, vous n'apprendrez pas. Donc, il vaut mieux se planter selon ses propres termes. Voilà. Okay. Après, mon conseil, c'est... Ne montez pas d'entreprise pour faire de la peinture pro avec 275 personnes.
il y en a 270 qui ne travailleront pas. il vaut mieux bosser soi. Et si, c'est juste, c'est ça, si ne vous vendez pas à n'importe quel prix. Voilà, ça d'accord. Mais par contre, aller travailler pour des entreprises, j'ai travaillé pour des gens peu recommandables, mal payés. Mais parce que je l'ai fait, il y a certaines limites que je ne passerai plus où tu reconnais tout de suite quelqu'un qui va te faire vivre un enfer et tu ne veux pas y aller. Alors que si tu ne l'as jamais fait, bah, tu ne t'en rendras pas compte la prochaine fois, quoi. C'est un peu, je pourrais résumer ça avec une citation d'un patrimoine de la culture française. Les bronzés font du ski, fonce, oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut passer. Ouais. Non, après c'est quand même un bon conseil. En gros l'idée c'est que de toute façon tu vas faire des erreurs. Je pense que la plupart des gens qui vont se lancer dans ce métier là sont pas des gens a priori qui ont un grand sens du business, parce que sinon ils seraient pas là, nous sommes bien d'accord. Non, sinon vous vendriez des voitures ou des assurances. On est d'accord, donc il faut accepter l'idée que vous n'êtes pas chef d'entreprise, que vous allez faire des erreurs, que là tout à l'heure dans le chat il y a des choses que j'ai pas relevées, mais ça parlait de gestion des prix ou de fait d'évaluer un petit peu. Je pense qu'on doit accepter aussi l'idée qu'on doit apprendre son métier. C'est un boulot, le business, ça s'apprend, c'est pas inné. Et c'est peut-être ça que tu voulais dire aussi quelque part. C'est surtout se tromper. Moi, là où les plus gros échecs, c'est travailler avec telle ou telle personne ou prendre une commande et se rendre compte qu'en fait, on rend un travail de dingue pour pas cher, ou que vu qu'on n'a pas pris cher, la qualité va descendre parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vivre avec ce genre de truc-là. Il faut se planter pour savoir qu'après, en fait, vous êtes trop cher, vous n'êtes pas assez cher. Alors, trop cher, je ne l'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu des gens être trop chers. Tu vois des trucs passer en ligne en disant « Ah, ben, j'ai pas mon armée, donc c'est 900 euros la figurine. » C'est pas trop cher. C'est irréaliste. Ou stupide. Il a vachement confiance en lui. Non, mais il y a un mec qui dit « Moi, j'ai passé 10 heures par figurine, c'est 250 balles. » Ouais, mais c'est moche. Ouais, mais j'ai passé 10 heures par figurine. Il a un peu raison. S'il trouve quelqu'un pour le payer, il a tout à fait raison. Tu mets le prix que tu veux. Il faut connaître son marché. Mais c'est la plupart du temps, ouais, vous allez être bien, bien moins cher. Le problème, par contre, c'est si vous prenez trop d'argent, vous mettez trop de gens et que vous coulez complètement, c'est là où ça peut être dangereux. Par contre, si ça n'implique que vous et votre travail, si vous dites « je fais un truc » et je peux assumer le fait de le rater, allez-y. Par contre, si je fais un truc, et si ça s'arrête, je me tire une balle, parce qu'en fait, je vais devoir 25 000 balles à un mec un peu bizarroïde, et 45 000 balles à l'autre qui me demande en fait d'aller vendre un rein pour pouvoir le rembourser. Voilà, ça, c'est une erreur, vous pouvez pas le faire. J'en ai vu des gens qui sont allés très très loin dans l'endettement pour aller monter des business de peinture. Faut pas faire ça. Mais pourquoi tu t'endettes ? En quoi tu peux t'endetter ? T'achètes de la peinture, ça coûte que dalle. La pub, le matos, le. Ah. Il avait pris un local. Ok. Alors, je nommerai pas la personne. Il avait pris un local pour pouvoir mettre des gens. Il a voulu embaucher d'autres peintres pour mettre dedans. Qu'il a commencé à payer. Il n'y a pas eu de commande et tout s'est cassé la gueule. Et en fait, il s'est endetté pour rembourser les mecs et il s'est re-endetté. Et ça. C'est très compliqué. Ok. Ok. Ça, faut pas le faire. Il vaut mieux faire petit et il faut avoir le. En fait, il faut avoir les commandes et vous faites une commande, puis avoir une deuxième commande, il faut être les commandes et à un moment donné, vous allez trouver votre rythme et vous allez devenir peintre pro. Si vous dites je deviens peintre pro et demain je fais des commandes, ça marche pas. Votre rythme, vous allez le trouver parce que vous allez en faire une, vous allez en faire deux. Gériot a trouvé son rythme en faisant des figurines une par une avec un niveau un peu plus élevé. Moi, j'ai fait de la peinture d'armée. J'ai un rythme un peu particulier qui fait que je fais que de la peinture d'armée en crush en permanence, ce qui fait que c'est en train de me rincer complet. Et parce que j'ai la fédé à côté où je vois qu'on pourrait faire plein de trucs. Ça peut être différent. Si demain, à un moment donné, j'ai voulu embaucher quelqu'un parce que j'avais trop de travail, je pense qu'on aurait été deux, j'aurais fait différemment. Ouais. Tu peux faire les trucs un peu rapides à deux, et comme ça, tu te dis, mais on a chacun du temps pour peindre des figurines un peu plus classe. Et donc, en fait, le temps de travail est le même, mais tu vas séparer l'argent. Tu peux gagner un peu d'argent à côté, tu peux faire des trucs. J'ai
fait passer 4 entretiens et je me suis dit, je n'embaucherai jamais personne. C'est dur, hein. Ben, en fait, t'as une éthique de travail. Tous les gens que j'ai fait embaucher n'avaient pas la même éthique de travail que moi. C'est-à-dire que c'était bien suffisant, puis ça irait comme ça, et puis pas trop. Ou, ah, mais il faut se lever le matin. Ouais. Je dis, comment ça ? Je fais, ah ouais, mais moi, je commence pas avant midi. Hein. Je dis, mais c'est un travail, tu viens pas là, quoi. Mais quelque part, c'est bien de le voir aussi. Si jamais un jour, vous faites passer des entretiens, tu vois qu'en fait, c'est dur, très dur, de trouver des gens sérieux pour bosser. Je parle même pas de gens qui vont être investis, hein, juste des gens sérieux qui vont venir bosser. Et du coup, quelque part, c'est rassurant, parce que ça veut dire que si vous, vous êtes sérieux, mais vous allez vous démarquer très vite. Ouais. J'ai jamais connu aucun peintre pro qui était sérieux, qui faisait ses commandes à l'heure, en temps voulu, tu vois, qui respectait les indications du client, qui ne marche pas. Pour moi, ça n'existe pas. Donc ouais. Du coup, quelque part, c'est très rassurant aussi. Ouais. Le truc le plus rare, c'est quelqu'un qui rend les commandes à l'heure. Tu as le droit d'être en retard. d'être à peu près à la bourre. Là, en ce moment, par exemple, à la bourre, c'est Games ne livre jamais. Et on a des 3, 4, 5 semaines de retard parce qu'il n'y a pas les produits. Ouais. Donc du coup, bah, en fait, les gens, quand tu as 5 semaines de retard pour recevoir, ça tombe sur la commande d'après que le mec t'a envoyé. Donc ta commande, elle est décalée. Donc tu te retrouves avec 3 commandes à la fois. Enfin, ouais, ça, bah c'est ouais. La vie de tous les jours. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, là, tu peux avoir des retards. Mais si tu fais les commandes, si tu fais les trucs, les gens comprennent que tu peux avoir des retards et que ça peut arriver, pas de problème. Mais c'est, y en a plein, dont un qui est connu, qui a pris des milliers de commandes, qui a fait travailler d'autres gens moins chers, n'a jamais livré les figurines, les a perdues parce qu'il savait pas à qui il avait passé les figurines, et c'est une catastrophe. Ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Mais c'est si j'ai connu des peintres pro qui avaient 3 ans de retard, et ça les choquait pas. 3 ans de retard, c'est chaud, frère. Ça commence à faire beaucoup, hein. Un peu, ouais. C'est moi quand j'ai une semaine de retard, ça m'empêche de dormir, alors. Ah ouais. Allez, un monsieur stressé, Bubble Ben. Ah ouais, ouais. Ok. Bon, je dis ça en même temps, j'avoue qu'il y a des moments où moi, je bourre pour rendre à l'heure, donc je stresse pas, mais ouais, j'aime pas être en retard non plus. Ouais, mais speed pour pouvoir finir un truc, ça fait plaisir quand tu l'as fini. Après, on est dans un truc contemplatif. Si tu nous mets pas, si tu mets pas de deadline, les trucs ils sont pas faits, quoi. Ouais, mais même pour toi, il faut s'en mettre. Même si ton client il t'en met pas, faut se mettre des. C'est important. Mais surtout, faut dire. Là, j'arrête parce que après, j'ai envie d'aller vivre ma vie, élever des chèvres. Ah, toi aussi, t'es un fan de chèvres ? Ah, chèvres, non, mais c'est vrai que. Ah, je suis déçu. Moi, j'ai 2 chats. Si je pouvais avoir des chiens, des ânes, des canards, je rêverais d'avoir des canards. C'est vrai que c'est stylé, un canard, quand même. Hein. J'adore cette putain. C'est un peu tu vois, l'animal le plus street cred de la basse-cour, quand même, le canard, je trouve. Tu vois, la démarche et tout, le regard. Non, moi, c'est surtout les canards de basse-cour où c'est une volaille, mais ça bouffe tout ce qui traîne. Ça a l'impression d'être heureux en permanence. Ça a juste besoin d'un peu de flotte. Ça te bouffe les serpents dans ton jardin et ça a une trop bonne tête. C'est trop bien, les canards. Ok. Et j'ai un autre pote, Fabien, qui est fan de canards de ouf. Donc, J'aime beaucoup. J'ai le joueur du grenier aussi. J'adore son truc. J'adore les canards. On y a déjà plus ou moins répondu, mais selon toi, si les qualités de quelqu'un qui veut se lancer dans la peinture pro, genre le top du top. La constance. Il faut être constant, il faut arriver à rendre des trucs dans les temps. Et je dis ça souvent à des gens qui veulent travailler en boutique de jeux. Le premier truc que vous faites, c'est aller passer une convention et faites des démos de jeux pendant 48 heures. Parce que c'est ce que tu vas faire tous les jours. Si tu as un peintre pro et que tu dis « Moi, je peins 2 heures et puis ça me plaît de peindre de temps en temps, mais quand j'ai une obligation, j'ai pas envie de peindre, ça marche pas. » Après, moi, c'est particulier. Je fais ça depuis 12 ans maintenant. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de peindre la même chose. Donc, il faut que j'arrive à me renouveler ou à faire des trucs différemment. Ouais. T'as des projets ou des perspectives d'évolution par rapport à justement ce fait d'en avoir marre ? J'essaie de trouver ailleurs et de faire différemment. Là, par exemple, tu vois, j'ai fini de payer le prêt de ma maison. Mmh. Ce qui veut dire que ma perspective, c'est que j'ai moins besoin d'argent. Ouais. Et ma perspective, c'est je vais toujours être dans le monde de la figurine, je vais toujours être ça,
soit je vais faire peintre ailleurs, soit je vais travailler dans une entreprise autour du jeu quelque part. Ouais. Soit la Fédé va grossir et on va s'occuper de la Fédé. Et pour, mais pour l'instant, c'est pas du tout un plan ni. Enfin, c'est. Comment dire ? On en a parlé au bureau pour se dire est-ce que c'est possible ? Ouais. Ça a, et c'en est là. D'accord. C'est-à-dire qu'on a même pas, on a à peine commencé à dire pourquoi, comment. C'est pourquoi on devrait être payé. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que ça continue de se développer, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est surtout que en fait, y a tellement de projets qui nous tombent dessus avec tellement de trucs à faire que c'est moi qui ai dit. Alors, je sais que c'est moi le trésorier et qu'il faut gagner de l'argent, mais à un moment donné, on va mourir. Ouais. Si on fait tout à la fois. Ou alors, on fait tout à la fois, mais on va le faire bien. Donc, il faut se dire, quelqu'un va être payé. Ok. Ouais. Est-ce que ça choque quelqu'un ? Ok. Quelles sont les conditions ? Pourquoi ? Comment ? Ah, mais on veut payer les arbitres. Ok, mais ça veut dire que ceux qui sont bénévoles, ils ne vont pas se déplacer, tu ne les payes pas. On parlait un peu de ça tout à l'heure en France. Je sais qu'il y a, ça arrive régulièrement dans le chat. Le fait qu'en France, l'argent, c'est tabou. Alors, moi, j'en rigole beaucoup. C'est un running gag sur le chat, enfin, sur le live, de toujours dire que j'aime l'argent. Ça me fait marrer. Est-ce qu'il y a aussi de ça un peu là-dedans ? C'est une peur que vous avez, la réaction un petit peu des gens, justement ? Je pense qu'il y a ça. Ouais. Moi, c'est plus mon taf de trésorier qui fait que... Est-ce que tu as envie d'être payé ? Déjà, mon taf de trésorier dit « Je ne peux pas décider de me payer. » C'est-à-dire que s'il y a des choses à payer, le bureau doit décider de me payer. Ouais. Parce que c'est moi qui ai l'argent. Voilà. Et mon premier principe est de dire... Déjà, rends l'argent. C'est ça. Rends l'argent, s'il te plaît. Et les costumes. Et la mèche. Je la garde. Non, elle est belle, tu la gardes. Je la garde. Donc d'abord, tu as ça. Après, j'ai du mal à me dire on va être payé dans le vide s'il n'y a pas de projet, de plan et de planning. Si demain, je fais un planning complet en me disant bah, là, vous voyez, avec la totalité des trucs qu'il y a à faire à trois personnes, il faut que les trois personnes soient payées. Même si c'est 10 heures par semaine, on va savoir qu'il faut payer. Tu peux très bien, et on peut très bien faire un chèque emploi-service et payer un mec 4 jours, puis un autre 8 jours, et à un moment donné, quelqu'un 2 semaines pour faire X ou Y. Je pense que la première étape, ce sera ça, ce sera de la mission complète. Mais j'ai vu des associations plus petites à 100 personnes avoir des trésoriers salariés. Mmh. Moi, je trouve que c'est un peu perdre du temps, mais voilà. L'année prochaine, on va prendre un expert comptable parce qu'on a fait trop d'events et trop de sous, donc on est gros maintenant. Ouais. Selon comment, combien de réunions et combien de temps ça va me prendre, les réunions avec l'expert comptable, je ne vous dirai pas la même chose. Ouais. Quand je vois le temps que ça me prend pour mon entreprise à moi, et encore, moi, je suis comptable, donc j'en ai fait, donc je simplifie le truc, ça prend du temps. Ça prend du temps au début. Après, quand tu sais comment ça tourne et que tu as un type, là, moi, ça va, enfin, tu fais... je fais 8 factures à l'année. Donc... Ouais, ouais, je comprends. 8 ou 10. Donc, je fais 8 ou 10 factures, c'est que dalle. Là, la Fédé, c'est 75 événements avec des gens qu'il faut payer. Donc, tu n'as que des trajets. Puis, il y a des fois, il faut aller faire des tournants en extérieur. Il y a des trucs à l'international et il y a d'autres choses à faire. Et on a des fois, tu as des arrivées d'argent de tournois énormes. Donc, Après, moi, je t'avoue, demain, vous me dites la FEC, genre. Vous organisez une ligue un peu, tu sais, comme un championnat de, tu sais, en France, un peu médiatisé et tout. T'as des équipes à suivre, machin et tout. Moi, mon gars, je te vous file toute ma thune. Ça vend du rêve, hein. Genre, il y a ça, je peux regarder des matchs de Warhammer à la téloche en mode énervé avec des joueurs, tu sais, qui sont machin. Mon gars, moi, je m'abonne tous les jours, hein, je vous file de la thune. Tu vois ça ? On a fait un Twitch avec la FEC qui ne fait que parler de ce qu'on fait à la FEC. Donc, t'as souvent répondre à des questions de règles. Où on en est de la Ligue et des tournois, l'équipe de France, elle est allée où, voilà. Mais on ne suit pas l'équipe de France en tant que journaliste sportif. Ouais. C'est-à-dire, Four Game Studio fait son truc, et de temps en temps, il parle du WTC. Mm-hmm. Il est allé à Atlanta, mais par contre, il ne s'occupe absolument pas dans l'année de quelle équipe fait quoi, à quel endroit de la Ligue. Est-ce que demain... Il y a un vidéaste ou quelqu'un qui a des compétences en vidéaste. Il te dit, je veux suivre une équipe de Ligue 1 sur l'année, retranscrire ses matchs. C'est possible, ça, de le faire ? Ouais. Ok. Les droits pour pouvoir retransmettre, tu dois avoir l'autorisation des adversaires. Mm-hmm. Quand tu veux filmer des parties.
tu peux filmer des parties par au-dessus, tu peux ne pas te faire enregistrer. Enfin bon, il y a plein de choses. Tous les tournants dans lesquels on fait sont des salles publiques, donc tu as autorisation d'accès, mais tu n'as pas forcément autorisation de filmer. Ouais. Pour filmer, il faut l'autorisation de l'orga. L'orga, c'est pas nous. On est co-orga. C'est okay. Ceux qui ont la salle. Si tu prends... alors, à côté de chez moi, c'est particulier parce que les assos font rien, c'est moi qui organise. Mais disons que là, je vais aller chez les Griffons à Bordeaux, qui ont fait plein de trucs vachement bien. Il faut que le mec qui organise chez les Griffons me dise « Je te donne l'autorisation de filmer ». Donc, ça veut dire qu'il faut que le vidéaste puisse passer par la Fédé pour avoir les autorisations de tout le monde. Ouais. Ce serait génial. Parce que créer de l'engouement par rapport à la Ligue et par rapport au travail d'une équipe toute l'année, c'est bien. Ouais. Évidemment, ce serait plus intéressant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On est d'accord, bien sûr. En Ligue 2. On vend les meilleurs, comme d'hab. Voilà. Donc là, je vais vous vendre les meilleurs, dont deux des mecs sont au bureau, les no-name. Ils ont fait deuxième à Léoben. L'équipe, les joueurs qui sont dedans sont parmi les meilleurs du monde et ils font des événements internationaux tout le temps. S'il y avait des gens qui les suivaient à l'année, et qui pouvait par exemple montrer comment on s'entraîne, qu'est-ce que c'est de fabriquer une matrice, qu'est-ce que c'est de penser à l'année de son travail, et le temps qu'on met pour jouer, et de faire partie de l'équipe de France. Ouais. Parce que c'est une équipe, certains joueurs de cette équipe-là font partie de la délégation française pour être en équipe de France. Okay. Donc ça fait partie de plein de trucs. Sauf que là, c'est des mecs de l'équipe de France qui doivent de temps en temps se filmer pour dire « Merci les gars de nous filer de l'argent, et en fait, on n'a pas le temps, on fait des trucs. » Bien sûr. Et tu vois, par exemple, si on a un sponsor, ça veut dire que tu es obligé de faire de la pub au sponsor. Ouais. Donc ça veut dire que dans la FEC, il faudrait qu'on ait une équipe pour filmer. Ouais. C'est un métier. Moi, je suis nul. Hein. Ouais, mais c'est des opportunités aussi. On peut dire à quelqu'un qui a de la thune, qui veut participer, entre guillemets, au développement de la FEC, c'est une option. C'est un truc à travailler, en tout cas. C'est toujours bien de... Oui. Bah, tu pourrais suivre la ligue. Après, je sais qu'il y a d'autres, il y a des youtubeurs qui veulent venir pour pouvoir faire du contenu. Ouais. C'est particulier parce que c'est leur truc à eux, ils veulent filmer des games. Ouais. Quand tu vois la qualité à laquelle on peut atteindre, et si la qualité n'est pas géniale, faut aussi comprendre qu'il faut aller dans le sens de la Fédé. Bien sûr, il faut la vendre, c'est ça le but. Ouais, c'est-à-dire que si t'es un peu anti-fédé, mais que tu veux venir faire filmer les games et venir cracher à la fédé... Il y a vraiment des gens qui font ça. C'est quand même bizarre cette affaire. Ouais. Je sais pas, moi je me dis, enfin, je suis... j'ai pas les moyens techniques, mais demain, moi, je peux aller suivre une équipe, machin. Je veux suivre une équipe, tu vois. Je veux suivre les coulisses, je veux tout voir, et quand on fait les matchs, je veux dire c'est qui le joueur, qu'est-ce qu'il fait, qu'on le connaisse et tout, tu vois. Donc ça me paraît quand même bizarre... En fait... Comme... T'as envie d'être le joueur, enfin on dit le 9e joueur de l'équipe parce que t'as le coach, mais tu as le média. Pour l'instant, on n'en a pas, alors que les équipes d'e-sport ont du média pour les suivre. Bien sûr. Et en fait, une équipe média pour l'équipe de France et la délégation française ou les équipes de la Ligue 1, ce serait extraordinaire. Bah, ça, en fait, ça me paraît presque étonnant que ça ne soit pas le cas encore aujourd'hui. Eh bien, War Adventure... Ouais. Elle l'a fait avec l'équipe belge. Bah, c'est trop bien, franchement, c'est trop elle cool. Elle est allée voir l'équipe belge en disant, en fait, je vais vous suivre et je vais aller à tous les tournois. Mmh. Évidemment, elle ne peut pas aller à tous les tournois. Tu prends là, par exemple, il y en avait deux qui étaient dans l'équipe... parce que tu as une différence entre l'équipe française et les équipes privées. Enfin, privées. Les équipes locales. Genre, les no-names sont une équipe du sud-est de la France. Ouais. Ils ont pris... tous leurs joueurs n'étaient pas dispo pour aller en Autriche. Ils sont allés prendre les deux joueurs belges qui n'avaient pas d'équipe. Mmh. Donc, ils ont fait une équipe comme ça. Tu prends la délégation française devait y aller, ça ne s'est pas fait. Les seuls qui étaient dispo, c'était les PU. Mais en fait, ils ont fait une équipe PU et ils y sont allés. Okay. Donc, c'est un poil particulier. Mais il faudrait le faire. Il faut voir aussi si la mentalité est là. Parce que tu as des mecs qui s'entraînent, savoir quel codex tu joues, comment, pourquoi et par rapport à qui. C'est une information que tu ne veux pas trop publique, tu vois. Ouais, mais ça pour moi c'est un non-sujet parce qu'au pire des cas, tu vois ça, tu diffères la vidéo, tu la sors pas maintenant. Mais je pense aussi surtout que c'est plus aussi secret que ce qu'ils croient. C'est-à-dire qu'on est suffisamment nombreux à jouer et à voir et à se parler pour qu'en fait on connaît tous les techniques. Ouais, d'accord. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui s'entraînent plus que d'autres. Voilà. Enfin, tu veux être bon, il faut s'entraîner tout le temps et il faut avoir un poil de talent. La peinture, c'est pareil, il faut avoir un petit truc avec et il faut s'entraîner tout le temps. Ok.
Bah écoutez, si un partenaire BNP, Justin Bridou, Apple, Coca-Cola qui veut participer à cette aventure, voilà, c'est pas... C'est vrai qu'après, ce qui manque, c'est la thune, hein, parce que... Ouais, Marc de Lunette, exactement. Comme d'hab, hein, le nerf de la guerre, c'est la thune, parce que bah, pour le coup, faut que la personne aussi vidéaste, faut qu'elle puisse vivre, parce que se déplacer dans tous les tournois, avec le montage vidéo et tout ça, le setup à trimballer, c'est quand même des sous. Et puis derrière, bah, vous, c'est pareil, mine de rien, ça commence à prendre du temps, donc il faut des sous aussi. Donc venez, les gens qui ont des sous. Ouais, c'est ça. Non mais vraiment, j'ai envie de repeindre des figurines de concours, quoi. Ouais, bah oui. De vivre un peu, bordel. Voilà. Mais je suis pas sûr que pour l'instant, c'est vraiment l'argent, il y en a besoin pour l'équipe de France et la délégation française pour Atlanta et le WTC. Et après, il y a besoin de bras pour la FEC. Mm. Si on a d'autres projets, on verra après. Mais pour l'instant, là, par exemple, on n'a pas assez d'arbitres tout le temps. Et on n'a pas assez de gens qui font des trucs pour nous simplifier la vie. Donc, vaut mieux aller dans le local. Si vous voulez vraiment filer un coup de main, filez un coup de main à votre organisation locale. Faites un tournoi à 30 joueurs. Appelez-nous. Et à un moment donné, quand vous faites plein de tournois, si vous voulez venir au bureau de la Fédé pour pouvoir nous aider à en faire encore plus... Ça, voilà. Ça nous manque. C'est le premier truc qu'il faut faire. Mmh. L'argent, si on veut faire des projets après, ça viendra parce qu'on a les projets qui viennent, parce qu'on est bon. Et dans ce cas-là, on verra après. Mmh. Et puis même, si jamais il y a des gens qui veulent filmer des parties, si on peut commencer petit avec des petites games, des petits machins. C'est... Enfin, moi, si vous venez me voir, je trouve toujours que toutes les parties devraient être... Enfin, devraient être filmées. Non, mais j'accepte toujours qu'on filme une partie. Ça dépend de l'adversaire. Déjà parce que j'aime bien parler et que je ne m'arrête jamais. Ce qui est très bien pour les c'est très bien pour les interviews. C'est pratique. Ah ouais, là, ça je remplis ça. Ouais. Des fois c'est du vent mais je remplis. Ah ben c'est pas mal, tu vois. Moi je pose une question, je vais me faire un café, je reviens, nickel. Tu vois. Podcast, tout va bien. En fait, tu vois un écran. Je suis à la caméra depuis tout à l'heure, mais je suis pas là en fait. Hein. Je suis dans ma cuisine, là je fais la vaisselle. C'est ça. Là tu vois le petit vrombissement derrière. C'est pas mon aéro qui démarre. Je ronfle. Très bien. Bah écoute, il est déjà plus de minuit. Alors ce qui est bien, c'est qu'on pourra en faire une deuxième parce que t'as quand même beaucoup de choses à raconter. Comme tu fais du jeu, tu fais de la fake, tu fais de la peinture pro, ça va vite. Ça va vite. Donc il est fort possible que je te repropose un de ces quatre de repasser. Parce que je me rends compte que j'ai plein de questions que je n'ai pas résolues. Donc ce sera avec plaisir. J'espère en tout cas que, mesdames et messieurs, vous avez kiffé cette petite interview. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à le faire. Je vais vous envoyer en stream, en raid, chez War Adventure, justement, on en a parlé tout à l'heure. Elle démarre sa chaîne de stream, donc si vous pouvez aller lui mettre un petit chevache dans le chat quand le raid sera fait, ça me ferait très plaisir, et elle aussi. En tout cas, ouais, chevache, c'est tout. Rien de plus, c'est dangereux après. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'apprendre à te connaître un petit peu plus parce qu'encore une fois, on s'est croisés régulièrement, mais finalement, on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter pas mal. N'oubliez pas, si vous avez besoin de commissions, alors surtout si vous avez des figues individuelles à peindre ou des projets un petit peu plus sympas, n'hésitez pas, vous avez son Instagram que j'ai épinglé au-dessus. Ça lui fera super plaisir et puis ça lui permettra de remettre un peu de piment dans la relation peinture-luresque. Et après, quand je gagnerai plein d'argent, j'irai prendre des cours chez Gériot. Ah là là, de toute façon, tu viens quand tu veux prendre une petite bière. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais appuyer sur le bouton si t'as autre chose à ajouter. Oh bah non, tu sais, j'en ai bien assez dit. Bien assez dit déjà ? Oui. Ah, moi je suis sûr. Il est minuit 10. Ah, j'en ai plein encore. Bah, bien sûr. Pas tout d'un coup. C'était l'introduction là. Chapitre 1, la semaine prochaine. Dans 3 semaines, ma vie, mon œuvre. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, je vous fais plein de bisous. Merci d'être resté avec nous ce soir. Et moi, je vous donne rendez-vous à demain, 14h, pour de la sœur de bataille. Voilà, la vie en rose. Plein de bisous, merci encore. À la prochaine. Bisous. Salut.